Team Rediffusion, si vous êtes par ici, bonjour à vous ou bonsoir suivant l'heure à laquelle vous regardez cette rediffusion. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Ce soir, Dokkan Battle encore une fois, Goku Rush. Ouais, je l'avais dit, on allait en faire. Cyborg, Saga, Saga de Cell, Cyborg aussi. Donc beaucoup de Cyborg ce soir, normalement ça devrait plus ou moins bien se passer puisque c'est des catégories dans lesquelles on a pas mal de bonhommes qui augmentent leur défense à l'infini. Donc en soi, je suis pas trop inquiet. Bonsoir à ceux qui arrivent sur le chat. Ça va ou quoi, Raijin? T'es le premier arrivant. Salut OGA, salut Jaiden, salut Pa, salut Yonki, salut Nabil, salut Sanjojo, Zeltub. Et oh ben ça y est, d'un coup c'est arrivé, boum 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 d'un coup, salut Crazy, salut Ryan, Max, Turok, ah ouais d'accord, là c'est bon, là vous êtes arrivé un peu trop vite à mon goût là. Ça va ou quoi les gens? Vous allez bien, en forme? Avez-vous passé une bonne journée? Telle est la question aussi. Deux secondes, je vais mettre mon téléphone en charge le temps que vous arrivez. Ça va ou quoi Bilal aussi? En forme? Salut Emilien, salut DST, oh y a vraiment trop de monde là. Bob, Louis, Loulou, ok pas de soucis, t'inquiète, je te reconnais. Ça va ou quoi les gens? Allez, je vais mettre juste ça en charge et on est bon. C'est juste derrière. Zoom. On va le mettre là. Hop là. Ouais, moi ça va les gars, ça va, tranquille, en forme. En forme, en forme. Prêt pour un petit live sur Dokkan, tranquillou. Petite canette de coca, on va se faire plaisir. Et let's go quoi. Non, je joue pas à Bleach. J'ai pas le temps, je joue déjà à trop de jeux mobiles. C'est déjà compliqué. À côté de ça, là je suis en train de faire Dokkan. À côté de ça, j'ai Nanatsu qui tourne aussi en off là, puisqu'il y a le fort du coup qui a moins 50% sur l'ACT. Donc ouais, je joue à deux jeux en même temps. Je live, je fais plein de choses quoi. Salut Lilian du Maroc, ah oh, t'es bien Erwin, ça va ou quoi? Ça se passe là-bas? Le Goku LR, non Emilien, je l'ai pas drop. J'ai fait une vidéo là-dessus et malheureusement j'ai pas réussi à le drop. J'ai pas réussi à le drop. Par contre, j'ai fait une énorme boulette cet après-midi. J'ai fait une boulette de ouf. Et j'ai envie de mourir. J'ai vraiment envie de mourir. C'est très rare que ça m'arrive. Je pense que c'est même peut-être une première depuis peut-être 2-3 ans. Je crois que ça m'était pas arrivé depuis. J'ai vendu un personnage. J'ai vendu un personnage dans la boutique que je venais de monter Spédis en plus. Alors autant te dire que je l'ai un peu de travers. Toute l'après-midi, je me casse les fesses à le monter Spédis. Et je sais pas ce que j'ai fait. Je crois que je l'ai vendu ou je l'ai donné à quelqu'un à manger. Je sais pas comment je me suis débrouillé. Ah, bien sûr, c'est important le hashtag Solibraire et Raijin. Très important. Hein. Et c'est lequel? T'as vendu qui? J'ai vendu, alors je vais vérifier quand même au cas où, mais... on va aller en famille Vegeta. Ah, j'ai fait une boulette de ouf. Famille Vegeta, URLR. Ah mais non! Non, en fait, j'ai dit une connerie. Attends. En fait, non. Ouah, c'est moi qui suis débile. Oh, yo, Doui, ça va ou quoi? Ouah! Oh, j'ai eu peur. Ok, c'est lui. Mais en fait, je l'avais pas monté URLR et je triais par URLR cet après-midi, c'est pour ça. Ok, tout va bien. J'ai cru que je l'avais vendu. Je le retrouvais pas. En fait, c'est juste parce que je triais par URLR, donc je le retrouvais pas dans la liste. Je me disais, mais putain, il est où et tout, je comprends pas. Je me suis dit, ah, c'est bon, je l'ai donné à manger, c'est obligé, j'ai dû faire une connerie. Et en fait, c'est juste que je l'ai pas monté encore UR. Ok, c'est bon, allez, c'est bon, je suis heureux, c'est bon. Vas-y, on va le Dokkan d'ailleurs maintenant, direct. Waouh, finalement, tu l'as pas rendu. Ouais, non, finalement, non, donc tant mieux. Ouais, non, j'aurais été un peu déçu, Ken. Salut les lunettes. Salut Marwan, ça va ou quoi? Merci, t'inquiète, Lord, on va y arriver, les Goku Rush, ça va le faire. Ah, Doui, t'as invoqué un peu ou pas du tout, alors? Est-ce que t'as eu du lourd dans tes invoques, si t'es invoqué? On va faire ça comme ça. Le week-end, enfin, et toi? Bah, écoute, ça va, le week-end aussi, hein, enfin, hein, il était temps, hein. Ça va ou quoi, Valence? En forme? Tac. 6 DS, ah, j'en ai pas beaucoup, des DS, ah, je vous avoue que... Alors, ouais, vous êtes peut-être pas au courant. T'es un ouf, toi, je pack pour les 5... Ah, mais t'as bien raison, Doui. Alors, d'ailleurs, moi, j'ai fait une grosse boulette. Enfin, une boulette. Est-ce qu'on doit appeler ça une boulette ou pas? Pour certains d'entre vous, vous le savez, j'ai fait ma vidéo invocation sur Dokkan. J'ai fait ma vidéo invocation sur Migaté. Et dans la vidéo, j'ai mis quoi? 300, 350 DS, quelque chose comme ça. Je ne l'ai pas eu. Voilà, ça fait partie du jeu. J'ai eu un beau Jack LR quand même. Ceci dit, hier soir, j'étais sur live de Fafa jusqu'à 5-6 heures du matin. Et on a invoqué hier soir aussi, hier soir en off, sur le live de Fafa, vous étiez pas forcément là, mais on a invoqué, tout le monde a invoqué, c'était incroyable. J'ai pris deux paquets hier soir,
J'ai pris deux pack-aves supplémentaires, 70 euros. Autant vous dire que j'ai même pas eu une seule animation, quoi. Voilà. Voilà. Voilà, voilà. Non, alors dans ma vidéo Diabli, j'ai pas mis 250 DS. J'en ai mis 250 de base, plus un pack-aves en plus, donc plus 100 DS. En fait, j'ai fait un cut, je sais pas si t'as vu, à un moment donné, j'ai cut et j'ai relancé. Donc au total, j'ai mis 250, 350, 450, 550 DS. Pfff. Je suis un malade, moi. Moi, je suis un malade. Je suis vraiment un malade. 550 DS. Mais je le voulais. J'étais là, Abda et Yanis. Ils ont eu fusion et ils l'ont pas eu. Ouais, ils l'ont pas eu, mais ils ont eu DLR. Fafa, il a eu du LR. Yanis, il a eu du LR. Abda, il a eu du LR. Il y a que Shinny et moi-même, on n'a pas eu de LR. Là, je suis au bout de ma vie. 70 euros, même pas une animation. Franchement, je suis dégoûté. Regarde, ma banque, elle est morte, quoi. Voilà. Il me reste une solde à récupérer. Super. Et même pas, je la prends, quoi. Tellement. Je me suis ruiné hier soir. Je me suis ruiné. C'était hardcore, quoi. Tout ça, et en plus je l'ai pas mis gâté. Je suis grave dégoûté parce que c'est vraiment un perso que je voulais. En plus, en général, les portails comme ça légendaires, ils me portent bonheur, mais là ouais, pour le coup ça a pas payé. Je suis grave deg. Ouais, Gourbil, ouais, mais pas tous, j'ai pas pu tous. Le nouveau Migaté est très bon. Bah, bien sûr qu'il est très très bon. Évidemment qu'il est très très bon, le nouveau Migaté. Bon, lui au moins c'est bon, je l'ai monté. Par contre, j'ai pas monté son arbre. On va aller le faire, ça. Augmente fortement l'attaque et la défense pendant un tour. Hein, c'est pas. Ouais, il augmente pas à l'infini, quoi. Ok, d'accord, ok. Très bien, on va juste aller augmenter son potentiel quand même. T'as pas fait le doigt de freezer. Ouais, j'ai déconné, ouais. RP ce soir, il y a possiblement des chances qu'on fasse du GTRP ce soir avec Paul Ladouille, effectivement, sur Twitch, évidemment. Alors, est-ce que j'ai les gemmes pour... Wow, 19 000, ah ouais, d'accord, je suis blindasse. On va aller augmenter ça, évidemment. Naruto Online, non, j'y joue absolument pas. J'attends le Slugfest. D'ailleurs, il y a une nouvelle date qui a été donnée ou pas encore? T'as vu la match pour Xenoverse 2? Caillot du Temps, c'est ça? Caillot du Temps, oui. Mais j'ai pas vu de date, par contre. Si je dis pas de bêtises, il n'y a pas de date, non? Si je te dis pas de bêtises. Tac, tac, tac. Tac. Tac, numéro 2 rentable. Numéro 2 rentable, qui ça? Blazing, c'est grave bien maintenant. Bah, vous pouvez pas dire c'est grave bien juste parce qu'ils ont rajouté un personnage 7 étoiles. À moins qu'ils aient fait d'autres hommages derrière et tout. Après, Blazing reste un bon jeu. Hein. Clairement, en soi, ça reste un bon jeu. C'est juste que bah, y a beaucoup de gens qui y jouent pas parce qu'il est pas en français, quoi. Non, ils ont changé des trucs. Ah, ils ont changé aussi. Ok, ok. Dokkan est deuxième au niveau des jeux rentables. Sérieux, c'est qui est premier? Comment ça se fait qu'il a pas fait un premier avec Migaté? Comment ça se fait? J'ai eu Migaté pour 100 DS, BGG. Hein. Malheureusement, c'est pas mon cas. Bref, les amis, on est là pour du Goku Rush, catégorie Cyborg, Cyborg Saga de Cell. La dernière fois, qui était là? Attends, juste un petit interrogatoire. Qui était là sur mon précédent live Goku Rush, donc la semaine dernière? Qui était là? Juste, on va y aller par étapes. On va insulter des gens là. Qui était là sur mon précédent live? Goku Rush, rien. Moi. Ok. Il y en a certains qui étaient là. D'accord, très bien. Parmi les gens qui étaient là, maintenant, parmi les gens qui étaient là, qui m'a fait acheter le C13 de la boutique? Qui sont les coupables? Qui sont les coupables de m'avoir fait acheter Jean-Paul? Il est où? C'est là-dedans? Non, c'était avec les vertes, je crois. Ouais, c'était avec ça. Qui est coupable de m'avoir fait acheter Hervé, là? Il ou Hervé, lui? Moi. Ah ouais, moi. J'espère que vous êtes fiers de vous, hein. J'espère que vous êtes très fiers de vous, les gars. Vous m'avez fait claquer je sais pas combien de gemmes vertes pour lui. Alors, en soi, c'était une très bonne idée. En soi, je retiens que c'est une très bonne idée, parce que quand tu fais renforcer, effectivement, que tu vois son éveil d'Okan, ah, j'avoue, augmente l'attaque et la défense à l'infini. Donc sur ça, j'avoue, stylé de ouf. Non, franchement, stylé de ouf. Parce qu'en soi, il augmente la défense à l'infini. Très bien. Sur ça, c'est vrai que j'avais vu ça la dernière fois, je me disais, putain, grave stylé, vas-y, on l'achète. Sauf que, je vous déteste ceux qui m'ont fait faire ça. Je vous déteste pour une raison. Il est où? Il est là. Spédis. Par contre, ces médailles d'éveil, on les obtient comment, les gars? L'event, il n'existe même plus sur le jeu. Il n'existe même plus, l'event. Il est même pas dans les clés, il existe même plus. Donc on peut pas l'éveil d'Okan. Donc du coup, ben voilà, on peut pas le jouer. On peut pas le jouer, ça sert à rien.
Ouais, j'étais à RP ce soir, Martich, ouais. Voilà, donc on m'a fait prendre le C13. Surtout que le pire dans l'histoire, le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est qu'il a fallu le farm pour le monter SP10. Parce que lui, tu le montes pas SP10 avec des cailles, tu peux le monter gratuit. Il y a, je crois, dans le chapitre 18, mission 4 du mode histoire. Si je me trompe pas, tu sais quoi, on va aller vérifier, mais je crois que c'est chapitre 18, mission numéro 4. C'est ça, zone 18. Non, c'est pas ça alors. Attends. Non, c'est pas là. C'est pas la zone 18 alors. C'est peut-être zone 14, non? Ouais, c'est ça. C'est ça, 14-8. Voilà, 14-8 pour le farmer gratuitement. Mais ça prend du temps, de l'énergie. Eh ouais, et vous m'avez. J'ai farmé tout ça comme un débile. J'ai farmé tout ça comme un débile pour aller l'éveil d'Okan alors qu'il n'y a même pas son event. Je vous déteste, en vrai. Il reviendra plus tard. Ouais, mais en même temps, ils les mettent même pas dans les clés, je comprends pas. Ouais, mais oui, je me suis dit, mode histoire, on le farm gratuit, basta. Je me suis dit, son event, au pire, il est avec des clés. Là, il a carrément disparu du jeu, le mode. Enfin, l'event. Donc voilà, du coup, bah, j'ai pas pu le monter et je vais pas pouvoir l'utiliser aujourd'hui. Voilà, donc je suis un petit peu tristouné à ce niveau-là. Mais vous êtes des salopards, vous m'avez fait farmer pour rien. Je n'oublierai pas ce moment-là. À part si un jour, il y a un Goku Rush qui revient et. Attends. Ah ouais, non, j'allais dire, il n'y a pas le Goku Rush aujourd'hui. Mais en fait, c'est bon, on n'était pas au bon endroit. Dommage. Ben ouais, Ryan. Dommage, dommage. On parlait du C13. On parlait du C13. Oko Nichiran Echo. Qui est le meilleur cyborg? Qui est le meilleur leader cyborg? Le LR ou C17 MVP? Ah, C17 MVP, il est incroyable. C17 MVP va être incroyable. C17. Ah, 100% en plus. Pff, ok. C17 MVP va être incroyable. Manon DPZ qui vient de s'abonner. Bienvenue. Bienvenue. Merci pour le follow. C'est gentil. C'est très agi. C'est très agi. Il sort d'où celui-là? Barça Red 9, bienvenue aussi. Merci pour le follow. Merci, merci. J'enlève mes lunettes 2 secondes. En vrai, des fois, ça me fait grave du bien de les enlever. On est d'accord que C17, c'est le meilleur. C'est le meilleur pour la catégorie cyborg. C'est très agi. Attends, mais il sort d'où lui? C13. Ah oui, si, bah si, je l'ai pas eu. Il est bon lui ou pas le C13 AJ? Bah, je crois que j'en ai même pas de proposé. Alors attends, on va relancer tranquillement. C17 Inde, incroyable, incroyable. Ouais, après le problème c'est que si je prends C17 Inde, j'ai peur d'avoir trop de Inde pour la catégorie cyborg et arriver au Migaté, le puissance, de me faire foudroyer. Mais genre vraiment, foudroyer de ouf, tu vois. Il crit contre les Goku. Ah ouais, wow, cheaté de ouf ça. Sasuke Boruto. Merci pour le follow, tu régales de ouf. Pourquoi il n'y en a pas un seul? Ok. Je sais pas pourquoi. Tac, je remets mes lunettes. Catégorie. Bah ouais, mais c'est quoi? C'est catégorie cyborg, non? C17, il est poussiéreux. Non, non, mais je sais pas, c'est que il n'y en a pas surtout en fait. C13 a une attaque inesquivable. Ah, attaque inesquivable. Ok. C13 ne peut pas se faire esquiver. Putain, c'est grave fort ça en vrai. C'est super fort en vrai. Attends, je vais faire ça juste. Vas-y, toi, on t'enlève juste. Classe super. Oui, prends le C13 agi, critique. Classe super. Non, c'est pas un super. Hein. C'est pas un super, quoi qu'il arrive. Non, mais on va faire ça tranquillou et on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Hop. Change le catégorie. Ouais, mais tu veux que je mette quoi comme catégorie? Vous voulez que je mette quoi? S'il est pas là-dedans, il est pas là-dedans. Tu veux que je mette quoi? Cyborg. Il est que cyborg, non? Il a quoi d'autre? Il a quoi d'autre comme catégorie? Le truc, c'est que même en allié, j'en ai même pas un seul qui est proposé. Merci, Rki DTE, hein, merci à toi. Ouais, sinon je prends C17, ah, tant pis. Hein. Mais après, j'avoue que C13, pour le Goku Rush, c'est incroyable. S'il a du critique, attaque inesquivable, c'est tout bénef, en vrai, c'est tout bénef. Avec le C13, prends la carte. C14, C15, il détecte l'aspect quand il est. Ouais, mais franchement, j'ai pas ça dans le tour. Je les ai pas farmés, je crois. Ah, il y en a un là, mais. Ouais, mais il. Attends, il est éveil là? Ouais, il est éveil, ok. Le truc, c'est qu'il a même pas de doublon en fait. Ça vaut pas le coup, hein. On est d'accord. S'il y a pas de doublon, ça vaut pas le coup. Objectif Goku, c'est la catégorie? Vas-y, attends. Vas-y, j'enlève ça du coup. Voûte. Objectif Goku, c'est où ça? Attends, putain. Ça, c'est chiant aussi, ce système de catégorie-là. Faut vraiment
qu'il fasse un truc objectif Son Goku. Ah ouais. Ouais, mais il y en a qu'un seul qui est proposé encore et... Ouais. Ok. Ok. Ouais, mais il y en a un seul, mais il a pas de doublon. Je préfère en prendre un avec un doublon au minimum. Salut Amine, salut, C17 End est beaucoup mieux. Ouais, mais le problème de C17 End, comme je vous ai dit, c'est que sur la phase puissance, on va parler japonais, hein, clairement. Hein. On va vraiment parler japonais. Donc je préfère éviter, je préfère partir sur un C13, et surtout qu'en plus, c'est une unité que j'ai pas. Moi, le C17, je vais le mettre dans ma team en leader, mais... Je l'ai jamais testé le C13, donc c'est l'occasion, tu vois, vu que je l'ai pas drop aussi. C'est l'occasion. À condition, bien sûr, que j'en ai un par là qui soit proposé et qui soit intéressant. Il y en a pas, c'est un truc de ouf. Salut Lilian, pourquoi tu fais plus de Fortnite? Ah, je suis claqué sur Fortnite. Vraiment, je suis claqué. Par contre, la dernière fois, on en a fait en live sur, chez Shiny. Franchement, c'était grave lourd. Avec Yanis et Shiny, c'était grave sympa. D'ailleurs, première partie, premier top 1. Ça, c'était grave lourd. Oui, il se fera éclater de ouf. Qui va se faire éclater de ouf? Qui... Merci en tout cas G4B là. Merci à toi G4B hein, pour la donation. Il n'y en a pas un seul. C'est un truc de ouf. Même en ami, il n'y en a pas. Il n'y a personne qui a drop le C13 ou c'est comment? Tu fais des balades. Comment ça des balades Zayd? En quel honneur je fais des balades? Ça va et toi Baptiste? Salut le Muel aussi. Moi je l'ai mais sans doublon. Ah tu l'as drop de week quand même. Waouh, regarde ça. Il y en a pas un seul. Moi j'ai pas doublon. Ouais il m'en faut un avec minimum un doublon hein, sinon c'est un peu compliqué quand même. Enfin après on peut hein, je pense ça sans doublon on peut mais si on veut s'amuser et kiffer autant prendre avec un doublon quoi. Je comprends pas. Dans les guests il y en a aucun qui l'a. Hein. Vous avez deux doublons, il y en a qui ont des doublons dessus? Bah s'il y en a, ouais, je suis preneur à la rigueur. Ah, Raven, ok, très bien, je vois. Ok, très bien. Oh! Oh! Oh, G4B, incroyable! Game for Battle, là. Merci à toi, du coup, incroyable. 10 euros sur le super chat. Bah GG à lui, hein. Clairement, GG à lui, incroyable, merci, hein. Merci pour ta générosité, incroyable. T'es un monstre, frérot. You, j'ai raté quelque chose. Non, t'inquiète, on démarre tout juste. Yo Lilian, je te suis depuis le Japon. Pascal, t'es au Japon, sérieusement? Ah, mais GG ça. T'es où, Pascal, t'es où au Japon, du coup? Ça va, ça se passe, du coup, avec le corona, tout ça, là-bas? Comment ça se passe? J'ai tellement hâte d'y retourner au Japon. En plus, j'ai vu un article, là, apparemment, il y a peut-être moyen de se faire financer une petite partie du voyage dans la prochaine année qui arrive, ou soit de payer moins cher pour relancer l'activité et le tourisme, quoi. Donc... En vrai, je pense que le Japon, ça va être le bon bail d'y aller là, dans l'année qui va suivre. Va falloir se pencher fort sur le sujet, clairement. J'aimerais trop y retourner au Japon, vraiment. Ça me manque de ouf, en vrai. C'était vraiment génial. Même si je pouvais parler à personne, vu que je parlais pas japonais et que j'ai un anglais assez limité. Mais, enfin, en tout cas, surtout que les Japonais aussi ont un anglais très limité. Mais mis à part ça, c'était trop bien. C'était vraiment trop bien. Wouah ! Wesh ! Wesh! Wouh! Wouhou! Oh! Et attends, Game for Battle là! Glory for Battle ou je sais pas quoi là, G4B, incroyable! 100 euros de donation! Même pas un message, rien, il a rien marqué! Il a juste balancé comme ça, incroyable! Bah merci! Merci l'ami, hein. T'es un monstre! Hein. Alors là, des gros GG à lui s'il vous plaît dans le chat! Hein. T'es vraiment un monstre! Incroyable! Oh, il est arrivé comme ça, nulle part! Même pas un message, sauf la toute première donation. Wouah, incredible. Oh, c'est un truc de ouf, trop de puissance. Ah ouais, là il est arrivé comme migaté, tu vois. Il a pas le temps de parler, il a pas le temps de laisser un message de soutien ou quoi. C'est direct, vas-y, boum, grosse donation, on n'en parle plus quoi. Incroyable. Bah merci, hein, G4B. Hein. Merci à toi, hein, t'es un monstre. Hein. Clairement, t'es un monstre. Incroyable. Non, je prends pas le dernier paquet, les gars. Non, parce qu'en fait, faut pas oublier que les super chats, je les reçois. Là, par exemple, on est quoi? On est le 23 mai. En gros, ben, la donation, je la recevrai le 30 juin. Voilà, je la reçois le 30 juin. Donc, je la reçois dans longtemps. Mais en tout cas, incroyable, quand même.
C'est oufissime, quoi. Il a même pas averti, il a rien dit, il est arrivé et pouf, il a tout balancé comme ça, incroyable. Ah, Justin, merci, merci aussi pour le super chat. Et du coup, tu l'as obtenu ou pas? 150 diamants pour avoir le Goku AJLR. Ah, Goku AJLR, c'est lequel? Goku AJLR. Le Super Saiyan? Mais il est dans le portail aussi? En tout cas, merci Justin aussi pour la donation. Le Super Saiyan, il est dans le portail? Je vais vous donner mon code ami pour ceux qui ont le C13. Pour ceux qui ont le C13, du coup, si possible. Alors attendez, je vais vérifier. Enfin, dégager tout ça. S'il y en a qui ont des C13 avec un petit doublon dessus, je veux bien prendre. Je vous donne mon code ami. Après, s'il y en a d'autres qui veulent ajouter, n'hésitez pas. Mais si vous pouvez laisser la place d'abord au C13, ça serait cool. Comme ça, je peux en récupérer un ou deux. Et comme ça, on peut aller taper le run tranquillement. Il a fait 110€. Ouais, 110€ de donation. Incroyable, ouais. G4B, si t'es sur le chat, encore une fois, merci à toi, hein, t'es un monstre. Hein. En plus, t'as même pas laissé de message, rien, t'es comme ça, bam! Incroyable. Je vois Pokémon. Comment, lequel Pokémon? Non, Naruto, Ramo, je vais pas invoquer, non. Non. Après, on peut faire un petit live pour la nostalgie, à la rigueur, pourquoi pas essayer d'invoquer sur le compte des abonnés aussi, mais sinon, c'est pas prévu, quoi. Je te regarde depuis la Chine, non, je rigole. Tricheur. Non, il n'y avait que Pascal tout à l'heure qui m'a dit qu'il me regarde depuis le Japon. Mais j'ai pas vu où il était. Je sais pas s'il m'a répondu avec la donation. C'est parti en cacahuète. Et du coup, apparemment, ouais, il est au Japon. Et je lui demandais où c'est qu'il était au Japon. J'adore tes vidéos. Continue avec les Pirate Warrior et toi sur ma chaîne. T'es un de mes recommandations. Ah, mais merci Inorz. Merci, ça, c'est super gentil. Hein. Je suis dans tes recommandations de chaîne. Ben, incroyable. Merci Inorz. Merci, merci. Hein. Du coup, tu fais quoi, toi, sur ta chaîne? Bon, les gars, heureusement, j'ai demandé des C13. Hein. Il y a tout sauf C13 là-dedans. Je vous remets mon code vite fait. Si je vois qu'il n'y en a pas, ben, tant pis, on partira avec un C17. Hein. Qu'est-ce qui t'arrive, James? Parce que t'as cru qu'il y avait un âge pour jouer aux jeux vidéo ou quoi? Il a marqué, vous avez l'âge de fonder une famille et vous jouez à ça, lol. Ah, tu t'es pris pour qui, toi, sérieusement? En plus, vu ton orthographe... Vas-y, vas-y. Allez, vu ton orthographe, tu racontes n'importe quoi, vas-y. Ah, je déteste ça, les donneurs de leçons. T'inquiète pas, hein, fonder une famille, on a le temps. Hein. C'est pas une course. Hein. Si t'as été éduqué comme ça, tant mieux pour toi, hein, mais bon. Moi, sache que t'inquiète, que je jouerai jusqu'à ma mort aux jeux vidéo. Alors là, t'inquiète même pas pour ça. Hein. Je suis né pour les jeux vidéo. Je crois que je suis né pour ça, en fait. Ah, Doui! 20€, vas-y, cadeau, merci Doui. Incroyable, il régale Doui. Incroyable, monsieur Doui18. Merci à vous pour la grande donation. Yo, ça va ou quoi? Et des gros GG à Doui, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a un C17? Un C13? Ouais, il y en a un là, ici. Il y a un doublon ou pas dessus? Jason. Pas de doublon. SP5 en plus. Ouais, non, non, c'est mort, SP5. Donc en gros, il n'y a personne qui a C13. En gros, vous m'avez mis une carotte, vous m'avez fait perdre du temps de ouf. Allez, go, c'est bon, vous m'avez saoulé. Ah, tu régales, Doui, merci à toi. Hein. T'es un monstre. Allez, j'ai tout refusé pour la peine. Remets, trop tard, vous m'avez fait perdre un temps de ouf. Je relance une fois comme ça, là, et si je vois, il n'y a pas de C13 après, basta. C17, un des mieux. Je pense pas que ce soit mieux, mais... Non, je voulais pas lancer le combat, je suis débile. My bad. Mais vous m'avez fait perdre du temps. Et je refuse ce temps que vous m'avez fait perdre. Pokémon bouclier. J'en ai déjà fait du Pokémon bouclier. Ouais, Didac, non, mais laisse tomber ça. T'as le C13. Non, je l'ai pas, justement. En fait, je le voulais en ami leader, quoi. Je le voulais en ami leader. Ah, j'ai un fond d'écran de mon téléphone. Il est incroyable. Je suis amoureux. À chaque fois que je déverrouille mon téléphone, je suis amoureux. Je vous l'avais montré sur Twitch, mais regardez pour ceux qui sont sur YouTube. Il est pas stylé en vrai. Merde. Rallume-toi. Avec Inosuke. Trop stylé en vrai. Zouf. Merde, je suis encore flou. Ah, Keita, G4B, merci encore. La donation de 5€ sur le super chat. Merci, merci à toi. Tu régales de ouf. Mais laisse un message au moins, je sais pas. Depuis tout à l'heure, il laisse pas de message aussi. Putain, il n'y en a pas un seul, c'est 13, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf, ça.
Regarde ce que fait le C-17 Hunt. Mais je sais qu'il tank et tout, je sais, il est bon, hein. Il est très bon le C-17 Hunt. Je l'ai dans ma team, hein. T'inquiète même pas, je l'ai en ami leader. Bon. Ah, il y en a un, mais 55%. Bon, tu sais quoi, vas-y, je le tente à 55%, on verra ce que ça donne. Je le tente comme ça. Du coup, ma team Cyborg, je vous la présente, la voici, la voilou. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi tout. Bien, pas bien. Qu'est-ce que vous en pensez un petit peu? On va partir avec cette team, du coup, pour la catégorie Cyborg. Moyen. T'es sûr de toi, Marcus? Moyen. T'es sûr? Normalement, on devrait passer tranquille avec ça. Ça peut passer. Ah ouais, vous sous-estimez ça. Pas bien, pas bien. Ah bon, c'est pas mal, ça passe. On est en Goku Rush, les gars. On est juste... Je précise qu'on est en Goku Rush. Par contre, lui, attends, il a de la défense ou pas? Attends, il provoque la transformation. Mon youtubeur préféré, il dit merci, G4B, merci. Enfin un message, il était temps. Merci à toi. En vrai, il a pas beaucoup de défense, par contre, hein. Tu vas prendre trop cher. Ouais, il a pas de défense, en fait. Je suis en train de calculer, là. En vrai, il a vraiment pas de défense, hein. Ah, il a pas de défense. En vrai, ouais, vous avez raison. Je vais pas le prendre, en fait. Tout ça pour ça, là. Ah, j'avais pas vu ça. Merci, hein, G4B. Merci à toi, hein. En fait, tout ça pour ça, mais il a pas de défense. Donc, c'est pas le bon bail, en vrai, ouais. Allez, part comme ça. Attends, on va changer les objets aussi. Tac, tac. Bang, bang. Ils sont où mes items? Tac, tac. Tac. C'était quoi le dernier déjà qu'on prenait? Lewis. Très important, Lewis. Le C13 puis il est plus intéressant que le Dokkan Fest. Mais en soi non, parce qu'il est pas éveil Dokkan, donc non. Mais le Cell LR End aussi. Non, je l'ai pas le Cell LR End, je crois pas l'avoir. Je l'ai pas le Cell LR End. C'est très âgé avec ses 13 int. Ouais, non, mais on va y aller comme ça, c'est bon. Ça passe tranquille comme ça normalement. Ça passe pas. Ah, vous êtes sûr ça passe pas comme ça? 469 000 PV. On va voir si ça passe pas. Le C16 int est mieux si tu l'as. Je crois pas l'avoir non plus. Je suis vraiment pas sûr de l'avoir. Oh bah parfait, déjà on a une rotation, on a C18 et C17 côte à côte. En voilà une bonne nouvelle, Janine. Test, on verra. En fait, vous me faites pas confiance. Et en fait, le problème, c'est qu'à chaque fois, bah, même moi, je me fais pas confiance. Et du coup, j'hésite de ouf. Oh putain, x2. Mais et à chaque fois que pourtant je ne doute pas, ça passe. Donc je ne vais pas douter et ça va passer tranquille avec cette team. Non, One Piece Pirate Warrior 4, il me reste un live à faire dessus encore. Ok, 500 000. Après, c'est pas grave, on sait qu'en termes de dégâts, bon, c'est pas foufou, mais pour le moment, mais ça viendra. Ouais, je sais, Joe, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas l'event pour l'éveil. Il n'y a pas l'event. Boum. Le 1,8 million, par contre, du sel ZTUR, c'est quelque chose aussi. 87 000, 69 000. Ah. Faudrait que je garde... Ouais, mais je suis obligé de garder les deux C17 à côté, en fait. Faut que je les fasse stack. Faut que je les fasse stack. Le C16, je crois pas qu'il ait besoin de stack, non? Ouais, il augmente sa défense juste pour un tour. Il a pas besoin de stack, contrairement au C17. Donc on va y aller comme ça, tranquillement. Ça va et toi, Natsu? Tranquille, en forme? T'as regardé l'épisode de Dragon Ball Heroes, Bing Bang? Il y a l'épisode 3? Il est dispo, l'épisode 3, ou pas encore? Mais c'est 17 futurs, 18 futurs ensemble et dans l'autre rotation les deux celles. Ouais, j'avoue qu'aussi c'est pas con de faire ça, ouais. Ouais, mais en soi, tu sais quoi, je garde les deux C17 dans mes rotations. Ah ouais, mais non, bah non. Eh ouais. Là par exemple, faudrait que je fasse une rotation avec celle. Ouais, non, vous avez raison, je vais envoyer C18 en rotation. Je vais l'envoyer en rotation C18 et. Comme ça, on va faire une rotation avec les celles et une autre rotation avec C17, C18. On va faire ça, ouais. On va faire ça tranquillement. Tac. Et tac. Ça passe crème. Franchement, normalement, la team, là, je suis pas super inquiet. Hein. Surtout que derrière, on va faire Cyborg, Saga de Cell. Et normalement, Saga de Cell, c'est quasi la même team aussi. Ouah, 80 000 quand même. Merci Nathan pour le follow.
Ouais, l'épisode 3 de Super Dragon Ball Heroes est dispo, il est grave bien. Ah ouais, bah écoute, on va, ouais, je vais le mater, bah on fait ça pour demain alors. Il est sorti quand du coup, j'en ai même pas entendu parler. C'est très rare, d'habitude j'entends toujours parler des épisodes de Dragon Ball Heroes. On peut regarder où Dragon Ball Heroes? Sur YouTube, hein. Sur YouTube, normalement tu vas retrouver les épisodes. Ok, à un côté j'ai mes missions d'Anatsu qui sont quasi finies aussi, je vais relancer. T'as pas les cyborgs free to play, Inde hein, qui colle avec ses 13. Je crois pas, Garrosh, je crois pas. Mon Android préféré? C'est compliqué, hein. Franchement, je suis pas trop Android moi de base. Je suis pas très très Android. Attends, parce que j'ai. Ah ouais, mais là aussi pareil, il faut que je l'envoie dans la rotation du coup automatiquement. Vas-y, on va faire ça. On va faire ça. On va faire ça. Ah bah bravo, ça farme bien à ce que je vois. Non, en vrai, ça va, Douy. Tu peux pas me dire que je farme pas. Franchement, ça va. Ma box, elle a grave évolué. Attends, je farme de ouf hein, ces derniers temps. Après, il y a des unités, ouais, je les ai peut-être pas farmées, mais bon. Ça va, en vrai, je commence à être pas mal sur les persos free-to-play. Hein. Par contre, ah oh, ouais, mais là, j'ai peut-être fait une boulette, en vrai. Parce que du coup, j'ai dû mettre le sel en dernier. Mais le sel en dernier, malheureusement, il est sur du AJ. Si ça critique pas, je pars en enfer. Hein. Pff, ça va, pas de spé, tout va bien. Ah, je sais, Dewey, t'inquiète. Tu peux me donner ton compte Blazing? Ça, c'est un truc de ouf. J'ai l'impression que tout le monde me demande mon compte Blazing. Mais non, je vais pas vous le donner, non. Non, je le garde au cas où, on sait jamais. Je sais pas, on sait jamais. Un miracle de la vie. Non, non, je retourne dessus un jour. Refonte totale du jeu, je le garde. Vraiment, hein. Merci Krazy, merci, c'est gentil, merci. Il est sorti hier l'épisode, d'accord. Bah je regarderai du coup. Wouah, deux fois que je prends des spé sur le sel, par contre c'est un peu relou ça. J'ai pas le temps de jouer à Blazing en ce moment, Skyfou. Pas le temps et la motivation. Salut Laurent, salut, salut. 700 000, ok. Donc là, techniquement, on a une première rotation qui va être faite. Perfecto. Ok, qui a le plus de défense ici? 99 000, 109 000. C'est 18 alors, c'est 18 à plus de défense. Ok, bah c'est 18. Ça sera toi la première alors, let's go. Ça va, il commence déjà à avoir 5 000 de défense en vrai à ce niveau-là. Franchement, c'est déjà pas mal du tout. Hein. On va peut-être arriver sur du gros 350 000, 400 000 à la fin. C'est vraiment pas mal. En vrai, je suis sur un bon run pour le moment. Faut pas le gâcher. Hein. Faut pas faire de... Oh, une esquive en plus. Oula, par contre, celle-là... Celle-là... Oh ! Wesh, elle esquive tout ou quoi ? Elle a un passif, elle esquive les attaques ? Ah ouais, Kailou. Oh, dur. Dur pour Soven aussi. 1000 DS, ah, c'est chaud. Hein. Moi, je suis à 550. Je l'ai pas eu non plus, mais bon. Slugfest a l'air prometteur. En vrai, j'espère que les développeurs vont pas faire de la merde avec. Ouais. Faut voir, mais déjà ils ont repoussé la sortie. En plus, ils se chamaillent avec les développeurs japonais. Donc laisse tomber la rengaine. Ici, bon, on a les deux selles côte à côte. Donc là, c'est cool. En voilà une bonne nouvelle, Janine. Bah, du coup, on part en spé. On repart en spé. Oula, par contre, il y a un Dokkan mode qui arrive. Il y a un gros Dokkan mode qui arrive là. Il a eu 4 LR Soven. Ouais, mais après, s'il a mis 1000 DS à la rigueur, ça peut se comprendre aussi. Hein. Boum, ok. Putain, on va partir en Dokkan mode sur un mec qui a plus de santé, quoi. Pumel Party, incroyable à partager toute la... Ah, de ouf, hein, type, t'as vu, Pumel Party, c'est grave lourd, hein. C'est grave lourd. 2 ans de DB Legends, t'en penses quoi, Lilian? Bah, j'en pense pas grand-chose pour le moment, puisque je sais pas ce qui... On va dire, y a rien d'annoncer encore, donc faut attendre... Attendons de voir ce qu'ils vont nous proposer. Tout ce que j'en pense, quoi. Parpan Dokkan mode, juste. Ouais, c'est bon. Parpan Dokkan mode, normalement, on le tue, là, non? Ouah, je prends une spé. Ouille, ouille, ouille. Eh, 100 000. Par contre, elle esquive, mais comment ça se fait? Faut que je regarde son passif, à elle. Elle esquive toutes les attaques depuis tout à l'heure. Enfin, pas toutes, mais une grande partie. Allez, on le tue, on le tue, on le tue, on le tue. Come on, C17. Ton avis sur DV Fighters. Très bon jeu, mais pas du tout mon style. Mais sinon, excellent jeu. Tu le tues. Parfait.
Ok, comme ça on va pouvoir partir en Dokkan Mode en plus avec la rotation des selles. Donc là vraiment, vraiment top ça. Vraiment top, 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 top niveau là ce qui se passe. Top niveau. Juste dommage que je parte pas en SP ultime. Mais ça c'est un détail à la rigueur. Zloop, bon, il me mettra pas 300 000 même s'il m'envoie une spé normalement dessus. Bon, normalement je suis pas mort. Hein. Allez go. Le passif ce combo. Ah c'est pour ça en fait. D'accord, ok. Mathieu, attends, Mathieu, on va te lâcher une dédicace, mais attends 2 secondes. Attends 2 secondes, ok. C'était qui? C'était Mathieu Vuillaume. Ben Mathieu Vuillaume, dédié à toi mon gars. Ça fait combien de temps que tu joues à Dokkan? J'ai commencé le mois dernier. Ouais, le mois dernier, là, j'ai démarré. Et puis, ça va, pour une box free-to-play, elle est pas mal, en vrai. Hein. Elle est vraiment pas mal. Je vais vous montrer après ma box free-to-play. Ouais, mais merci, EGE. Hein. Merci pour le commentaire. Hein. C'est vrai que je me suis un peu amélioré sur Legends, c'est cool. Mais je pense que, dorénavant, mes lives Dragon Ball Legends, clairement, pour être clair avec vous, je pense que je les ferai sur Twitch à l'avenir. Wow, 152 000. Je pense que les lives DB Legends, on les fera sur Twitch. Alors les vidéos, on continuera sur YouTube. Mais les lives PVP, tout ça, je les ferai sur Twitch. Parce qu'il y a moins de... On va dire, entre guillemets, hein, vous mettez pas dans le sac, hein, bien sûr, hein, je ne généralise pas, mais il y aura moins de personnes pour m'emmerder sur mon niveau de jeu, ou pour ci, ou pour ça, par rapport à ma box. Chose qui est très récurrente quand je fais des lives sur DB Legends et qui est un peu relou. Donc on ira sur Twitch faire les lives DB Legends à l'avenir, histoire de s'entraîner. Parce que c'est vrai qu'on a... Franchement, on s'améliore bien. D'ailleurs, tout à l'heure, on a terminé Yekkaize avec un Legendary Finish. Ça, c'était beau de ouf. Et puis les vidéos, on continuera sur YouTube, bien évidemment, quand même. Voilà. On va faire ça, on va faire ça. La bonne régène qui fait plaisir. Faut juste pas partir en. Faut juste qu'on prenne pas une spé d'entrée de jeu, ça serait bien. Juste pas de spé en. Oh, ok, l'esquive en plus, nickel. Salut Sony Yanis, salut, salut. LOE, ma team préférée. C'est vrai qu'elle est incroyable là, LOE. C'est vrai qu'elle est incroyable de ouf. C'est pour dire que j'ai fait un bac en plomberie et puis c'est tout, hein. C'est tout, c'est tout. J'ai pas fait de grandes études, malheureusement. J'étais pas destiné à tout ça, moi. Après ça, du coup, j'ai fait une formation, pareil, de niveau bac, mais totalement pour me reconvertir, parce que j'ai jamais travaillé en plomberie. Hein. Pour le coup, c'était vraiment une erreur d'orientation. Donc, du coup, derrière, j'ai fait une formation, pareil, de niveau bac, pour être vendeur en grande distribution. Et après ça, du coup, après ça, après avoir eu mon espèce de diplôme sur la formation, bah, du coup, j'ai travaillé chez Darty. Bruh, salut DFC Natsu. Salut, salut. T'as fait le combat Goku et Vegeta God vs Beerus sur Kakarot? Oui, bien sûr, j'ai sorti les vidéos, Ahmed. Évidemment. D'ailleurs, que même on a battu Beerus niveau 200. Je crois j'étais niveau 115. Un truc comme ça. Franchement, c'était pas mal. On a fait une belle performance. Pourquoi il a pas augmenté encore sa défense, lui, là? Zloop. Slip. Et se loupe. Non, Smox, je vis de YouTube et Twitch. Hein. Non, 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 je vis de YouTube et Twitch. Clairement, non. J'ai pas de souci avec ça. D'ailleurs, ce mois-ci, grave chaud. On est à 1 500 000 vues, hein, sur le mois. Incroyable. Hein. Celle int ne stack pas sa dev. Oui, le int, je sais. Je parlais pour le puissance. MDR, chaque live, un coca. Ouais, je bois pas mal de coca zéro. Après, ça va, c'est du coca zéro, c'est pas du coca, tu vois. Donc, franchement, ça va. Bon, même si j'ai tapé un Magnum juste avant, mais bon, ça, faut pas le dire. Mais ouais, je me limite un peu, quand même. Hein. Je me limite un peu. C'est pas bien de trop en boire. En plus, si Vivi, elle savait. Si Vivi, elle savait que j'en ai bu deux aujourd'hui, elle me gronderait. Hein. Elle me gronderait. Le puits, c'est SP11, je crois. Ah ouais, c'est SP11 pour qui stack là? Ah non, je savais pas, sérieux, c'est vrai? Wesh les louches, je viens de finir la rediffusion du live de Fafa. Dur pour tes invocations, par contre, vos anciennes vidéos sont légendaires. Ah, 16h, laisse tomber, hein. C'était compliqué, hein, les anciennes vidéos. Hein. Très compliqué, hein. Très, très compliqué. Par contre, ouais, les invocations, on n'a vraiment pas eu de chance. MDR, l'excuse du gros porc, mais c'est du coca zéro. Bon, ça va, après, t'as vu comment je suis, regarde, je suis tout mince, ça va, je suis pas non plus en surpoids, tu vois.
je suis pas en surpoids. J'ai un petit peu de ventre, je reconnais. J'ai un petit ventre roux, mais mis à part ça, ça va. Franchement, ça va. C'est juste que l'aspect 11 est plus puissante. D'accord, ok, ok. Faut que je regarde. Faut que je regarde. Elle est où, Vivi? Bon, elle est chez elle. Hein. Elle est chez elle. Ahmed, je te redis encore une fois, pas besoin de spammer ton message sur le chat, mais oui, je l'ai fait le combat contre Virus, oui, sur Kakarot. Aïe. Ayoub, chez ma mère. Est-ce que les ramen sont délicieux? C'est bon les ramen. C'est bon, c'est bon. Ah si, là, 200 000 de défense, là, ça parle un peu plus. Attends, on va aller voir vite fait, juste par rapport à l'aspect. En fait, ça augmente l'attaque et la défense à chaque fois. Hein. Par contre, celle-là, elle est pas mal parce qu'elle augmente. Enfin, récupération des. Ah, bah en vrai, ça change rien. Le Kamehameha solaire, c'est 12 de ki. Non, non, elle est plus puissante. Le Kamehameha solaire est plus puissant que l'autodestruction. Par contre, l'autodestruction est bien parce que tu récupères 10% de TPV. Donc en vrai, c'est pas mal aussi. Zloop. Mais malheureusement, j'ai pas le choix que de partir comme ça. Ouais, j'ai vu le nouvel épisode Dragon Ball Heroes. Je le regarderai demain, du coup. On le fera en vidéo réaction. Tes live Twitch, c'est de quelle heure à quelle heure et quel jour? Le footballistique, il n'y a pas d'heure précise. Mais en général, c'est le soir plus aux alentours de 22-23 heures. Et les jours, ben, ça dépend. C'est 4, 5, 6 fois par semaine, quoi. Ça dépend de mes semaines, quoi. Ça dépend de mon temps, de ma motivation, de ma santé et de ce que j'ai à proposer, quoi. Non, Fortnite, j'y joue plus, non. Ouais, t'es si, ouais, je vois. Ouais, effectivement, la régène, c'est vraiment pas mal, ouais. Pour le coup, la petite régène... la petite régène peut être grave intéressante de 10% à chaque fois. Salut Lilian, j'espère que tu vas bien. J'ai deux questions. D'abord, comment tu fais pour avoir 4 objets dans le slot? Et comment tu fais pour avoir 2 objets dans ce lot de soutien? Ça, c'est avec Shenron, Dylan. En fait, dans le mode histoire, t'as la possibilité d'aller invoquer Shenron en récupérant des boules de cristal. Et c'est des vœux à faire. C'est des vœux à faire. Est-ce que je meurs dans ce tour ou pas? Normalement, on a de quoi tanker, là. On prend pas 200 000. Je pense pas qu'on prenne 200 000 quand même. Salut Laritium. Migaté, non, je l'ai pas eu malheureusement. Salut Shadow, ça va ou quoi? T'as lu Kingdom? Non, j'ai pas lu Kingdom. Ok, 600 000. Ish, ok. Ok, on encaisse, on encaisse. On encaisse. Parfait. À ton tour, c'est 17. Tu devrais le voir, il est trop chelou. Tu devrais le voir, il est trop chelou. Qui ça, Pascal? Qu'est-ce qui est trop chelou? J'ai pas fait attention. Ah, le nouvel épisode de Dragon Ball Heroes, ouais, t'inquiète, ça, on va le faire, ouais. Ah, absolument pas, douille pas encore. Là, en fait, je termine The Witcher. Je termine The Witcher. Oh, oh mais attends, mais le C16, il tanque rien du tout, non? J'ai mangé une spé dessus, vous avez vu combien j'ai pris dans la tête? Et sa garde activée, elle est où? Attends, j'ai raté un épisode, non, sur le C16 tech? J'ai grave raté un épisode, là. Wow. Pourquoi Fafa fait plus de vidéos? Achille, pas besoin de spammer. S'il fait plus de vidéos, c'est tout simplement parce qu'il est souvent en live sur Twitch et qu'il a pas besoin de... Voilà, il fait plus de vidéos, c'est comme ça. En fait, il en fait quelques-unes encore, mais c'est des... Il fait des best-of, surtout. Il fait des best-of. Mais il stream toujours, t'inquiète pas. Il stream toujours sur Twitch, tous les soirs. Ciao ciao Sonny Yanis. Bon, parlons peu, parlons bien. On arrive sur la phase blue. La phase blue, blue, blue. La phase blue, ça va être chaud. Hein. On va faire ça comme ça. C'est 16 tech, il est juste bon. Hein. Maintenant, il y a le hint qui est beaucoup mieux. Je sais pas si je l'ai le hint en vrai. Hein. Par contre, j'espère que le tech va pas me tuer sur la dernière phase. Hein, vraiment. Parce que là, niveau tankiness, c'est un peu limite, quoi, ce que je viens de manger. Hein. Ton chat bug de ouf. Non, Khalil, Khalilou, c'est toi qui bug. Hein. C'est toi qui bug.
Dylan, le boss 5, je sais même plus c'est qui, mais en vrai, tu peux prendre tout et n'importe quoi. Hein. T'as monté le trio Cyborg Galère. Ouais, je l'ai monté, ouais, le trio Cyborg Galère, ouais. C'est vrai que j'aurais pu le mettre d'ailleurs, à la place de bah, du C16 par exemple, c'est vrai. Épisode Dragon Ball Heroes éclaté au sol. Waouh, 200. Ah, mais j'ai mangé sur le type puissance aussi. Ah, j'ai pas de chance là, ce que je suis en train de manger depuis tout à l'heure. J'ai vraiment pas de chance. C'est quoi déjà, lui, son. C'est quoi là, son attaque? D'accord, ok, augmente l'attaque temporairement, inflige des dégâts suprêmes à l'ennemi et diminue énormément la défense. Ok, un Kamehameha. Ouais, ben on va peut-être le garder le Kamehameha, non? Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que ça peut être intéressant de se le garder de côté. Incroyable la barricade, t'as vu? Incroyable le live de hier, ouais. Je suis pas serein dans ce tour. Je t'avoue que je suis vraiment... Oula, surtout pas. Je suis vraiment, vraiment, vraiment pas serein. Putain, mais c'est 16, il part pas en SP. Ah, quoique aussi. Si je fais ça... Ouais, si, il part en SP. En fait... Le truc, c'est que si je prends une SP de Goku, je suis mort. Si je prends une SP de Goku, je suis mort, en fait. C'est un peu le problème, quoi. Après, il y a la régène de 10% ici, mais 10%. 10%, ouais, je vais récupérer combien? Je vais récupérer 46 000 PV. Je vais récupérer 46 000 PV. Est-ce que ça me permettra de tanker suffisamment? Si je prends une SP sur lui, bah c'est mort, je vais en enfer. Grid pas. Bah en vrai, j'ai envie de grid parce que si je meurs. En soi, c'est pas grave, je recommencerai, mais j'enlèverai le C16, justement, et je mettrai peut-être le trio LR à la place. Parce que c'est vrai que C16, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi, aussi flingasse, clairement. Après, le seul problème, c'est la peur qui m'envoie l'aspect sur le puissance. Mais je prends le risque, si je meurs, c'est pas grave, franchement, sans rancune. Prenons le risque. Allez, go. Ok, 700 000. Bon, là, on prendra pas de dégâts, de toute façon. Ok, faut juste pas qu'il envoie l'aspect sur le puits. Si je prends l'aspect sur le puits, j'ai vraiment pas de chance. Allez, on a la régène. Tu aimes The Witcher? Ouais, franchement, ouais, grave lourd. Ok, parfait. Grave lourd, The Witcher, la série est vraiment bien. Hein. Là, il me manque deux épisodes à regarder. Il me manque le 7 et le 8. Mais vraiment génial, ouais. Ok, parfait. Let's go, il envoie l'aspect sur C16. Normalement, je meurs pas. Je pense pas qu'ils me mettent 120 000 dans la tête. Ça serait malheureux. 68 000 quand même sur le mauvais type. 68 000 sur le mauvais type quand même. Mais je vais devoir me soigner à un moment donné, c'est sûr. Après, il y a un Dokkan Mud qui arrive aussi. Ouais, le hint aurait été mieux, ouais. Il y a un Dokkan Mud qui arrive. J'ai pas le choix. Ah ouais, oui. Moi, je l'ai jamais fini, The Witcher 3. Faudrait que je le finisse un jour. Le Krillin Hint. Oui, le Krillin Hint de la boutique peut être pas mal, mais je l'ai pas acheté encore. Faut que je le monte. Pas besoin de te soigner. Bah en fait, si, parce que si je prenais une spé sur le C18, encore une fois, j'allais prendre Perpète, quoi. Après, là, voilà, le C17, il tank, il n'y a pas de problème. C18, elle tank si elle prend pas une spé, mais si elle prend l'aspect, ben, je vais en enfer. Donc, mieux vaut se soigner et assurer, quoi, clairement. Jump Force, on va pas forcément reprendre, mais on va faire une vidéo dans la semaine. De toute façon, ouais, pour cette semaine, il y a déjà 3-4 vidéos de prévues. On va faire la vidéo tier list des jeux Naruto, évidemment. On va faire justement... On va faire la vidéo sur Jump Force avec Shoto. Donc ça fait deux. Je dois recevoir aussi un rétroprojecteur gaming de chez BenQ. Normalement, je dois le recevoir dans la semaine. Donc on va se tester ça aussi. Putain, là je vais prendre cher de ouf là.
130 000, 199 000. Ouais, mais le problème, c'est que 199 000, mais non. Non, 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 je suis obligé de faire ça. Je pars pas en Dokkan Mode. Je pars pas en Dokkan Mode, en vrai, là, non. Ah, quoique... Ça suffit ou pas, ça, pour un Dokkan Mode? Je crois pas. Non. Waouh. Ça suffit pas au Dokkan Mode. Donc ouais, rétroprojecteur, on va faire un test d'un rétroprojecteur gaming dans la semaine. Shoto sur Jump Force, la vidéo tier list Naruto. Demain, je vous balancerai la vidéo du coup de l'épisode, enfin la vidéo réaction à l'épisode 3 de Big Bang Mission là, de Dragon Ball Heroes. 900 000. Ah, je suis dégoûté, je vais avoir un Dokkan Mode sur un mec qui a plus de santé quoi. Et en plus surtout qu'il y a derrière, il y avait le Migaté qui arrive quoi. Il y avait le Migaté qui arrive derrière. Rah. T'as pas les récompenses car tu es parti avec des unités qui ne sont pas Cyborg, Saga de Cell, comme c'est 17 MVP et c'est 16. Ah non, mais Kinsey, t'inquiète, en fait, là, je fais Cyborg, là, je fais pas Saga de Cell. Là, je fais juste Cyborg et ensuite, on fera Cyborg, Saga de Cell. T'inquiète. T'inquiète même pas. Ah, oh, Dokkan Mode là-dessus, en plus. Pff. Bon, c'est sûr, c'est avec le bon type, mais... Mais bon. On a connu mieux, quoi. Zloop. Ok. Tu préfères un top 10 des meilleurs épisodes de... Ah, j'ai pas... Pascal, je vois pas ce que t'as marqué à la fin. T'as combien de combats en ligne sur Storm 4? Je sais pas, pas beaucoup. Après, je jouais pas beaucoup à Storm 4 en ligne. Je t'avoue que c'était pas mon dada, quoi. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, hop, on n'en parle plus. T'inquiète, Achille, c'est avec plaisir. À l'attaque. À l'attaque, à l'attaque, à l'attaque. Tu joues à Legends? Oui, je joue un petit peu à Legends, oui. Tu restes combien de missions Goku Rush? Je sais pas du tout, il m'en reste pas mal encore. 2 millions quand même, c'est pas mal quand même. T'as laissé Bojack dans l'épisode Dragon Ball Heroes, ils ont assez gros web, désolé. Non, tu me spoil déjà, il y a t'as laissé Bojack, Yann, t'es sérieux? Tu me spoil, moi j'étais pas au courant de ça. Bon, on verra ce que ça donne, mais... Il y a maintenant des rouilles Kaïs. Non, je le dérouille pas forcément, Kaïs, non. Non, non, Kaïs, il est chaud sur Legends, quand même. Mais tout à l'heure, on a réussi à le battre, ouais, sur son live. J'avoue que ça, c'était cool. On a quand même bien réussi à se défendre. Zloop. Zlip. Pas le choix, c'est 17, t'es obligé de partir. Ouf, par contre, tu vas prendre cher ces 17 à la fin. Il y a moyen que tu prennes cher ces 17 à la fin. Faudrait qu'on prenne l'aspect sur le sel. S'il te plaît, pas sur ces 17, sinon on est mort. En vrai, il y a peut-être moyen, on a perdu sur le tour, là. 600 000. Non. Fallait l'envoyer sur cel, t'aspect. Je suis là depuis le début de Kai 3 et ta chaîne devient de mieux en mieux. Ben merci, Super Végéto, c'est gentil, merci à toi. Oh non. Oh non. Bon, c'est mieux que sur ces 17, mais... Waouh. Ça va et toi, Christophe, tranquille. Ok. Oh bah, c'est mort. Game over. Ah non, je suis deg, on était bien parti en plus. Ah, c'est 17, il a vu flou. Ah, il a vu complètement flou là, j'avoue. Il fait quoi lui à tout hasard juste? Ah, il s'est fait dérouiller le pauvre C17. Mmh. En vrai, c'est pas mieux de partir avec lui. C'est pas mieux de partir avec lui en vrai que le C17 MVP. Si tu mets Trio Cyborg Galère à la place de C17 MVP et C16 Int à la place du Tech, tu pourras faire deux missions. Ouais, ouais, ouais. Je sais pas. Non, je l'ai avec des doublons, il tanque pas. Il tanque pas, lui? Même quand tu fais un switch? Genre, il tanque pas. Même quand tu passes en mode C16, juste, il tanque pas. Je vois attaque-défense 200%. Bon, c'est pas non plus incroyable, mais...
Il tank pas. Ouais, du coup, c'est pas ouf, quoi. Ok. Ok, j'y vois. En vrai, j'avoue que je peux peut-être faire les deux d'un coup. Hein. Techniquement, j'enlève Gohan. Après, enlever Gohan, c'est quand même triste. Mais bon. Regarde s'il est assez très agile dans les amis. Il n'y en avait pas. C'est un peu le problème. C'est que j'en avais pas. Même sur le bon type, il se fait ouvrir. D'accord, ok. Bon, on va éviter de le prendre. Juste, on va aller trier en catégorie cyborg, viteuf. Je vais voir si j'ai le hint. Parce qu'en vrai, si j'ai le hint, j'avoue que ça peut être pas mal. Non, tu vois, je l'ai pas le C13 hint. Je l'ai pas. J'ai que lui, hein. J'ai que lui, mais bon, lui, il est claqué, hein. Ouais. Je pense pas que vous me parlez de lui, non? Ah non, mais lui, c'est C13, c'est même pas C16, je suis bête. Ouais. À moins que... Non, j'ai pas. J'ai pas. J'ai C16 int avec un doublon, si tu veux. C16 int... Ouais, mais non, ça sert à rien, je vais pas le prendre en leader, quoi. C13 int est très bon à 100%. Ouais, à 100%, mais... Bon, après, tu me diras, j'ai le 69% KM. Ouais. Salut Nazer, ça va ou quoi? En fait, putain, je m'attendais pas à me faire dérouiller comme ça, tu vois, là. Là, j'ai pris un petit coup sur la tête, là, clairement. J'avoue que j'ai pris un petit coup sur la tête, là. Je m'attendais pas à ce que le C16 se fasse autant casser les fesses. Parce qu'à la rigueur, même elle est plus intéressante, limite, quoi. Prends C13, C14, end... C13, C14, end dans la team... Lui, là? Il fait quoi, lui? C14, C15? Attends. Ok. Si fusion C13 dans les alliés, attaquant du tour, attaque défense 30% pour tous les alliés. Oh, en vrai, il est pas mal lui, si j'arrive à choper un C13 en ami leader. Pas mal si tu prends le C13. Puis, bah non, en vrai, on peut le prendre et prendre un ami leader, un C13. Ouais, on peut faire ça. Hein. On peut éventuellement faire ça. Ah, mais je l'ai farmé lui, Douy. Ouais, non, lui, je l'ai farmé par contre. Ouais, lui, je l'ai carrément farmé, lui. Il détecte l'aspect. Ouais, mais en plus, il tank aussi. J'ai vu, en plus, il réduit les dégâts, il permet de tanker. Ouais, mais maintenant, il n'y a plus qu'à trouver un C13. Chose que je vais pas avoir, mais vas-y, on va essayer. Hein. Prends C21. Non, pas besoin, tu détectes l'aspect pendant tout le combat. Ouais, non, ça, j'avoue que c'est pas mal. Mais en plus, C13, oui, non, transo. Prends C13 puissance. Il est pas Dokkan, le C13 puissance, les gars. Il est pas Dokkan, je peux pas le prendre, c'est pas possible. Tant qu'il n'y a pas son event pour l'éveil Dokkan, je peux pas. Les C17, C18 int et puis sont très bons éveillés Dokkan, il me semble. Ouais, mais malheureusement, j'ai pas éveillé. Ah là, il y en a un. Oh, il y en a un, 69%. En vrai, ça peut être pas mal comme ça, non? Attends, elle est où ma team? Bah, comme ça, tu mets C13. Et C14, C15 côte à côte dans une rotation. Et l'autre rotation, tu te mets le C18 puissance et C17 tech. Et comme ça, tu tankes, non, à chaque fois. On peut faire ça. Ça passe, non? Je vérifie, mais... Si C13 est dans les alliés attaquants du tour, bah c'est bon, non? Ça passe. C'est un C13, de toute façon, lui. Même si tu le transformes, il s'appelle... Ah, il s'appelle Fusion, C13. Attends, est-ce que ça compte? Est-ce que ça compte ou pas? Si, c'est bon, ça passe? Ok. Ça passe. Ok, on peut éventuellement voir ce que ça donne. Par contre, j'ai beaucoup moins de PV. On peut voir ce que ça donne. C'est une fois et ça dure tout le combat. De quoi, The Night Fury? Une fois activé, c'est bon. D'accord, ok. Ah bah tiens, j'ai les deux dans la même rotation, là. J'ai les deux dans la même rotation, là, pour le coup. J'ai déjà les deux côte à côte. En voilà une bonne nouvelle. Go. Par contre, évite de mettre C14, C15 dans la rota parce qu'ils vont se faire arracher. Ah, mais tu veux que je mette qui? Je suis obligé de les mettre côte à côte, non?
Parce qu'en plus, attends, ils font un truc, j'ai vu sur le passif, ils réduisent pas les dégâts. Regarde. Si fusion C13 est dans les alliés attaquants. Ah, c'est fusion C13, ok. Attaque et défense, 30% pour tous les alliés, réduit de 30% les dégâts encaissés. C'est pas mal quand même. T'es obligé de le garder dans la rotation. T'es obligé. Par contre, faut qu'il y ait fusion C13. Comment on fait pour le faire fusionner là, le C13? Comment on fait? C'est juste ça la question, lui là. Comment on fait pour le faire évoluer du coup? C'est en dessous des. Il y a des PV ou quoi? Tiens, mange-toi ça. Ça se fait tout seul, je crois. Ah ouais, tout seul, ok. Tu me rencontreras, Lilian et Bastien. J'ai rien compris, Bastien, ce que tu m'as dit. T'as pas Goku, Genki, Gensif pour la team. Il passe pas dans une catégorie cyborg, Goku, Gensif. Hein. J'ai un gros doute. Hein. Il fusionne vite au bout de quelques tours. D'accord, ok. Bah, parfait. Parfait. On a C18, on a C17. Je vais faire ça volontairement. J'espère que ça le tuera pas juste. Comme ça, peut-être que Cyborg. Enfin, le sel aura la possibilité de stack un petit peu. Bah, Tom Cap, faut voir les catégories, faut voir ta box, faut voir tout. C'est bon, on le tue pas, parfait. Voilà, comme ça, il y a tout le monde qui stack. Tu feras quand du Legends? Je sais pas, mais dans la semaine sur Twitch, promis, on en fait. T'as vu, t'as l'aspect détecté. Ouais, j'ai vu. J'ai vu. En fait, maintenant, faut juste qu'il se transforme. Et une fois qu'il sera transformé, l'avantage, c'est qu'on pourra, comment dire, réduire les dégâts encaissés. Ça, c'est cool. De tous les alliés et de booster l'attaque de tout le monde aussi. Donc, en vrai, c'est pas mal. T'as pas pris ces 17 MVP? Non. Enfin, je l'ai pris dans ma team, moi, en tant que leader, mais c'est tout. Ça devrait être mieux comme ça. C'est comme le Zamasu multiforme, le C14 et C15, il réduit les dégâts en PC, mais il n'a pas de dev, donc à la phase puits, c'est même pas envisageable. Ouais, ben on va voir, à la phase puits, au pire, on le virera de la rotation, et puis on le reprendra sur la dernière phase. Il y a moyen qu'on se la joue comme ça, quoi. T'as pas drop le Miga TLR en off? Non. Non, aussi, même pas en off, là, pour le coup. Hein. C'est vrai qu'en général, je drop pas mal en off, mais lui... Oui, j'ai une chaîne Twitch, Captain Ralph. On ira dessus, d'ailleurs, après, on ira faire du GTRP. Ah, là, il y a une spé qui part, tu vois, ici. Là, il y a une jolie spé qui part, qui va pas être très, très gentille. J'ai que 58 000 de def, là, avec elle. Waouh, je vais me faire arracher, là. Je vais me faire arracher de ouf. Ça change rien. Ah ouais, mais elle part pas en spé, là. Aïe. Aïe, la rotation dégueulasse. Il faut que je la fasse partir en spé, c'est ça le problème. C'est qu'il faut que je la fasse partir en spé. J'ai archi méga pas le choix. Et du coup, lui, il part pas en spé non plus. Je vais me faire arracher, là. On va pas passer le meilleur tour, là, je vous le dis. Hein. On va pas passer le meilleur tour. 26 000 ici. On va manger au moins 150 000 derrière. Yo Vivi! Tu faisais quoi du coup, Vivi? Ça va et toi, Brox? Tranquille? Là, on va prendre cher. Oh, je m'attendais à plus que ça. Je m'attendais tellement à prendre plus que ça. Dites les connaisseurs du jeu, j'ai 3 doublons sur Thalès, boss des films. Vous conseillez focus quoi dans l'arbre critique ou attaque sup? Ah, bonne question ça, vu que je ne l'ai pas lui. Vraiment, cette catégorie, c'est la plus dure. Tu penses, Kaiton, que c'est la plus dure? La catégorie cyborg? Salut, Mood. Ça va ou quoi aussi? Ok, je vois. Ok, on va y aller comme ça, Comas. Bah là, on est bien, on va réduire les dégâts encaissés en plus. Donc là, on est pas mal. 162 000 de défense. Franchement, c'est pas horrible. Ok, bah go comme ça, on va voir ce que ça donne. Voyons voir sa spé d'ailleurs.
Parce que vu que j'ai pas la carte, je vois pas ce que ça donne. Oh, 1 400 000. Attaque supplémentaire, c'était pas mal. C'était pas mal du tout. C16 LR, t'as pas pris? Non, je l'ai pas pris, non. Je l'ai pas pris. J'ai décidé de tenter une autre stratégie. Ok, bien joué. Vers début juillet, Captain. Vers le 7-8 juillet. Et ça part pas en SP ici. Ok. Ok, on a enfin la rotation C18-C17 qui est faite. Alors là, pour le coup, elle a tardé à se faire, vraiment. Elle a vraiment tardé à se faire, la rotation. Mais mieux vaut tard que jamais. Tu vas vite. Oh, pas tant que ça, hein. Pour Thalès, il faut mettre la moitié de critique et attaque supplémentaire car il a des chances de stun. Après, le problème, c'est que chance de stun, c'est bien, mais on le sait, sur les gros boss, tu peux pas stun. Tu peux pas stun sur les gros boss, donc en vrai, c'est pas ouf, quoi. Bah, Pascal, tu verras sur les lives. Quand t'as passé à la lerne, le trio Cyborg, c'est difficile. Ouais, bah ouais, j'imagine, Kayton. Après, moi, je l'ai pas mis, le trio Cyborg, là. Parce qu'on m'a dit qu'il tankait pas, il avait pas l'air de tanker, et on m'a dit qu'il tankait pas du tout d'ailleurs, on m'a confirmé ça. Donc bon. Et il envoie une spé au départ. Tu fais quoi déjà quand on diminue la défense? Chance moyenne d'étourdir l'ennemi, ok. T'as pas... Attends, il y a quoi dans son passif un peu là? Coup critique garanti, ouais mais bon. Malheureusement on va pas le tuer. On va prendre cher, là, non? Quoi qu'il arrive, il y a des chances qu'on prenne beaucoup cher, là. Comment ça, je suis une enflure, Vivi? C'est quoi, cette histoire, là? Qu'est-ce que j'ai fait, encore? 1, 2, 3, 4. Allez, 1, 2, 3, 4. Zloop. Quoi qu'il arrive, on va prendre cher, là. Allez. T'as fait la Cyborg Saga de Cell? Non, pas encore. En fait, j'ai démarré avec la plus compliquée, j'ai démarré avec Cyborg. Parce que Cyborg Saga de Cell, ça va, on va prendre Gohan LR, ça va tanker et tout. Ouh, l'attaque supplémentaire. Allez, avec un critique. Ish. Mange-toi ça. Bam. On aurait presque pu le tuer. Non, Vivi, qui c'est qui a dit ça? C'est qui a dit ça? C'est même pas vrai. Qui a osé dire ça, Vivi? Qui a osé me balancer sur le chat? Qui a dit que j'avais bu deux coca, là? C'est qui m'a balancé, là? C'est Dardeux? Dardeux, ça va partir sur un ban, tout ça? Je crois que Dardeux, il y a un ou deux bans qui se perdent, là. Ouah, l'aspect direct aussi, là. Ouah, c'est trop. Ouah, c'est trop. Tu veux pas non plus prendre toute ma famille, là? C'est bon, il part en spé à tous les tours maintenant. Prends un peu la confiance quand même, petit salopard là. Allez, Zloop. Dokkan mode prochain tour. Yoraman, ça va ou quoi? Le petit placement de produit, Matt, comme ça, tu sais, tu le fais comme ça. Attends, attends. T'as des espions partout, Vivi. C'est plus possible tout ça. Il y a des espions partout. Je me sens plus. C'est pour ça, je me sens bridé. Je suis pas libre en fait. J'ai l'impression d'avoir l'épée de Damoclès au-dessus de la tête. On veut me faire culpabiliser en plus. Ah, Tiger, c'est compliqué, mais en vrai, c'est pas le meilleur moment pour démarrer Dokkan. En vrai, attends les 5 ans. Hein. Attends les 5 ans. Avec quelle unité tu détectes l'aspect? Avec lui. Je vais te montrer. Avec lui, là, le Endurance. C'est le Endurance qui détecte l'aspect. Serait-ce un Dokkan mode qui va partir, là? Ça suffit, là, au Dokkan mode. Normalement, ça suffit, là. Si je fais ça, let's go. Allez, go. Go Dokkan mode. Go l'anéantir, celui-là. Alors, attention. Tac, 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 tac. Oh, je l'ai chié. Ah! J'ai cliqué trop loin. Mince. Bon, normalement, on devrait quand même peut-être le tuer avec l'attaque supplémentaire derrière ou quoi. Je sais pas, c'est quoi? C'est attaque supplémentaire garantie ou critique? J'ai même pas fait attention. Ça passe ou pas un Goku Rush sans le Cell LR Int? Oui, bien sûr, bien sûr. Cell LR Int, il est très bon, hein, mais après, il tank pas des masses non plus. Oh, je l'ai pas tué ou...
J'ai pris 100 000. Je l'ai pas tout, ouais, oh. Je l'ai pas tout, ouais, oh. J'ai pris très cher. En plus, lui, il va prendre cher aussi. Attends, parce qu'à tout moment, j'ai perdu, là, non? J'ai pas vu ma santé, là. J'en suis où? Ah non, ça va, il a tanké. Ok, ça va, les auto-attaques, il les tanque bien, l'autre. Ça va, en vrai, les auto-attaques, il se débrouille, le petit, là. Le petit C13. Comme par hasard, on l'a pas tué là-dessus, évidemment. Oh, il envoie une spé direct encore. Non, mais c'est pas possible. Non, mais il fait qu'envoyer des spé, lui. C'est insupportable. C'est vraiment insupportable, en fait. Son système, là. C'est insupportable, ça. Il critique contre les familles Goku. D'accord, ok. Hein? Oui, Vivi, on a eu une superbe donation tout à l'heure de G4B voilà, qui a carry le game, clairement. Incroyable. Boum, 700 000. Je suis dégoûté parce que mon sel puissance, en vrai, il a pas le temps de stack. J'ai un peu peur pour lui. Serait-ce une spé qu'on prend d'entrée de jeu, là? Je crois que oui. C'est du tech. Est-ce qu'on va partir en enfer, là? Je pense que oui. Hein. Comment je me la joue, là, du coup? Là, je sais pas comment me la jouer. Aïe, aïe, aïe. Là, je sais pas quoi faire. Parce que l'aspect va faire mal. Je pense pas que je meurs. Non, je pense pas que je meurs, les gars. Peut-être pas besoin d'items. Mais je vais prendre au moins 200 000, quoi. Je vais prendre 250 000. Non, c'est quoi en fait? Non, je vais pas mourir. Vous savez pourquoi je vais pas mourir? Je sais exactement pourquoi je ne suis pas mort. Je sais exactement pourquoi. J'ai les dégâts réduits de 30%. Salut Louise Nourri. Salut, salut. Ça va ou quoi? Casse la rotation, mais c'est 17. Non, j'ai les dégâts réduits de 30% si je dis pas de bêtises. Si je dis pas de bêtises, normalement j'ai des dégâts réduits de 30%. Donc on va prendre très cher, mais on va pas mourir. Oh, en fait, dégâts réduits de 30%, pas trop non plus, quoi. C'est bon, ça va passer. Ah, ça passe, mais ça fait mal. Ça fait très mal. Chung, merci Tigags. Merci, merci. Ça va, Louise, tranquille, en forme. En forme, en forme. Transfo de sel. Oui, on va voir la transfo de sel, d'ailleurs, effectivement. Enfin, s'il est dans la rotation. Transfo de sel, donc du coup, on récupère notre santé. En soi, c'est pas plus mal. Bon, il se transforme maintenant. Vaut mieux que ce soit fait maintenant que jamais. Ich. Ok. Bleh. Allez, go. Ça va, toi, Sanki, tranquille, en forme. Pourquoi tu as régène comme ça tout à l'heure? C'est la puissance de la team, ça. C'est la puissance de la team. Ah, il envoie pas de spé aujourd'hui. Tiens donc, je suis agréablement surpris. Ouais, ouais. Attends, si on fait ça, il y a des liens ou pas? Non, pas de lien. Et on partira en spé ici. Ok. Go lui faire mal. T'as fait C17 et C18 ZTUR. C17, C18, ZTUR. Lesquels? Tu vas prendre ta revanche sur le portail de Migaté. Non. Je prendrai pas ma revanche. J'accepte ma défaite. Nopter, tu connais Michou? Je connais. Oui, je le connais, mais sans le connaître. Enfin, je le connais pas personnellement. Mais après, oui, je connais. Comme tout le monde ici connaît Michou, quoi. Ouais, merci Anes, merci, merci. Mais je sais qu'avant, il faisait du Dokkan Battle, par contre. Ça, oui, je suis au courant, ouais. Temporise pour stack. Ouais, je devrais, ouais. C'est vrai que je devrais temporiser pour stack, ouais, effectivement. Merci Kylian pour le follow. Merci, merci. Oh, il envoie une spé encore. Il envoie une spé ici. Est-ce que tu tankeras mieux que le... Est-ce qu'il tankera mieux que le... Je sais pas s'il tankera mieux. Hein. J'ai envie de voir, je suis joueur. J'ai toute ma vie, de toute façon, je serai pas mort quoi qu'il arrive. Je serai toujours vivant, toujours debout. 1, 2, 3, je suis obligé de faire ça. Je suis malheureusement obligé de faire ça. Ah toi, Matt, t'es incroyable. Hein. Mais toi, j'ai l'impression que tu drops à tous les portails. Vraiment, hein. C'est abusé quoi, à chaque fois. Hein. Ok. Merci Tom Cap, c'est gentil.
Allez, go. Toi, je compte sur toi, là. C'est 14, c'est 15. Meurs pas, juste. Meurs pas. Tank, please. Un tout petit peu, tank, un tout petit peu. Tout à l'heure, le C13, il a pris 260 000. Je te demande juste de tanker. Ok, il prend beaucoup moins cher. Ok, mais il prend cher quand même. GG, ça, Rax. GG à toi. Et GG. On a tanké un peu mieux avec lui, c'est cool. En voilà une bonne nouvelle. J'en ai pas un opter. Pas de spé. Ok, pas de spé dans ce tour. En voilà encore une bonne nouvelle. Sleep. Bah, Zloop. Et Zloopy, hein. Et Zloopy. Allez, à l'attaque. Ma meilleure team Saiyan pure. Oh, c'est compliqué parce qu'il y a tellement d'unités maintenant en Saiyan pure. Je ne saurais pas te dire la meilleure. Après, en fait, il n'y a pas de meilleure. Ça dépend du mode de jeu auquel tu joues au final. Ça dépend. Parce que tu vas avoir une meilleure pour le Goku Rush. Tu vas avoir une meilleure pour les Boss Rush. Tu vas avoir une meilleure pour tel event, pour tel event, tel event. Donc, c'est dur de dire la meilleure, quoi. C'est compliqué. Après, tu peux me dire la meilleure en termes de stats. Et dans ce cas-là, bah, je sais pas. Mais tu vas mettre que des LR dedans, quoi. Tu mets que des LR hein, et tu auras les meilleures stats possibles. Tu joues depuis quand à Dokkan? Bah depuis le mois dernier, hein, comme je disais en début de live, j'ai démarré le mois dernier. J'ai une box free to play là, mais ça va, elle est pas mal hein, en vrai. Je suis pas à plaindre. Hein. Ah si, il envoie une spé, j'allais dire, il envoie pas de spé, c'est quand même étrange ça. On va peut-être falloir item là par contre ici. Hein. Mon petit doigt me dit qu'il va falloir item ici. Mon petit doigt me dit qu'il va falloir item. Quoique, 270 000. Ah, en vrai, peut-être pas. Hein. En vrai, vous pensez il me met combien sur le C13 en attaque ultime? Vous pensez il me met combien? Il me met 200 000? Item. Ouais, vous pensez faut item, là? Parce qu'après, les autres, ils tankent derrière, tranquille. Hein. Oui, item pas. Franchement, je pense que ça passe. Hein. Clairement, je pense que ça passe. 170k, bon, on va voir. Hein. S'il me met que 170k, ça passe tranquille. On va voir. Normalement, j'ai les dégâts réduits de 30%, donc ça devrait le faire. 132 456. Ah ouais, carrément, c'est précis comme ça, quoi. Très bien, on va voir. Non, je pense qu'il va me mettre plus 200 000, mais pas plus. Pas plus de 200 000, s'il te plaît. Pas plus de 200 000. Déconne pas. T'as les dégâts réduits de 30%, mon pote. Je suis pas sûr de survivre. Je sais pas si lui, il tank les auto-attaques. Oh là là, il m'a arraché. 40 000, il me reste. 20 000. 21 000. Ah. Ça marche, baby. Tain. 220 000, il m'a mis, ouais. Il m'a assassiné. Bah tant pis. Bah tu sais quoi, on va se venger. On va se venger comme on s'est jamais vengé. Et avant de refaire Cyborg, avant de subir un nouvel échec, on va aller faire un petit Cyborg Saga de Cell. Comme ça au moins on a beaucoup plus de chances de réussir. Hein. Int. Bon, j'ai que du Vegeta, c'est quoi cette histoire? Merde, j'ai fait quoi? J'ai tout perdu. Ok, j'ai tout perdu. Touk touk. Ok, parfait. Ah, c'est pas simple, hein. C'est pas simple, cette histoire. Ah, c'est dommage, ça, quand même. C'est bien dommage, ouais. On va lancer, on va quitter, relancer. Non, mais Goku et Vegeta en même temps, VS Virus. Non, Ahmed, non. Non. Ciao, Vivi. Ouhou. Tu peux rajouter un peu de son, s'il te plaît. Y a pas de son? Vous avez pas de son depuis tout à l'heure ou quoi? Parce que pourtant il y a du son hein, sur le. Normalement j'ai mis du son en fond. Pourquoi? Non, j'ai pris un Vegeta. Bon tant pis, on va quitter, relancer. Si, il y a du son. Ok. Bon, s'il y a du son alors parfait. Ahmed, tu respam une fois ton message sur le chat, gros. Je suis désolé, mais ça va partir sur un ban temporaire. Parce que là, ça commence à faire beaucoup. Ah putain, 55%. Blablabla.
Il parle du son du jeu, mais ça tu le mets pas. Non, le son du jeu je le mets pas parce que franchement il est pas ouf le son du jeu en vrai. Après je peux vous le mettre, hein, mais ça va faire un mélange de la musique plus du son du jeu. J'ai peur que ça fasse un peu bizarre quand même. Ah, qu'est-ce que c'est cette histoire là? Yo Black Pirate, ça va ou quoi? Ouais, je sais, oui, je sais, je répondais pas, mais il était un peu abusé. Ah, t'as pas fait un autre Goku Rush? Non. Enfin, si, j'ai déjà fait deux autres lives. Par contre, c'est quoi ces CLLR qui me sont proposés d'habitude? J'en ai des vraiment pas mal, et là, aujourd'hui, mais catastrophique. On est 128 sur live. Ouais, on est pas mal, ouais. On est pas mal, on est pas mal. Normalement, la saga de Cell, ça devrait se passer beaucoup mieux que la Cyborg. Enfin, ça devrait être un peu plus simple. On a des unités dedans qui sont quand même très fortes. C'est trop. Pourquoi j'ai pas un sel à l'air? C'est quand que tu invoques sur Migate à l'air, hein? Il y en a qui sont pas à la page. J'ai sorti une vidéo sur ça. J'ai sorti une vidéo d'Ertivador. Merci Shadow pour le follow. Merci, merci. Tu veux un sel à l'air, mais un seul pour ma part. Belvotiros, ouais, ça peut suffire, mais je pense que je vais en trouver un là, t'inquiète. 55%. Pouah, il est dégueulasse. Non mais d'habitude j'en ai plein, je comprends pas là. Liliane dit 31. Eh ouais, c'est bien moi. C'est bien moi, c'est bien moi. Prends le Krillin du Battlefield dans Saga de Cell. Krillin du Battlefield. Ouais mais alors non parce que... Non, tout simplement parce que je l'ai pas pris dans le... Enfin faut que je le monte au Speedy, c'est tout. Par contre j'ai un gros problème d'ami leader aujourd'hui, hein. Clairement. Autant d'habitude on trouve super vite, autant là... Pas d'ami leader, hein. Ah Matt, tu vas te régaler, hein. On m'a expliqué un peu, normalement tu devrais te régaler. Hein. Ça passe couleur transfo en double leader C13, s'il te plaît Lilian, j'ai besoin de savoir. Ouais, il est bon, mais après c'est pas Saga Cyborg quoi. Yokaku, ça va aussi en forme? Par contre ça me saoule là de pas avoir de doublon là sur Jean-Paul. On aurait combien de PV juste? 484 000 quand même avec la team Cyborg Saga de Cell, c'est pas mal. Et encore, je sais pas si j'ai pris la plus opti. Hein. Non, pas de revanche, Migate LR, non. Pas de revanche, je l'ai fait hier soir, la revanche en off, et j'ai rien eu. Oh, il n'y a pas un sel, il n'y a pas un sel LR, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? J'ai l'impression que je passe tout mon live là à chercher un ami leader. Attends, prends C18, C17, C19 LR. Non, C16, tu veux dire. Il fait mal, mais apparemment, il tanque pas, donc... prendre une unité qui tanque pas, c'est jouer avec le feu, quoi. 55%, bah, je crois que je vais être obligé de partir avec un 55% après. Hein. Pas le choix, hein, ma foi. Hein. Pas le choix, pas le choix, pas le choix. En fait, dans cette catégorie, mon seul problème, c'est un peu le Piccolo. Le Piccolo, le pauvre, il est un peu perdu. Hein. Mon Piccolo, il est un peu perdu en vrai. Je vais peut-être pas le prendre. À côté de Gohan, je vais peut-être me mettre un... Je vais peut-être mettre lui, hein. Tank à l'infini. Ah non, je vais mettre lui, il tank à l'infini lui. Avec Gohan à côté, ça peut être pas mal, non? Ça peut être pas mal, non? Hmm. En vrai, je mets lui plus que le Piccolo. Parce qu'en fait, le problème du Piccolo, les gars, c'est que bah, il aura pas de. Enfin, il aura pas de lien, quoi. Tu peux pas mettre un C16 par hasard pour Gohan. C16, ben, le seul que j'ai, c'est lui. Le Vegeta Trunks, il stack l'attaque, pas la défense. Ok, je vais encore me répéter une fois, mais il y en a, faut faire des révisions. Tu peux me lire le passif? Augmente l'attaque, et quoi d'autre? Ah oui, et la défense, et inflige des dégâts colossaux. Oui, parce qu'à chaque fois, on me fait le coup, oui, il augmente pas la défense, mais si, il augmente la défense. Il suffit de le mettre au Spekken, en fait. Et pourquoi pas Cell LR Tech? Cell LR Tech? Non, 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 c'est dangereux, ça. Non, non, grave dangereux, ça. Non, non, surtout pour la dernière phase. Non, non, en vrai, je mets lui, c'est tranquille. À côté de Gohan, je pense que ça devrait bien se marier, quoi. On part comme ça, on teste. Enlève Cyborg, c'est 17, c'est 18. Tu fais Piccolo, Cell, puis... Attends, tu fais Piccolo, Cell, puis... Et Goku, Gohan... Ouais, t'es au balus, mais... Pff, normalement, ça devrait le faire, comme ça. Normalement, ça devrait aller, non? T'as battu les caisses des Legends? Oui, j'ai battu sur une manche, ouais. Et je l'ai tapé sur une manche. Ah, les deux, ils ont des liens, mais pas lui. Très bien. Et lui, il a pas de défense au départ. Il a pas de défense au départ, comme prévu.
Poum, 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 poum. Tu vas galérer à la phase J. Tu penses? Pourquoi j'ai trop de puissance? J'ai pas fait attention. Ouf, 85 000 d'entrée de jeu, ça fait toujours pas plaisir. On va voir, on va voir. Hein. Prends Piccolo, il augmente la def. Ouais, je sais, mais Piccolo, en fait, au niveau des liens, c'est un peu compliqué, non? Contre Goku Blue avec 3 puces, ça va être... Ah, j'ai 3 puissances, sérieux? Ah ouais, j'avais pas fait attention à ça. J'ai qui en puissance, là? Ah bah oui, si, vous avez raison, c'est vrai que j'ai 3 puits. Bah oui. Logique. Après, sur les 3 puits, les 3, ils stack, mais bon, d'ici là, ils vont prendre cher, ouais. Vous avez peut-être raison, ouais. Je vais peut-être effectivement prendre cher... Non, Piccolo avec celle puits. Ouais, vous avez peut-être raison. C'est vrai qu'après les 3 puits, je risque de me faire rouler dessus. En vrai, ouais, Team Kamehameha, qui serait Cyborg Saga de Cell, ça peut totalement le faire aussi. Faut voir les unités que je mets dedans, mais c'est vrai que ça peut le faire aussi. On peut voir. C'est vrai qu'on peut ne pas s'embêter et éventuellement faire un truc comme ça. Putain, il y en a plein des Gohan, mais il y en a un seul qui a des doublons. Ah non, il y en a un 100%. Ouf, 100% en plus. Ouais, ça se tente de ouf. Non, vous avez peut-être raison en vrai. Ouais. Saga de Cell, Cyborg, il y a peut-être moyen en vrai de stater un truc comme ça. Kamehameha, Kamehameha, Kamehameha. Voilà. On va voir ce qu'on peut faire. Kamehameha, mais il faut que ce soit Saga Cyborg de Cell. Hein. Donc du coup, tac, tac. Tac. Il m'en manque deux. Il m'en manque deux. Il m'en manque deux, il m'en manque deux. Ah ouais, mais dans les deux derniers, je mets qui? Eh ouais, mais dans les deux derniers, les gars, je mets qui? Celtec. Ouais, mais Celtec, il va se faire casser en deux, non? Celtec, en vrai, il va se faire casser en deux. Goku Yadra. Goku Yadra, c'est un saga de Cell? J'ai un gros doute. Ah ouais, si. Ah ouais? Comment ça se fait? Gohan LR Int. Ouais, non, non, il va se faire casser en deux, lui aussi. Non, non, non. Végétotech. Non, mais Végétotech, les gars. Toujours plus. Végétotech, les gars. Quand même, oui, mais c'est pas un cyborg, Saga de Cell. Le Goku Gohan Switch, il tank pas. Ah, si, si, il tank de ouf. T'inquiète qu'il tank très, très bien, même. Vegeta Trunks, c'est pas Kamehameha. Vegeta Trunks, tu peux pas les mettre, c'est pas des Kamehameha. Non, ouais, il y a... De toute façon, il y a pas beaucoup d'unités. Hein. Il y en a 2-3, hein, c'est tout. Hein. Cell Int en lead, ça passe bien comme ça. Tu mets Vegeta Trunks. Ouais, mais dans ce cas-là, tu pars pas en double Gohan si tu fais ça. C'est dommage. Tu peux pas. Mirai Gohan End. Cyborg Saga de Cell. Attends, tu parles de lui ou de l'autre? Ouais, mais l'autre, il a pas Kamehameha, si? L'autre, celui que je pense, il a pas Kamehameha. Parce que lui, c'est le free-to-play. Hein. Le free-to-play, il va se faire casser en deux. Hein. Ouais, non, 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 il va se faire casser en deux, lui. Il va se faire casser en deux. L'autre, bah, l'autre, il est pas saga de... Il est pas saga de Cell, l'autre. Hein. Apparemment. Ou soit il est pas Kamehameha. Je crois qu'il est surtout pas Kamehameha, en fait. Utilise le super agi et prend un saga de Cell. En agilité, un saga de Cell. Hein. Après, lui, techniquement, il devrait avoir saga de Cell, oh. Je regarde, mais même ça, non, il n'y a pas de agilité Saga de Cell, il n'y a pas. Gohan SSJ 3 ZTUR puissance. Gohan SSJ 3, non, c'est Gohan SSJ 2. Ouais. Gohan SSJ 2, ouais, mais il va se faire casser en deux, Gohan SSJ 2. Il est là, mais lui, il se fait casser en 15. Il se fait casser en 15, lui, il n'a pas de défense, les gars. Lui, on est dans le mal avec lui. Hein. Gohan LR Int, mais Gohan LR Int, c'est pareil. Gohan LR Int, t'as pas de défense, quoi. Prends Krillin SP1, ça fait l'affaire, il stack comme un gros porc. Hein. Prends Krillin SP1. Lequel, Krillin? Celui de la boutique? Même SP1? Trio Cyborg LR. Non, Trio Cyborg LR, c'est pas Kamehameha, donc non. Non, non, non. Là, tu es que en Kamehameha, t'as pas la catégorie Saga de Cell. Je l'ai pas mise, mais mes personnages de ma team sont catégorie Saga de Cell aussi.
Mais en fait, c'est juste pour pas tout mélanger, parce que lui, tu vois, par exemple, il est Cyborg Saga de Cell, mais il est pas Kamehameha, tu vois. Ah, attends. Ah, Cyborg Saga de Cell, mais il est pas Kamehameha, lui. Son attaque ultime, c'est enchaînement explosif. Il a pas Kamehameha, tu vois, donc je peux pas le mettre. Ça va ou quoi, Thibaut? Je peux pas le mettre. Après, oui, c'est vrai que je pourrais mettre. C'est 17, c'est 10. Putain, c'est 17, c'est 18, c'est une catastrophe. Non, il n'y a pas. De toute façon, il n'y a pas 36 000 solutions. Hein. Je crois qu'il n'y a pas de. Pas trop d'autres solutions. Lui, il va se faire ouvrir en 15. En vrai, il va se faire ouvrir en 15, lui, non? Ouais, il va se faire casser en deux aussi. C'est compliqué, là. Hein. Par un double sel. Ouais, je crois que j'ai pas le choix. Hein. Goku Kaioken Tech. Mais non, Goku Kaioken Tech, il est pas Saga de Cell, les gars. Non. Non, 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 non. Non, non, ben, je crois que j'ai pas le choix. Hein. Je crois que on n'a vraiment pas le choix. Et on va être obligé de partir en double sel. Hein. On est obligé de partir en sel. Pas le choix. Hein. Pas le choix, sinon ça passe pas. Attends, les 2 secondes, je ferme mon volet juste. Parce que j'aime pas laisser ouvert comme ça. Hop. Mais ça va être compliqué là, ouais. Je crois que j'ai vraiment pas le choix. Hop là. Les deux cyborgs free to play. Les deux cyborgs free to play, c'est pas des Kamehameha. Donc je vais pas pouvoir les lead. Vegeta Int. Vegeta Int, c'est pas un Kamehameha. Donc je peux pas prendre le Celtec et Goku Yadra, ça passe crème. Ouais. Goku Yadra, oui. Goku Yadra, ça passe, c'est bon. Par contre, le dernier, Goku Tech, on m'a dit, mais lequel Goku Tech? Il n'y en a pas de Goku Tech qui passe là-dedans. Le Mirai Int est quand même. Ouais, mais le Mirai Int, je ne l'ai pas malheureusement. Regarde le Cell Pu. Ah oui, le Cell Pu, je le garde par contre. Oui. Complet, complet. Le Goku Tech, il stack là. Il stack. Oui, il stack, oui, le Goku, Goku Gohan, ouais. Non, il m'en manque un, techniquement, il me manque un personnage. C'est compliqué, hein? C'est compliqué de ouf. Goku Yardra, il est pas Kamehameha. Ah, bonne question. Si, si. Ah, quoique. Si, si, il est Kamehameha, c'est bon. Il fait un Kamehameha instantané, donc ça passe. Mais après, il va se faire éclater aussi, le Goku Yardra. Ouais, non, je crois qu'on n'a pas le choix. Vraiment, Celtec, pas le choix. Ouais, mais. Non, franchement, ma team, elle a pas de projet. Si je fais ça, vraiment, je vais me faire démolir. Hein. Vegeta Trunks, tu peux pas. C'est des cyborgs. Saga de. Enfin, c'est pas Kamehameha, quoi. Non, 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 Cell Int en leader. Ouais, non, non, mais on n'a vraiment pas le choix, les gars. Je suis obligé de prendre le Cell Int en leader. J'ai. En fait, il y a vraiment, vraiment pas le choix. Il hein. Y a vraiment méga pas le choix, quoi. C'est un peu dommage, mais c'est sûr. Hein. Mais bon. Du coup, on peut faire ça, ça. Putain, je pensais pas que ça allait être si dur, Cyborg, en vrai. Putain, j'ai sous-estimé l'histoire, là. J'ai grave sous-estimé l'histoire, en vrai. Oh, de ouf. De ouf, de ouf, de ouf. Il est où, le puits? Il est là. Piccolo End. Ouais, Piccolo End. Mais Piccolo End... Piccolo End avec qui? Cell Junior. Non, Cell Junior, les gars. Cell Junior, je l'ai même pas éveillé, le pauvre. Cell Junior, faudrait vraiment que je l'éveille, quoi. Après, j'avoue que ça aurait pu être, pourquoi pas, pas mal, mais c'est pas fait. Non, mais en vrai, comme ça, c'est bien. En vrai, comme ça passe tranquillou, tu vois. Ça va. Ouais, je vois, Matt. Ouais. Non, je l'ai pas drop, Thibaut, malheureusement. Je mettrais plus ce Celtec ZTUR que celui du puits. Bah, en fait, l'avantage du puits, c'est qu'il stack à l'infini, quoi. Genre, par exemple, le C13 puissance gratuit, Dokkan est trop bien. Ouais, mais malheureusement, il n'y a pas les 20 et je peux pas le Dokkan non plus. Il augmente sa défense. Ouais, je sais, je sais. Non, mais on peut rester comme ça, en vrai, là. On peut rester comme ça. Je fais une rotation Gohan, Goku. Je fais une rotation Cell, puis Cell Int. Ma foi, ça peut être pas trop mal. Après, le truc, c'est que pour faire stack tout le monde, là... Attends, j'ai pris qui en ami leader? J'ai pris qui en ami leader? C'est qui, mon ami leader? C'est Gohan? Ah non, 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 c'est pas bon. Bah ouais, non, 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 je suis un ouf, moi.
T'as pris Gohan, ouais, ben non, c'est pas ouf. Enfin, ça passe, mais Piccolo, il a pas de. Il est pas ligne, quoi. Non, non, mais on va rester comme ça, on va rester comme ça. Filtre, du coup, on va. Bon, on peut garder Kamamea, mais extrême hint. Y a pas d'icelle, y a pas d'icelle. Non, LCO, il est pas tombé, même en off. Hier soir, j'étais en live chez Fafa, on l'a pas obtenu. T'es à 1h35, on n'a toujours pas réussi un Goku Rush, je suis au bout de ma vie. Il est 22h24. Il va être long ce live, il va être long. Mais tant mieux, il y aura la rediffusion de toute manière. Il y aura la rediffusion. 55%. Mais pourquoi j'ai que des 55% aussi? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi il n'y en a pas 100% là? Pourquoi il n'y en a pas un? Putain, on n'a pas des bons amis leaders aussi. Mirai End, il fait quoi Mirai End en leader? Mirai Gohan End, il fait quoi un ami leader? Mirai Gohan End, pardon. Il fait quoi? C'est pas un cyborg Saga de Cell, lui, hein, son leader. Ouah, c'est quoi ce bruit? Bruit chelou. Prends le Mirai. Ouais, mais il fait quoi? C'est quoi son leader? Prends-le dans ta team. Ah, dans ma team, dans ta team. Non, non, non. Bah non. Bah non, j'ai fait game over, mais non, en fait, je vous ai écouté, mais non. Prends Mirai Gohan. Bah non, je le mets à la place de qui? Vas-y, tu sais quoi? Je vous écoute. Je le mets à la place de qui? Juste pour vous montrer que c'est une très mauvaise idée de faire ça. Ok, je vous remonte la team. Vas-y, je le prends à la place de qui? À la place du Vegeta Trunks. Ah, très bien, Vegeta Trunks. D'accord, ok, très bien. Donc pourquoi j'enlèverais Vegeta Trunks maintenant? Expliquez-moi juste pourquoi je devrais enlever Vegeta Trunks. Allez, vous allez me dire, il tank pas la défense encore, c'est ça? Vous allez me dire qu'il stack pas la défense, Vegeta Trunks? Piccolo a pas de lien. Piccolo n'a pas de lien, on est d'accord. Et Mirai Gohan, il est même pas Kamehameha. Ouais, ben il y a des chances en plus qu'il soit pas Kamehameha. Pour la phase int. Pour la phase int, ok, j'enlève. Ok, alors dans ce cas-là, j'enlève Vegeta Trunks pour la phase int. Maintenant, je me retrouve sur la phase puissance. J'ai deux endurances, dont un qui ne stack pas la défense. Comment je fais? Comment ça se passe pour Mirai Gohan sur la phase puissance? Il va bien le vivre ou ça va être compliqué, tu vois? Il est mieux Gohan. Il tank, mais est-ce qu'il tank aussi bien que le Vegeta Trunks? Tu peux enlever Vegeta Trunks pour justement avoir moins de persos qui stack parce que là, ils vont jamais tout stack. Mirai, il y a de la réduc de dégâts. Ouais, réduc de dégâts. Dégâts réduits. Ouais, ok. Réduction de dégâts. Mais est-ce que ça m'empêche de. Enfin, est-ce que ça permet de tanker de ouf? T'as le C17 puis TUR, SP15, il stack bien là. Non, je l'ai pas SP15 et tout. Non, non, non. Non, non. Pour moi, c'est pas une bonne idée ce que vous voulez faire, hein. Puis si tu stack assez avec Mirai. Franchement, je vous déteste, hein. Je vous le dis, hein. Je vous déteste, mais. Vas-y, hein. C'est quoi, vas-y. Soyons fous. Allez, soyons fous. Non, non, mais soyons fous, soyons fous. Je quitte et je relance. Il est pas 100%. Bien sûr, il est pas 100%. Mais bon. Non, non, mais bon. Apparemment, ça sera le MVP incontesté, incontestable. Donc, vas-y, hein. Ah, t'as que un doublon. Bien sûr, j'ai que un doublon. Techniquement, je préfère à la rigueur enlever Piccolo qu'enlever le Trunks Vegeta. Hein. Je vous le dis. Hein. À choisir. Hein. Pour moi, Trunks Vegeta est plus intéressant. Hein. Piccolo, Cell Puissance, ça passe rien. Piccolo, Cell Puissance, ils se linkent ensemble, Lelouch? Tu penses? Je sais pas s'ils ont des liens ensemble, les deux. Je suis pas sûr, hein. Je demande à voir, hein. Bon, par contre, j'ai plus un Cell, ça y est, qui est proposé. C'est quoi cette histoire-là? Bleh. Piccolo détecte l'aspect. Ouais, non, ça, je suis au courant, mais... Après, le truc, c'est que Piccolo, il faut aussi pouvoir le link, tu vois. C'est aussi ça, le problème. Non mais je dis pas qu'il est nul Piccolo les gars, c'est juste qu'au niveau des liens c'est compliqué. Vous pouvez me dire que c'est peut-être le meilleur je sais pas quoi. Ceci dit, quand t'as un personnage qui a pas de lien, meilleur ou pas meilleur, c'est compliqué quoi.
Ouais, je vois le loup, je vois. Non, mais on va voir. Déjà, faut que je trouve un sel. Ça serait cool. Ah, alléluia, 79% en plus. Allez, c'est le bon run. C'est bon, on est bon. Allez, go. Allez, go. 511 000 PV. Bon, au moins, on a pas mal de PV déjà. Ça, c'est une bonne nouvelle. Allez. On va y aller comme ça. C'est la victoire. Attends, on va pas vanter trop vite la victoire, mais on va essayer. Ah oui, ils ont des bons liens ensemble, les deux, là. Oh. Ils ont grave des bons liens ensemble, les deux. Incroyable. Putain, je suis choqué, les liens qu'ils ont ensemble. Incroyable, en vrai, non? Non, j'aurais pas pensé, tu vois, c'est le puits. Ok, je sais que le Piccolo a des très bons liens avec Paekwon, du coup, pour l'avoir testé. Je pensais pas qu'il en avait autant avec Cell. Ok. Ok, bah dans ce cas-là, c'est parfait, alors. Dans ce cas-là, c'est parfait. La défaite Ada. Tu vas voir la défaite Ada, on va la rouler dessus. Celle aussi est bon. Celle est très bon. Hein. Celle est très très bon. Ouais, le louche, bah là pour le coup, ouais, GG. Hein, parce que franchement, je pensais pas que les deux pouvaient se link aussi bien, quoi. 1, 2, 3. 1, 2, 3, je pars pas en SP. Encore une fois, je pars pas en SP. Point. Ça, c'est pas la bonne rotation à avoir, hein, clairement. Je savais même pas qu'ils avaient des liens, je suis choqué. Bah pareil. Là vraiment je... En plus ils ont des liens de ouf, hein, puisqu'ils ont quasiment le ki au max. Enfin ils sont ki plus 10 au total, côte à côte. Ce qui est quand même assez, assez conséquent, donc ouais. Assez surprenant. Ah Gohan, il faut que je l'envoie dans l'autre rotation Gohan. Regarde, les deux côte à côte, incroyable. Hein. Franchement rien à dire. Hein. Rien à dire, très beau. Très très beau. Allez, Gohan. Bah, Gohan, tu stackeras pas la def de suite, malheureusement. Mais non, fallait pas mettre Gohan. Qu'est-ce qu'il me raconte, Shadow? De quoi fallait pas mettre Gohan? Il est saga de sel, Gohan. Qu'est-ce que tu me racontes? Salut, Sartinol. Salut. Ah, le Mirai Gohan. Ouais, bah, Mirai Gohan, écoute. Écoute, skip. Skip, il est incroyablement incroyable, donc bon. Et Touk. Allez, ça dégage. En vrai, ouais, je vais mettre Gohan LR avec lui à côté, dans une rotation. Dans l'autre, bah, j'ai le Piccolo et le Cell. C'est pas mal, hein. Tu détectes l'aspect avec Piccolo. Ouais, clairement. Faut juste faire attention à la phase puits. Bah, c'est ça le problème. C'est que la phase puits, ouais, ça va être compliqué, quoi. Ouais, Thibaut de ouf. Ok, 1 100 000. Piccolo et Salva, t'inquiète, les deux sont côte à côte déjà. Il va se faire désintégrer contre le type puissance. Ah ben, il y a des grandes chances. Il y a des grandes chances, mais... On verra, hein, puisqu'apparemment, c'est un Messi, on verra. Hein. Peut-être qu'avec un miracle. Hein. Ou ça envoie une space ici. Et on va de suite mettre Piccolo. La transfo de Piccolo, elle proc comment déjà? Je me souviens plus. Je me souviens plus comment elle proc. Fais l'attaque ultime. Ouais, t'inquiète. Par contre, c'est vrai que je suis vraiment très étonné des liens qu'ils ont là, les deux côte à côte. C'est vachement surprenant. Je crois que c'est avec les PV. D'accord, ok. Pour que le Gohan ait un de temps qu'il doit partir en spé. Ouais, t'inquiète, je le fais partir en spé. Hein. T'inquiète pas. Faut un Namek pour transformer Piccolo. Ah, faut un Namek. Ah, bon, on le fera pas transformer. Bon, c'est pas grave après, mais. Mais bon, ça aurait été mieux quand même. Ça aurait été mieux. Ça y est, la rotation est en marche ici aussi. Let's go. Stack toi. Toi, vaut mieux que tu stacks rapidement. Gohan, il s'en sortira beaucoup mieux que toi. Donc, voilà. Faisons comme ça. Fallait mettre Goku SSJ int free to play parce que c'est un Namek. What? Goku SSJ int free to play, c'est un Namek. De quoi? Attends, dans quel monde Goku c'est un Namek? Je suis pas au courant moi de ça. Comment ça, Goku c'est un Namek? On va se régénérer, tiens, ici.
J'ai décidé qu'on allait se régénérer. Voilà. What? Ah, saga de Namek. D'accord, saga de Namek, ça me va. Parce que Goku, c'est un Namek. Ok. Je commençais à réfléchir sérieusement, là. Pourquoi, Thomas? Pourquoi? Saga Namek, ok, saga Namek, ok. Ouais, Guillaume, j'ai vu Valorant, il sort le 2 juin officiellement. Ouais. Ouais, Goku, il a la peau verte après, ouais. Mais ça, c'est suite à une expérience du docteur Gero. Faut pas le dire. Mais dans une timeline différente. Ouh, 26 000. Ok. Ok. Go ici. Ah merde, Dokkan Mode. Oh putain, Dokkan Mode. J'avais pas vu, je suis parti avec le pire. Bon, c'est pas grave, au pire, si on le tue pas, au pire, ça nous permettra de stack. Allez, go. Chung. Wouah. Ça allait un petit peu vite quand même, hein, dis donc. Hein. Il stack pas le Yardra. Mais je pense pas qu'il stack, non. Il stack pas, non. Mais par contre, on a vu, il était Saga de Cell tout à l'heure. Ça, on l'a bien vu. $1,800,000 à contre-type, sans critique. Merci monsieur, c'est grave lourd. Tu nous passes celui-là. Ouais, normalement Sunshine, normalement là ce Goku Rush il passe. Mais par contre la catégorie cyborg après, va falloir que je réfléchisse. Hein. Va falloir que je réfléchisse parce que vraiment c'est en fait j'ai vraiment sous-estimé la catégorie quoi. En fait, si je pouvais mettre mon C13 puissance, ça serait grave lourd. Mais vu que je ne peux pas, c'est grave compliqué. Ouais, il se paye d'entrée de jeu. Qui sait qui a le plus de défense? Ouais, ça se vaut. Ben on va laisser Piccolo, alors. On va laisser Piccolo. On va régène de 10% la santé. Et on va taper ici. Boum. Pour la cyborg, t'as les deux free-to-play, C16 à l'air et C14, C15 free-to-play MVP. Je les ai mis tout à l'heure, ils étaient pas si MVP que ça, le louche. Tout à l'heure, j'ai quand même mangé un 220 000 dans leur tête. J'ai un peu bégayé quand même. J'ai un peu beaucoup bégayé. Les deux free-to-play, par contre, je les ai là. C17, C18, je les ai. L'aspect ultime de ça, elle est trop cool. Ouais, elle est grave stylée. Oulala. J'aime pas beaucoup ça. J'aime pas beaucoup ça. Ça part en spé ultime. Ça part... peut-être deux spé ultime dans le tour. Ah, même pas. Dommage. Ouais, mais le louche, pour faire ça, il faut qu'il y ait un C13. Eh ouais, le nain, t'as le rhino aussi, là. Trois nains qui vont à la mine. Oh, t'as le rhino. Tu l'as vu, le legendary finish que j'ai mis à Kaïs ou pas, tout à l'heure? Je sais pas si t'étais parti ou pas encore. Dernier combat avant que je lance mon live. On fait une petite game. Et du coup, je gagne. Je le legendary finish en plus. Oh, c'était beau. C'était tellement magnifique. J'étais fier de moi. Non, j'étais parti. Ah, dommage. Oh, c'était magnifique. Magnifique. Je suis parti en roi. Mais vraiment, je suis parti en roi. Petit legendary finish du Végéto. Comme ça. Bram. C'est 13, un ami leader, l'alliance et tout. Ouais, mais c'est compliqué d'en trouver, le louche. Ah, il a pris cher. Mais je vais continuer à tryhard. Je vais continuer. On va pas lâcher l'entraînement, là. Oula, fait peur ça. On va continuer de s'entraîner un petit peu sur Legends. Poum. Allez, go. Pour le Goku Rush Cyborg, j'ai pris Saga de Cell avec Cell Puissance, les deux Cyborgs et C17 Puissance et Allez, C18 Int ZT1. Ah ouais, mais j'ai pas le C17 puis et C17 puis, ouais, et C18 Int ZT1. Je les ai pas. Enfin, je les ai, mais ils sont pas ZTUR, ils sont même pas SP10, rien. Ouais, c'est la crise pour eux. Ouais, non. Ouais, One Ultimate. Ah, il était au bout de sa vie. Hein. Vraiment, il était au bout de sa vie. Hein. Bon, après, il m'a gagné plus de fois que je l'ai battu quand même. Hein. Ceci dit, Kai, c'est encore bien meilleur que moi sur Legends. Mais faut juste que je me précipite moins, en fait, que je sois moins agressif. Et je pense que j'ai moyen déjà de corriger pas mal de petits soucis. Si j'étais beaucoup moins agressif. Bon, après, il faut que j'arrive à utiliser aussi le charge tape, tout ça, convenablement.
J'ai vraiment du mal à chaque fois, j'ai l'impression que ça bug. Des fois, je dash en avant, ça veut pas dash. Enfin, je comprends pas. Ouais, Bekir, je suis preneur. Ça va et toi, Ganouchka? Salut, Xeno. Rediff ou pas? Je sais pas, c'est sur son live. Ouais, Lelouch, c'est vrai, c'est vrai. Ah bah tiens, j'ai fini mon run à côté de Nanatsu. Je sais pas si je me refais des livres encore. J'en ai fait déjà 80 runs. Est-ce que je refais 120 runs? Ouais, je vais refaire 120 runs. Mais le flash en avant après un combo a été supprimé. Non, mais pendant un combo, tu sais, tu fais une blast, t'avances devant, tu charges step du coup et tu réattaques, tu vois. Et des fois, ça passe pas, des fois, je comprends pas trop. Sur qui t'envoies l'aspect, toi? Ok, Piccolo. 183 000 de défense, Piccolo. T'es le frérot. Tu tanks. On compte sur toi, Piccolo, vas-y. Allez, Piccolo-san. Spé ultime en plus de sel. Ouh, ça va faire mal. Ça, c'est un tour qui va faire plaisir. Tu feras du Twitch. Ouais, vers 23h30, je pense. Quelque chose comme ça. Là, on est parti pour un bon live. Clairement, je vous le dis, on a mis 1h30 à pas réussir de Goku Rush. C'est une première. Mais on va repartir comme ça, t'inquiète. Là, on va continuer. Ok, parfait. On se refait un petit coup. Tac, on en refait 40. Comme ça, on va pouvoir les vendre ensuite, les livres, là. Zoup. T'as éveillé Bojack à l'air? Non, j'ai pas éveillé Bojack à l'air. Est-ce que Bojack, d'ailleurs, il a une spé farmable gratuitement ou pas? Faut que je sache. Cyborg préféré, c'est dur, hein. Franchement, c'est dur de ouf. Hein. Je sais pas. Cell, je vais dire Cell. Cell est stylé. Ouais, mais chiant. Oui, avec celui du Baba Shop. Baba Shop. Ah oui, c'est bon, je vois lequel c'est. Ok, c'est bon, je vois lequel c'est. Faut voir combien ça coûte de gemmes. Ouais, faut voir combien ça coûte de gemmes en vrai. Bojack, tu peux faire un lacet. Non, mais avec celui du Baba Shop, en vrai, ça passe direct, non? C'est quoi? C'est du 50%, et si je l'éveille en UR, c'est direct 100%, j'imagine. Bon, après, je vais peut-être pas l'éveiller UR, parce que ça va être long et chiant, mais bon. Il y a un Bojack SR. Ouais, non, mais je vois... Ok, c'est bon, je vois lequel c'est, ouais. Ce soir, Paul Ladouille sera sur Twitch. Il y a des grandes chances que Paul Ladouille soit sur Twitch ce soir, oui. Oui, il sera en ville, t'inquiète. T'es à la saga de Cyborg, pareil. Oui. Ta tête, le Bojack ou pas? C'est toi ta tête, Ré-Lyon, là. Ta tête de Bojack, là. Moi, elle est bien, ma tête. On parle du tech. Du tech. Ah, le puits, il passe pas, le puits, ou quoi? Il passe pas, le puits? Attends, 2 secondes. Je veux voir un truc, lui. Pourquoi il a que 44 000 de défense, là? Ça me fait peur, ça, quand même, non? 44 000 de défense, wesh. Ouais, je vois, Thibaut, que t'as changé. Ouais. T'as mis qui? C'est Gotenks? Allez, go. Zloop. Il stack son passif. Ouais, mais bon. C'est même avec son passif, 40 000 de défense, je suis pas sûr que ce soit incroyable. Hein. Non, le Bojack, je l'ai pas test. Ah, c'est pour ça, Rélion, ok, que t'as marqué ta tête de Bojack. Ok. Mais c'est toi ta tête de Bojack. Je te le redis quand même, tiens. Oh, attendez 2 secondes. Oh, je m'étouffe. SNK sur Wakanim. Wow, oh, j'ai les yeux qui pleurent. J'étais en train de m'étouffer là-haut. Wow. Tranquille la vie, Lilian. Lugeta, ça va. Hein. Il y a pire, il y a mieux. Hein. Il y a pire, mais il y a mieux. Mais ça va, on va pas se plaindre. Hein. Il gagne de la def en partant en spé. Ouais, ça je suis au courant par contre. Ouais. Ouh, ça va faire mal là. Ça va faire un. Mid j'ai pris là. Ah ouais, quand même. Ouais, j'ai vu Thibaut que c'était Gotenks 3. Ouais. Lilian, il faut que tu fasses stacker le Gohan du futur. Non.
Non, dans son passif, enfin dans son attaque spéciale, c'est pas indiqué qu'il faut le faire stack. Ah, Zéo, là, c'était vraiment le Kamehameha robot de sel. Attends, c'est le Kamehameha qui fait là ou pas? Ouais, c'est le Kamehameha, ouais. Si, si, Kamehameha, ouais. Bam. 1 900 000 quand même. T'es un peu énervé, celle-là. Tu fais encore du Naruto. Non! Non, 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 je fais pas de Naruto. Alors, t'envoies l'aspect où, toi? Ouais, tu l'envoies dès le début. Ok. Par contre, j'avoue, Piccolo, là, il commence à bien tanker. 240 000 de défense. Ça commence vraiment à être fort intéressant. On va récupérer 10% de santé ici. Et on va partir en spé ultime avec celle. Zloop. Parfait. Ah, je sais pas, hein, Thibaut, je sais pas. Je pense pas, non, c'est après, normalement. Vas-y, Piccolo, tu tankes ça à combien? Tu prends combien dans la tête? 100 000? 150? Oh, 60 000. Oh, ça va, il commence à trop bien tanker, le Piccolo, là. Il commence à être vraiment bon, là. Je revenais d'une rediffusion de l'attaque des titans que tu avais fait. What? Comment ça, laquelle réunion? Ah, sur le jeu, ok, le jeu. Je croyais les rediffs sur Twitch où on matait l'attaque des titans. Normalement, tout a été supprimé par Wakanim. Voilà, on a récupéré un peu de PV. Ta team manque un peu de DPS, Lilian. Oh, ça va, franchement, t'es sérieux? Franchement, elle a du DPS, la team, en vrai. Hein. Après, n'oublie pas qu'on est en Goku Rush aussi. Hein. Faut partir de ce principe-là, c'est qu'on est en Goku Rush. Donc, c'est normal que. Elle tank pas comme tu. Enfin, elle fasse pas les dégâts que tu penses, mais t'inquiète. Hein. T'inquiète, t'inquiète. L'OAV de Levi. Ouais, je l'ai vu, ouais, bien sûr. Ça va un peu mieux les allergies. Bah j'ai pris un médicament hier, donc oui, là ça va. Aujourd'hui j'ai pas eu de problème. Hier j'ai pris un médoc. Normalement l'effet il dure un peu moins de 24 heures normalement du médoc, mais là ça va. Ouais de ouf Matt. Mais là même après du DPS on en a quand même, on lâche des 600 000, des 1 million, des conneries comme ça depuis tout à l'heure. Sur du Goku Rush, lâcher des 1 million les gars, c'est déjà très très bien. Hein. C'est déjà très très bien. Hein. Bam. Alors 1 100 000 sans critique. Tu veux qu'il fasse quoi de plus, le Gohan? Sachant que le Goku, il a une barrière de ouf en face. Franchement, c'est propre. Hein. Ouh, il envoie l'aspect en deuxième. Ouh là là, le cochonou. Hein. Eh ben, je vais te mettre en premier, mon petit sel. Allez, go. Ah non, Dokkan Mode! Merde! J'ai pas fait attention à ça. Ouais, mais bon, quoi qu'il arrive, j'allais prendre cher, donc j'ai voulu éviter la mort. Donc je sais pas si on peut m'en vouloir réellement. Je ne parlerai plus jamais de ma vie avec toi, Snow. Mais alors, plus jamais. Pourquoi moi en particulier? Il y en a plein qui ont pas droit, Pierre, Snow. T'es un méchant garçon. Jamais je discute avec lui. Dokkanmon ne prend pas en compte le type. T'es sûr de ça? Après, si je critique, en vrai, c'est tout bénef. Un million 400 000, l'aspect supplémentaire. Yo Raiju, ça va ou quoi? Ouais, 300 000, l'aspect supplémentaire, par contre, pas ouf. Vas-y, Piccolo. Défonce-les tous. Pas grave, je préfère ce sucre. Je te comprends. Je te comprends. Comme beaucoup, beaucoup de monde préfère ce sucre. Je te comprends totalement. Il y a des raisons. Cet homme est devenu musclé. Cet homme a fait pousser ses cheveux. Cet homme a perdu beaucoup de poids. Cet homme est en débardeur. Tu apprécies ses épaules. Je comprends mieux. Ikei, ça a eu Goku à l'air. Oui, mais je sais, Azor, oui, qu'il a eu. T'inquiète que je suis fortement au courant, oui. Avec le nombre de messages dont on m'a spammé, t'inquiète même pas. Ouais. Bah vas-y, go. Go, 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 go. Spé ultime. Spé ultime en plus, let's go. Moi, Lidl, capillairement parlant. Ah bah lui, il a fait une remontada, hein. Il a fait une remontada de ouf. Allez, go. Go trancher là. Go trancher, go trancher, go trancher. N'aie pas peur pour le Mirai, quand il part en spé, il gagne 130% de défense, plus la réduc des dégâts, c'est le dieu des messieurs. Ouais, bon, on verra, on verra. Hein. On verra. Non, sinon, Snow, ouais, ça va, tranquille, hein, comme d'hab. Hein. Comme d'habitude, hein. Il n'y a rien qui change, hein, le quotidien. Hein.
beaucoup de vidéos, beaucoup de lives avec le confinement, mais sinon ça va, hein. Ça va, ça va. Ben merci Lucky Comet, c'est gentil. Fais de l'ASMR. Non, je suis trop naze. Laisse tomber ASMR, trop dangereux ça. Pourquoi tu fais plus de random rush d'Okan avec Susuk? Bah je sais pas, en ce moment on se parle pas forcément avec Susuk. On se parle pas forcément ces derniers temps. Donc ouais, on tourne pas non plus de vidéos non plus. Tout simplement. Attention quand même. Ouais, normalement, de toute façon, on le tue. Mais là, je pars pas en spé, tu vois, à la fin. Attention, parce que là, je pars pas en spé. Lilian, t'as fait les histoires sans fin. Oui, ouais, bien sûr, déjà fait, ça, ouais. Déjà fait. Ah, Monarque, il a pas de... Tu sais, il est retourné chez ses parents, Susucre, donc je peux pas retourner chez lui. Il a pas son domicile, quoi. Enfin, c'est pas aussi évident, quoi. Surtout que c'est pas un gros appart qu'ils ont, donc bon. Merci Monsieur Doudou. Merci, merci. Détective Conan, bien sûr, je connais, ouais, évidemment. 1 300 000, let's go. Ouais, non, non, Lelouch, non, non. Bon, parlons peu, parlons bien. On arrive à celui qui m'a défoncé tout à l'heure. Ce gentil, gentil monsieur, pas très gentil, là. Déjà, aspect ultime. Encore ici. Aspect ultime pour tout le monde. Ça sera aspect ultime pour tout le monde au menu. Let's go. Dès que celle se transforme, tu le mets en rotation avec celle puissance. Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais oui et non, en fait. Je sais pas, c'est cool. Je sais pas. Oh, Amigaté, ceci me rappelle ta vidéo d'hier. Bah, il est pas tombé malheureusement dans ma vidéo d'hier. J'aimerais bien que ça me rappelle aussi ma vidéo d'hier, tu vois, de le revoir. À... En fait, lui, il me rappelle surtout de mauvais souvenirs. Lui, il me rappelle surtout le hint que j'ai à 200%, quoi. Mais sinon, non, c'est pas des bons souvenirs, ça. C'est pas des bons souvenirs. Mais j'espère vraiment qu'il arrivera dans les pièces goldées, là. Parce que s'il arrive dans les pièces dorées, ça va, je le prendrai là-dessus. Sinon, bah, c'est plus compliqué. Bien sûr, je suis deg, Kylian, de pas avoir le migaté. J'aurais grave voulu l'avoir. Mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu, hein. Soit on peut pas tout drop, hein, on peut pas choper à chaque fois. Hein. Piccolo, normalement, 300 000 de défense, des auto-attaques, on est d'accord. Tu t'en sors bien. On est d'accord que tu me fais pas de crise. Dans 2-3 portails à l'air. Ouais, ben voilà, ben on va attendre tranquillement. Y'a qui là, un portail à l'air qui doit arriver après? Y'a le virus, après les 5 ans. Y'a qui? Y'en avait pas un autre aussi qui est arrivé à l'air à côté? Bah, de toute façon, au 5 ans, il y a les LR aussi, quoi. Ouais, Zéo, laisse tomber, hein. Mais même hier, en off, hein, pour ceux qui sont pas au courant, j'ai fait 2 multis, là, sur le live de Fafa, et 2 multis, ou... Enfin, même pas, j'ai fait 4 multis sur son live. 4 multis, 2 packs F, 70€, et puis c'est pas tombé, quoi. Virus, c'est pas... Ah, c'est pas un LR, le virus? Ah, d'accord, d'accord, autant pour moi, c'est un Dokkanfest. Autant pour moi, d'accord. Ok, excusez-moi. Ouais, bien vu, Asalia, je pensais que c'était un LR, autant pour moi. Non, c'était qui alors, un LR? Rosé, ah oui, mais c'est ça, il y a un Rosé et il y a Broly, c'est ça? Rosé Broly, c'est ça. Rosé Broly, Nappa, ouais aussi, ouais. Ouais, non, j'ai confondu, autant pour moi, my bad. Ah, ça m'embête de prendre toutes les sphères, ah, ça m'embête grave, là, de prendre toutes les sphères, puis, mais bon. Mirai va se faire ouvrir, tu vas pleurer. Bon, en soi, il subit qu'une attaque, donc ça va. Le Selpu, ouais, très bon. Hein. Merci Thibaut. C'est l'un des meilleurs Dokkanfest. Il fait trop mal, le virus. Ouais, j'espère que je l'aurai. Mais le Whis, j'aime bien le Whis aussi. J'aime bien la carte, en fait, du Whis. T'as combien de LR? Je sais pas, je crois j'en ai 29, 30, un truc comme ça. Rosé et Broly, et après, c'est Vegeta et Nappa. Ok. Ok, ok. Bon, bah, d'ici là, on aura peut-être de quoi prendre le Migaté, alors. T'as de la chance et l'espèce tombe sur Gohan. Bah après, tu calcules un minimum et normalement tu t'en sors, quoi. Ça et toi, non, je peux pas lire ton pseudo. Yekai, c'est le plus gros des. Non, c'est ça, c'est pas très gentil, ça. Je le lirai pas. Il y a Krillin aussi. LR. Oui, c'est vrai qu'il y a un Krillin, ouais, aussi. Ouais. Effectivement. Rentre trop de LR qui sortent, non, sur la Jap, là, non? T'as l'impression que maintenant, UR, ça va devenir un peu des SR à force. C'est un peu le problème.
Sur le portail de virus, je n'ai ni Goku, ni couleur, donc je vais détruire le portail. Ah, tu m'étonnes, tu vas le casser en deux. Attends, parce qu'il y a qui dessus? Il y avait qui déjà? Goku et couleur. Le couleur, c'est lequel? Le puits? Et le Goku, c'est qui? C'est lequel? Il part pas en spé dans ce tour, ok. Let's go. Ah, je voulais récupérer les PV, mais je crois que je peux pas. My bad. My bad, my bad, my bad. Goku... Ah, Goku Namek, ouais, bien vu. Goku Namek, ouais. Ça, Goku Namek, j'ai réussi à choper un doublon il y a pas longtemps, là. Ouais, Christophe, on fera du GTA RP ce soir. Hein. Krillin LR, c'est un free-to-play. Ok. Ok, ok. Bon, de toute façon, on verra bien sur l'aglo. Mais là, techniquement, comment ça va se passer sur l'aglo? Parce que là, on est quoi? On est le 23 mai. Donc, l'anniversaire, c'est début juillet. Il y a forcément un ou deux portails qui vont arriver entre-temps. Mais il y a quoi comme portail qui doit arriver là avant les 5 ans? Il y a quoi qui doit arriver normalement là sur l'aglo? Dylan, pas forcément, non. Virus. Ah, il y a le virus. Mais le virus, il était pas sur la Jap, il est arrivé après, non? Virus sur la Jap, il est pas arrivé après? Peut-être je me trompe, mais il me semble qu'il était arrivé après, hein. Remets tes lunettes. Déjà fait. Tac. Tac. Ouais, mais le décalage des events, tu connais. Ouais. J'y connais. Ok, bah on aura le virus avant, alors ok. Bah le virus... Virus, ça va invoquer ça, là, virus, hein. Franchement, c'est dégueulasse, mais ça va invoquer ça, là. Les connaissants, ils peuvent le sortir. Ah, mais c'est sûr qu'ils vont le sortir avant, de toute façon, c'est sûr. De toute façon, on peut pas rester un mois et demi sans portail, c'est pas possible. Impossible. Aux 4 ans, le kit Goku était arrivé avant sur l'aglo. Ouais, aussi, c'est pas faux. Hein. Non, mais ouais, il y a des grandes chances du coup, mais en plus, son portail est vraiment pas mal. Hein. Bah, y a le virus qui est bon, il y a le Whis qui est bon dedans. S'il y a le Goku Namek, bah, c'est une raison de plus. On va voir. On verra, de toute façon. Mais ils vont tout faire pour nous faire péter les DS avant, hein. Ça, c'est une évidence. Hein. C'est une évidence. Ouh, on prend l'aspect à la fin. Il va tanker suffisamment, lui, à la fin pour résister à ça ou... On récupère 10%. Ouais, il tank assez. Vas-y, on va voir. Hein. On va voir. Je continue à faire du sport même pendant le confinement. J'en fais, mais beaucoup moins. Je fais pas mal de cordes à sauter, par contre, en ce moment, je me chauffe bien. Après, c'est vrai que tout ce qui est sport de... Enfin, vraiment musculation, j'ai une flemme, là, ces derniers jours, c'est hardcore, quoi. Maintenant, il faut le trio de la justice. Jiren, Topo, Dispo, LR. Ouais. En vrai, Topo, mode dieu de la destruction, mériterait hein, une petite alerte, tu vois. Vraiment. Hein. Voyons voir ici. Bon, il est sur le mauvais type. J'avoue que 191 000 sur le mauvais type, ça reste très correct. J'avoue. Y'avoue. Y'avoue, c'est pas mal. Par contre, il va falloir transformer celle. Ouais, mais vu qu'on perd pas suffisamment de santé, ben les deux celles, on peut pas les transformer malheureusement. Le prochain Dokkan Fest, ce sera le Battle Z du Vegeta Int. Vegeta Int. Lequel? Bah la transfo de celle, là, c'est mort. C'est pas mort, puisqu'il se transformera, mais sur la phase int, quoi qu'il arrive, si je perds de la santé sur le int, il perdra là-bas et il se transformera là-bas. Ce qui en soi est une bonne nouvelle, puisque ça me fera du heal supplémentaire. Hein. Vegeta Blue Int. Vegeta Blue Int. Ah oui, je vois lequel. Il a un ZTUR qui va arriver, lui. Le Vegeta Int, il va avoir un ZTUR. Incroyable. Ah, il va tamponner, non, son ZTUR. Vegeta Blue Int, ouais, je vois. Ouais, il va être grave fort avec un ZTUR. Ok. Il arrive quand sur l'aglo? Il y a une idée de ça ou pas?
Parce que là, c'est, vous me parlez de son, ZTER, mais sur la glo ou la Jap? Vegeta et Gogeta, Vegeto, LR au 50. Non, Sofiane, sérieux? Non, ça, je suis au courant déjà. Non, on sait pas. Ah, on sait pas, d'accord, il est pas encore arrivé. Ok, ok. Bah, en fait, Acnologia, le truc, c'est que je regarde pas trop ce qui se passe sur la Jap. Hein. Je regarde pas trop ce qui se passe sur la Jap. Moi, je m'occupe juste de la glo. J'aime bien un peu, tu sais, garder entre guillemets la hype. Bon, après, pour les portails, je suis au courant, vu qu'on fait des duels invocation. Mais bah, ça va et toi, NS? Ouais, t'es passé tout à l'heure, salopard. Je t'ai vu tout à l'heure. Est-ce qu'à partir d'ici, on est d'accord que je garde le Mirai Gohan dans la... Est-ce qu'on est d'accord qu'à partir de là, je le garde dans la rotation et le Gohan Goku, je le tège? Ouais, ouais, ok. Oui, ok. Je vais donc partir en Dokkan mode avec lui. Non, mais le Gohan, il est défendu. Ouais, ok. Bah, je pars en Dokkan mode avec lui, alors non? À moins que je pars avec Gohan LR. Vous en pensez quoi? Gohan LR en Dokkan mode? Garde-le, mais en deuxième position. Ouais. Bah, dans ce cas-là, ouais, bah, Gohan LR, alors. Hein. Bon, il fera mal aussi, Gohan LR, hein, mais bon. Le truc, c'est que... Ah, mais je suis en SP ultime. Ouais, non, non, c'est carrément mieux, ouais. Gohan LR. Non, non, mais en fait, j'avais pas vu que je partais en SP ultime. Non, non, ça sera carrément mieux, SP ultime. Ouais, ouais, très, très bien. Très, très bien, Jean-Paul. Allez, go. Par contre, c'est bien, le Dokkan mode, à ce moment-là, en vrai, perfect. Perfecto. Tu connais Rainbow Six Siege? Oui, je connais, mais j'y ai très peu joué au siège. Ah, moi, les Rainbow Six, c'était surtout à l'ancienne, hein. Même avant les Vegas, hein. Vegas, c'était pas mal, mais moi, j'aimais bien le Lockdown. Ah, le Rainbow Six Lockdown. Oh là là, tuerie, hein. Tuerie de ouf, hein. En plus, il peut pas esquiver. Ouais, il peut pas esquiver. C'est vraiment dommage, j'ai pas de doublon sur le Gohan LR. Parce que du coup, j'aurais pu partir en critique. Là, ça sera pas le cas. C'est un peu dommage. Cyborg Saga Cell, couleur. 2 millions, ouais. Oh, l'attaque sup. Si elle est pas esquivée, en plus. Bon, ça fera pas 2 millions cette fois-ci, mais ça fera mal quand même. Ah ouais, ça n'a rien à voir. Hein. 2 400 000, waouh. Waouh. Ça n'a plus rien à voir. C'est Gohan LR, le meilleur LR du jeu. Ouais, je pense. En tout cas, il fait partie du top 3 des meilleurs du jeu. Ça, c'est une évidence. Ouais. 400 000, bruh. Ok, l'attaque supplémentaire aussi. Bah, dis donc, qu'est-ce qui leur arrive là? En plus, il fait aucune esquive, le Migaté en face. Ah si, pour moi, Gohan LR, il fait partie des meilleurs LR du jeu, hein, clairement. Top 3 facile. Trunks, Ikari, Int, il a aussi son ZTR. Bah, il serait temps, tiens. Il serait temps de ouf. Oh, l'aspect sur le mauvais type. Oh, l'aspect sur le mauvais type. Ouh, c'est au moins 100 000 qui tombe là. Ah, 113 000. Ça va, on s'en sortira quand même. Ah, il part pas en SP dans ce tour, ok. Eh bien vas-y Paul, ne pars pas en SP si tu veux. Zloop, je pourrais récupérer les 10% de santé, mais franchement, ça me sera pas vraiment utile. En vrai, on est trop bien avec cette team là. KFC, c'est le best LR. C'est vrai que KFC aussi incroyable. En vrai, là, on est trop bien de ouf là. Là, on est trop bien avec cette team. Prochain ZTE, Lilou, c'est Black Rose RG. Oui, ça, j'ai vu, ouais. Là, si tu gagnes pas, je comprends plus rien. Non, mais là, on est obligé de gagner. On peut pas perdre, là. À part si je fais vraiment une grosse boulette. Mais sinon, non. Contre les esquives comme ça, Migaté, c'est pas gentil, ça. Vegeta Blue Wind, t'as déjà son ZTER sur la Jap, il y a moyen... Ok, ok. Et du coup, ça donne quoi sur la Jap sans ZTER? Ça va et toi Steven, tranquille en forme? Black Rosé agit sans ZTR, ouais, ça va être incroyable. Hein. Ça va être vraiment incredible. Gohan en premier. Gohan en deuxième du coup. Et celle en troisième, ok. Celle en troisième, alors vas-y, go. Et il envoie l'aspect sur Gohan, parfait. Parfait, parfait ça. Raditz free to play sans ZTER sur la Jap. Ouais, bah après, de toute façon, des ZTER, il y en a plein maintenant. Il y en a vraiment plein de partout. Hein. Catégorie préférée, oh, c'est dur. Mais j'aime beaucoup la team ressuscitée en vrai. J'aime beaucoup les teams ressuscitées.
Héros des films, c'est pas mal aussi. Héros des films, tu t'amuses bien. Goku, Int LR, top 2. Je suis pas d'accord. Il est bon, mais c'est pas non plus un monstre monstrueusement puissant. Je viens d'arriver, ça se passe bien, ton Goku Rush. Ben, Steven, ça se passait mal jusqu'à ce run-là. Celui-ci, par contre, se passe, mais vraiment à la perfection. Vraiment à la perfection pour celui-ci. Mais ceux d'avant, c'était compliqué, quoi. Ouais, NES, je me suis fait rouler dessus. Hein. Hier, laisse tomber, hein. Catastrophe. Hein. Catastrophe. Hein. Que ce soit en live ou en vidéo. Faisons ça. Faisons ça. Et faisons ça. En vrai, on va le terminer sans item, là. Trop fort. Là, la team, elle est trop forte. Par contre, les développeurs de Dokkan nous donnent 7 DS quand on a un top 1. Avant, ils nous donnaient 50 DS. Ah, ben les temps changent, hein, tu sais, la crise financière, tout ça, c'est compliqué. Hein. C'est la crise des DS aussi. Hein. Ah ouais, c'est fini ça. Hein. Trio GT, très fort. Trio GT, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi, Samuel. Ouais. C'est vrai que le LR Trio GT est vraiment, vraiment très, très bon. D'ailleurs, j'aime beaucoup jouer cette team-là. Chercheur de boules de cristal, vraiment sympa. Au revoir, Ryan. T'inquiète, Thibaut, ciao, ciao. Ouais. Alors, Mirai, ton verdict? Bah, franchement, ça passe bien, ouais. J'avoue, il passe bien là, le Mirai Gon. Rien à dire. Pour le moment, très propre. Très, très propre. C'était bien vu. C'était bien vu. Bon, après, le Vegeta aurait été bien aussi. Hein. Techniquement, il aurait aussi bien tanké, tu vois. Donc, ça se vaut, ça se vaut. Ça se vaut, ça se vaut. C'est m'a dit. Ouh. Je veux partir en spé ultime. On part en spé. Tac et tac. Perds des PV, transforme Gohan à SJ2 si tu peux. Franchement, j'ai même pas envie de perdre des PV. Hein. Pour le moment, on est trop bien. Franchement, j'ai même pas envie de prendre le moindre risque. Je m'amuse trop sur Kakarot. Ah, Guillaume, il est génial la Kakarot, t'as vu. Hein. Coucou, je te suis depuis tes vidéos il y a 5 ans. Tu fais des vidéos et des lives super. Merci. Merci Marlène Collange. Merci à toi. C'est super gentil. Hein, merci. Merci pour le soutien. Ouais, 5 ans, ça. Effectivement, ça remonte. Est-ce que tu vas bien? On veut des random rush. C'est trop bien. Bah, je vais pas vous en faire tout le temps non plus des random rush. Si on vous écoute, vous prendriez que des invocations et que des random rush. Mais on a d'autres vidéos à côté à faire aussi. Hein. Je me fais Odyssey à fond, Assassin's Creed. Ah, Odyssey, ok. Ben écoute, moi, ce nom-là, j'ai acheté Odyssey, Origins et Syndicate. Et du coup, je vais commencer par le Syndicate, parce que c'est là où je m'étais arrêté, moi, sur. J'avais fait Unity et je m'étais arrêté sur ça. Donc là, je vais faire Syndicate, je vais faire Origins et Odyssey. Ouais, Ness, il a ramené la hype, Migaté, ouais, évidemment. Ouais. Mais en vrai, je me tâte, parce qu'en vrai, j'aimerais trop les faire en live, là, Assassin's Creed, sur Twitch. Mais en vrai, je me dis, c'est trop long et faudrait que je fasse que ça à chaque fois. C'est un peu relou, quoi. Mais j'aimerais bien, ouais. J'aimerais bien les faire en live. Ouais. Le truc, c'est que c'est des jeux qui sont super longs, en fait. Parce que t'as pas envie de rush le mode histoire, quoi. T'as envie d'explorer à côté, d'améliorer tes équipements, tout ci, tout ça. Enfin, voilà, de vivre vraiment l'aventure de ouf. Et j'ai peur de trop rush et de me faire chier, quoi. Faire un live et en off. Au pire, ouais, mais le truc, c'est que si je fais en off, après, à côté, je vais avancer sur l'histoire, vous allez rien comprendre, quoi. Tu l'es fait pour te préparer à Valhalla. Ouais, carrément, ouais, carrément. T'as fait le Assassin's Creed 3 Remastered. Avec Connor, ouais. Connor, je l'ai fait, ouais. Surtout Odyssey, tu te perds vite sur les quêtes secondaires. C'est ça le problème. Après, le truc, c'est que je peux faire les quêtes secondaires en off et les quêtes principales en live. Mais même si, en vrai, tu rushes que les quêtes principales, les derniers Assassin's Creed, je sais que. On va en avoir pour, je sais pas, peut-être 50 heures, non? Voire plus. Donc bon. Je sais pas, je me tâte. Tu t'en sors, Zeiko-sama, ça va, on s'en sort là, regarde, là, on est sur Migaté pour le moment, il n'y a pas de. Ah, par contre, il va prendre cher l'autre à la fin là, non? En plus, je peux pas détecter l'aspect là. Je peux pas détecter l'aspect là. Mais j'ai pas envie de casser la rotation non plus. J'ai vraiment pas envie de casser la rotation.
t'as joué à Unity, alors joue Assassin's Creed Rogue, je te jure, ça vaut vraiment le coup. Mais Rogue, c'était avant. C'était avant, et c'est vrai que Rogue, je l'ai pas fait, par contre. C'est vrai que je l'ai pas fait. Il a beaucoup de défense, normalement. Oui, oui, il a beaucoup de défense. 387 000. Mais bon. Ouais, je vois, Snow. Mais t'as, ouais, mais t'as pas rush que l'histoire, non? T'as fait les quêtes secondaires. Bon, après, j'avoue, il défend bien. Il aura un peu plus. Il aura quasiment 400 000. Allez, ça passe large. Ouais, non, non, ça passe large. En vrai, il va manger quoi? Il va manger 160 000 au grand max. Ouais, ouais, non, non, ça... Non, mais les autos, je les tends, quoi. Hop, je rush. Ah, ouais, tu rush jamais. Voilà, c'est pour ça, Snow, ouais. C'est pour ça. Ok, ok. Après, je peux faire les Assassin's Creed, c'est sûr. Black Flag et Rogue, les meilleurs Assassin's Creed. Rogue, je l'ai vraiment pas fait, mais on m'a expliqué la dernière fois l'histoire, là. Apparemment, c'est un assassin qui devient templier. Et je crois, il n'y a pas un délire où il a tué le père de Arnaud, du coup, qui est l'assassin de Unity, ou un truc comme ça, je crois, on m'a expliqué. C'est, en vrai, c'est stylé au niveau de l'histoire. Je suis vraiment deg de ne pas l'avoir fait, au final. Il y a un nouveau Elder Scrolls qui va sortir, en vrai, je sais pas si ça pourrait... Pff, ça va être incroyable, ça. Ça va être incroyable. Mais même, ouais, pour revenir au Rogue, le fait de voir un assassin devenir un templier, franchement, c'est stylé de ouf, en vrai. Lilian déguisé en assassin, il serait stylé. Bien sûr, je serais stylé. The Last of Us 2, on le fera, t'inquiète. T'inquiète même pas qu'on le fera. Qui va manger sa spé dans ce tour? Qui? Personne. Ok. Bah, Royal, écoute. Hein. On est en train de le manger à l'endurance. On va récupérer 10% de PV. Et on part en spé ultime à la fin, s'il me laisse qu'il veut pas, c'est incroyable. Skyrim, bien sûr que je connais, ouais. Gleipnir, c'est quoi ça, Yuri, c'est quoi? Ça va ou quoi, Barry? Je t'avais pas vu. Ouais, à la fin de Rogue, il tue le père de Arnaud, et quand le jeu était sorti, c'était une putain de révélation. Bah ouais, tu m'étonnes. Mais j'étais pas au courant de ça, tu vois. J'étais absolument pas au courant. Il y a une cinématique de ça, faudrait que je regarde. Black Flag, c'est le meilleur. Black Flag est stylé de ouf. Hein. Black Flag est vraiment stylé de ouf. Oui, et d'ailleurs, c'est quoi? C'est en plus l'assassin qu'on a qui devient templier dans Rogue, c'est un des petits-fils, c'est ça, du perso qu'on jouait dans Black Flag. J'ai oublié son nom, mais c'est un truc comme ça aussi, non? Il y a zéro Elder Scrolls d'annoncé pour le moment. Je vois rien sortir avant 2000. Ah si, si, ils en ont annoncé un nouveau, Snow, mais qui sortirait pas avant des années. Hein. Mais ils l'ont annoncé, le prochain. Si, si. Ils l'ont annoncé, le prochain. Il y avait eu un petit teasing, c'était à l'E3, je crois, il y a 2 ans de ça. Mais ça sort pas dans les années à venir, hein, ça sort dans... dans longtemps. Dans très très longtemps. Ouais, c'est ça, c'est le 6, ouais. Ouais, c'est ça, c'est le petit-fils d'Edouard. Ah, voilà, c'est ça, Edouard, ouais. Allez, go comme ça. Je partirai pas en spé ultime, donc ça sert pas à grand chose. Autant faire ça. T'aimes bien Skyrim? Ouais, j'aime bien, ouais. J'avais pas fini, mais j'aime bien. Ouais, ouais, non, mais je vois Snow, ouais. Oui, après, s'il y a des images ou quoi, pour le moment, ça serait que du fake. Non, après, là, ils se concentrent aussi sur le Elder Scrolls Online. Hein. Ils ont sorti, d'ailleurs, un DLC, d'ailleurs, où tu reviens sur les terres de Skyrim, d'ailleurs. Donc ça, c'est vraiment pas mal, quoi. De bord de ciel, ouais. Tu reviens à bord de ciel, ouais. Ah, il m'esquive. Ah, 40 000, il m'a mis quand même, ce salopard, là-haut. Tu peux montrer ta team Cyborg, Saga de Cell, ouais, Anthony, pas de soucis, ouais. Je te montre, attends, bouge pas. Ouh, on prend l'aspect au début. Voilà, elle ressemble à ça, en gros, la team. Ouais, on le fera, le Assassin's Creed Valhalla, ouais. On le fera. On le fera. Ouais, merci le louchat. Bah après on va faire le cyborg, et cyborg, j'espère on va pas perdre trop de temps non plus. Parce que bon, compliqué le cyborg. Complicado. Pouk. Ah merde. J'aurais peut-être pas dû faire ça au final. Ok. Je voulais récupérer des... Ah ouais, d'accord, ok, mais la régène du sel puissance, c'est n'importe quoi. Ok. J'avais pas évalué ça comme ça. Bon, mais normalement on termine sur ce tour. Hein. Vas-y, si tu veux, Yuri, ouais. C'était long, mais t'y es arrivé. Ouais, c'est long, mais on y est arrivé. Et là, franchement, on n'a vraiment pas eu de soucis sur ce run. Vraiment, c'est passé tout seul. God of War, j'ai jamais joué Modox. Que ce soit les premiers ou le dernier, j'ai jamais touché à un seul God of War. Ouais, on a un no item, là.
On a nos items, vraiment, là, incroyable. Ouais. On disait quoi sur le Mirai End? Non, mais j'avoue, Mirai End, franchement, il n'a pas eu de difficulté, donc GG, j'avoue. En cyborg, tu devrais mettre C16 Tech, il est bien. Alors ça, tu vois, Zéo, c'est super intéressant ce que tu dis, puisque c'est l'idée que je pensais aussi de base, et je l'ai mis. Sauf que, en fait, le cyborg C16 Tech, malheureusement, dès qu'il prend une SP, tu pars en enfer. Mais vraiment, tu pars en enfer. On l'a vu tout à l'heure, j'ai mangé genre 150 000, c'était hardcore. Comme quoi, c'était une mauvaise idée de le prendre, Mirai. Non, non, mais GG, parce que c'est vrai qu'effectivement... il a été très bon le Mirai End, donc non, GG à vous pour le petit tips. GG à vous. Qu'il active pas la garde plus exactement. Ben ouais, mais c'est ça le problème, c'est qu'il active pas à chaque fois. Et tout à l'heure j'ai mangé une spé, il a pas activé sur la spé et je me suis fait assassiner quoi. C'est un peu le problème quoi. Boum. C'est 16 int, je l'ai pas. Ok, GG pour Cyborg. Allez, next. Enfin, Cyborg Saga de Cell. Les 2 ans de DB Legends, franchement, Modok, j'en ai aucune idée de ce qui va sortir. Franchement, je suis pas suffisamment investi sur le jeu pour faire une prédiction, quoi. À force de regarder des flashbacks d'anime, après, ça part de personne, se transforme en monstre. Non, c'est pas pourquoi. Ok, Yura, c'est un peu spécial quand même, non? C'est le pire, c'est que pour le Mirai Gohan, ça a commencé à nous engueuler. Non, en fait, je vous ai pas engueulé en soi pour le Mirai Gohan. En fait, c'est surtout que c'était virer le Vegeta Trunks. Vous pouvez pas me dire que Vegeta Trunks aurait été useless, tu vois. Il aurait été bon aussi sur le run, il aurait tanké de ouf. Il aurait fait des dégâts, donc il aurait été bon aussi. Mais effectivement, Mirai Gohan, franchement, était très très bien aussi, clairement. Je le reconnais, et je pensais pas qu'il aurait été aussi bien, vraiment. Donc franchement, pour le coup, je le redis encore une fois, GG à vous pour le petit conseil, voilà. Rendons à César ce qui est à César. Il n'y a pas de C13 ici. Il n'y a pas de C13 ici qui traîne. Pas de C13, malheureusement. C13, c'est compliqué hein, pour le trouver, hein, ce petit salopard. J'ai un sel à l'air encore. J'ai encore un sel à l'air. T'as une technique pour farm les sphères de potentiel. Non, pas forcément. Pas forcément. Salut Hassan, salut. Redemande-vous pas s'ils ont un C13. Ouais, je vais voir. Mais après, est-ce que vraiment ça vaut le coup de prendre C13? Tout à l'heure, on l'a vu, hein, je me suis fait démonter avec mon C13. Hein. Parce que le truc, t'es obligé de faire une rotation C13 et C14, C15. Et tout à l'heure, quand on a fait la rotation C14, C15 et C13, bah ça s'est mal passé, quoi. Donc je sais pas si j'ai vraiment envie de reprendre C13 aussi d'un côté. Le C13 Int ZTUR, tu l'as? Oui, je l'ai lui. Je l'ai. Ouais. C'est 17 MVP. Ouais, c'est 17 MVP, on l'a pris aussi et il nous a éclatax. Hein. Du coup, on va enlever le Kamamea. Ça marche, Barry. Mais bon courage pour le boulot demain. Bon courage. Donc on va enlever Cyborg Saga de Cell. On va mettre Cyborg tout court. VRLR. Putain, je suis vraiment deg que lui, on peut pas l'éveil d'Okan, quoi. Alessio, pourquoi pas. Pourquoi pas. Est-ce que je prends le sel, à votre avis, en leader? Est-ce que je prends celle en leader, à votre avis? Je prends celle en leader? Ah, c'est quand même mieux au niveau de la défense. On perd 40% quand même au niveau de la défense. Hein. T'as la médaille pour le Cell Junior. Ouais, mais il est SP1, mon Cell Junior. Franchement, il est SP1, les gars. Est-ce que ça vaut le coup, Cell Junior SP1? Je suis pas sûr que ça vaut le coup. Hein. Je suis pas sûr que ce soit incroyable. C'est 21 puissant. Puis en leader, c'est 150%. Ouais, mais elle va pas se faire arracher, là, c'est 21. En vrai, elle se fait pas arracher, elle. Parce qu'elle, j'ai peur qu'elle se fasse arracher, en vrai. Hein. C'est tout, hein. C'est un peu le problème, quoi, là.
C'est 17 MVP en leader. Par contre, c'est quoi cette musique de malade là? Allez, allez, casse-toi la musique là. Ça a pas la tête. Ouais, je prends C17. Vous pensez que c'est mieux que le sel en vrai? Parce que le sel, c'est PV attaque 150%, mais défense 170% quand même. C'est pas mal en vrai. Non, mais on s'en fout. Tant que je prends des cyborgs dedans, faut pas que ce soit des sagas de sel. On s'en fout, mais tant que c'est des cyborgs, qu'ils appartiennent aussi à sagas de sel, de toute façon. C'est 17 LR. Non, c'est 17 LR. Non, non, non. Ah, lui! Ouais, mais lui, on m'a dit qu'il se faisait arracher tout à l'heure. Il a acquis plus 4. On m'a dit, il se fait arracher de ouf. Ouais, je vois le louche. Si je prends lui, on m'a dit, il se fait arracher. Après, est-ce qu'il se fera réellement plus arracher que le C17 MVP? C'est ça aussi le problème, tu vois. Je sais pas. Il se fait défoncer, ouais. Faut juste faire gaffe au timing de la transfo. Ouais, je sais pas. L'arbre est pas monté. Ouais, en plus, j'ai pas monté l'arbre, c'est vrai. C'est vrai que j'ai pas monté l'arbre. En vrai, j'ai pas envie de tenter le diable. Ben ça, du coup... ça... Évidemment, je prends ça, ça. En fait, c'est la même team que tout à l'heure. Hein. Celtech LR. Ouais, mais non, non, non. Il se fait arracher, le Celtech LR. En fait, c'est, voilà, c'est la dernière unité qui nous manque. Hein. C'est 18 tech. C'est 18 tech, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Mais C17 MVP, pas ouf, même si tu l'as 100%. Ah si, quand même, il est bon. C17 MVP, il est pas mal, quand même. Le C13 puis excellent. Ouais, mais il est pas Dokkan. Et malheureusement, il n'y a pas l'event pour le Dokkan. Donc du coup, quand il est pas Dokkan, il est dégueulasse. C14, C15, free to play. Ouais, mais non, parce que du coup, il n'y a pas de C13 dans la team. Manaikai, salut, salut. Super C17 agi. Tant que pas, lui, hein. Tant que pas des masses, dégâts encaissés réduits de 40%. Ah, quoique. J'avoue, dégâts réduits de 40%, c'est pas horrible en vrai. C'est pas non plus incroyable. Hein. Un ami, si tu prends C13. Ouais, mais je prendrai pas C13 en ami leader. Le C16 tech, on l'a vu tout à l'heure, il s'est fait arracher. C16 tech, il s'est fait éclater comme jamais tout à l'heure. Hein. Parce qu'en fait, il a des grandes chances d'activer la garde, mais c'est pas tout le temps. Hein. C'est un peu le problème, quoi. C'est un peu le problème, quoi. C16 int. Non, je l'ai pas, le C16 int. C13 int. Ouais, mais C13 int... Ah, défense plus 13% par allié cyborg dans la team. Ils sont tous cyborg. Il y en aura 6, il y en aura 7. 7 fois 13, c'est pas mal, quand même. Ouais, il prend quasi un 100%, quoi. C'est pas mal en vrai. C13 puis il est pas d'aucun, les gars. Ouais, donc soit je mets le C13 int. Franchement, soit je mets le C13 int. Soit la C18 tech. Mais tech, après, on va trop en avoir. J'ai peur que ce soit chaud, quoi. C18 tech, elle tank bien. Ouais, mais lui, apparemment, il tank bien aussi, tu vois. Donc bon. Il y a combien de doublons sur le C13 int? 2. Ah non, un seul, pardon. Excuse-moi, 69% il est. C21, c'est dangereux. Bon, elle récupère 10% sur son attaque SP. Après 90%, ouais, après elle a son éveil aussi, c'est vrai, voyons voir. Mais j'ai peur. J'ai peur que même avec ça. Ah, elle récupère 13% des PV quand même. Bon. Elle annule la garde ennemie. Ouais, bon. Non, mais je vais prendre le. C'est quoi, on tente comme ça, les gars. Franchement, on le tente comme ça. En ami leader. Qu'est-ce que je prends en ami leader? Qu'est-ce que je prends? Non, certainement pas lui. Qu'est-ce que je prends en ami leader? C'est 17 MVP encore? Mais je vais me faire arracher, non? Sur le type puissance... C14, C15 pour voir l'aspect. C13 agi, j'en ai pas. Vérifie, C13 puis... J'ai déjà vérifié, je peux pas l'éveil d'Okan, y a pas son event. Ouais, je sais pas trop. J'ai pas envie de prendre le C13 agi avec le...
J'ai pas envie de prendre le C13 AJ. Même pour voir l'ESP ou ses capartes, j'ai pas trop envie parce que tout à l'heure, on l'a vu, malgré le fait que tu saches où partent l'ESP, tu te fais démonter, quoi. Trio, cyborg, galère. Ouais, non. Trop dangereux, ça. Trop dangereux. On va surrenforcer. J'ai déjà vérifié, les gars. Non, mais on peut tenter comme ça. On va voir ce que ça donne. Si tu prends ces 17 MVP, il faut que tu gères les rotations. Ouais, mais je sais plus à quelles conditions il tank un petit peu le C17. Je me souviens plus. Faut que je vérifie à quelles conditions il stack. Ouh, les liens, c'est pas ouf. Sleep. Sloop. 70%. Ah oui, c'est quand il y a moins de 70%, c'est ça. En dessous de 77%, il tank. Ouais, voilà, c'est ça, en dessous de 77%. Et c'est ça qui est compliqué à... Au final, c'est ça qui va être compliqué à gérer, en fait. C'est que... Ouais, la garde pour l'activer... Bon, après, tu me diras, de toute façon, avec cette team, je vais subir des dégâts, donc ça devrait le faire. Si ça fonctionne pas, essaye avec ces 18 techs. Après... En plus, tu l'as à 100%, elle est vraiment très bien, t'as juste à le donner des kills. Oui, c'est vrai, Marco. Non, mais je suis d'accord, c'est vrai que C18 peut être une très belle option. Oui, mais il tape fort et Migaté peut pas esquiver ses attaques. Les attaques de qui? Ah, je prends l'aspect sur le hint. Non, c'est dégueulasse, ça, par contre. Ah, c'est dégueulasse de ouf. Ah, commencer comme ça, par contre... Ah, c'est vraiment pas ouf. Ah, le pire start possible, quoi. Je prends une spé sur le mauvais d'entrée de jeu. Ça va qu'il y a de la régène là-dedans. Bah du coup, là, au moins, je vais tanker. Mais bon, ça me servira à rien vu que je vais le tuer ici avec un critique, certainement. Rota les deux free-to-play, Rota c'est 13 int avec le sel, puis-je dire. Ouais, tu penses? On va voir. Ah oui, mais merde, je voulais le virer de la rotation, c'est 18 pour le mettre avec ses 17. Ah, oh, je suis bête. Merde. Effectivement, j'aurais dû faire ça. Sans C13 agi et le trio cyborg galère, c'est compliqué. On va voir, Roger, on va voir, hein. On va voir. Le truc, c'est que tu sais pas où part l'aspect ici aussi. Bah attends, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire ça. Je vais faire ça. Zloop. Ah, mais tu pars pas en spé, toi, merde. J'ai grave chié dans la colle, là. Ok. Bon, on récupérera des PV. La musique derrière, c'est quoi? Alors là, j'en ai aucune idée. C'est une playlist sur Epidemic Sound qui tourne et puis basta. Avec les deux C17, ça va être tendu. Ouais, on va voir. Ouais, dis-moi, Nasrid, bien sûr, tu peux me poser une question. C'est fait pour ça, les lives. C'est fait pour ça. Faudrait que tu mates la bande annonce. Ouais, faudrait que je vois Yuri, ouais. Après, j'ai tellement de choses à regarder en vrai. J'ai tellement pas le temps. Sans Piccolo, c'est pas pareil, MDR. Ah, Piccolo, il faisait le taf. Après, l'autre team a tanké de tous les côtés, hein, vraiment. J'ai envoyé qui dans la rotation là? Est-ce que. Je sais plus. Attends, C17, je l'ai envoyé dans la rotation ou pas sur l'autre. J'ai pas fait attention les gars. Vous savez ce que j'en ai fait du C17 ou pas? Le tech. Savoir si j'envoie C18 en rotation ou pas. Monte la def du C13. Bah là, il a pas beaucoup là pour le moment. Ah, quoique, 132 000 en fait, ça va. Je sais pas. Ouvre le menu pour voir. Tu vois ça comment? Ah, tu le vois comme ça? Tac. Ouais, non, il est pas en rotation en fait, ok. Non, il est pas en rotation. Envoie ses 18 en rotation là. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Qui tank le mieux ici? C'est 17 là, attends. Je peux vérifier un truc par rapport à sa garde. Dégâts c'est 8 de 40%, 6 PVA 77% au moins. Ok, bah on va faire ça alors. Let's go. Let's go. Touk. Let's go. En plus, on récupère un peu de PV. Ok, on tank ici. Twitch ou pas? Ouais, ce soir, Twitch, ouais, bien sûr. On va faire un peu de GTRP ce soir. Et puis, je pense on finira la soirée par un Pummel avec tout le monde. Pummel parti, du coup. T'as viré celle puissance de ta rotation, t'as pas assuré. C'est la vie que j'ai décidé de mener. Mais t'inquiète, on va le faire revenir vite. Lilou, si tu perds, essaye avec C13 agi. Ouais, je verrai, ouais.
Tu me rappelleras la team EGA si jamais je perds. Tu me la rappelleras. 4-5 000 en critique, on fait pas de gros dégâts par contre. Hein. Bon, après, c'est le mauvais type aussi. Hein. Ok. Touk. En vrai, j'ai même pas envie de le tuer en face. J'ai même pas envie de le tuer pour essayer de stack, ouais. Tu joues au quoi comme métier? Je suis patron du studio, de l'Universal. On va essayer de voir si à l'Unicorn, on peut pas croiser le patron ce soir pour organiser le showcase pour les artistes rapidement, quoi. Ça serait bien. Boum, boum, boum. Nazrid, pourquoi je réponds pas à ta question? Tout simplement parce que je ne l'ai strictement pas vu. Voilà pourquoi je ne réponds pas à ta question. Malheureusement, je ne vois pas toutes les questions. Tu m'as dit tout à l'heure, est-ce que je peux te poser une question et tu n'as pas répondu entre temps. Enfin, tu m'as pas posé d'autres questions, quoi. Yaiko, parce que je l'ai pas monté, tout simplement. Le C17 puits, je l'ai pas, son ZTVRA. Je l'ai pas. Donc, c'est pour ça que ma catégorie cyborg, c'est pas la plus simple. Ah ouais, mais il faut que je stack avec lui. Faut que je stack, donc... Ah, je veux commencer maintenant, quitte à subir des dégâts, c'est pas grave. Quitte à subir des dégâts, c'est pas grave, on va commencer à stack. Prends pas de spé, juste. Ouais, parfait, let's go ça. Let's go mon petit sel, let's go, c'est maintenant. Un let's play sur DBZ Kakarot, c'est déjà fait, Armandine, Pater, Noster. Déjà fait ça, depuis bien longtemps. Depuis bien longtemps. T'aurais dû prendre ci, t'aurais dû prendre ça. Je vois depuis tout à l'heure sur le chat. Attendez de voir que le run soit terminé. Et si je meurs, vous me direz ça. Mais pour le moment, je suis pas mort. Pour le moment, ça se passe pas trop mal. Donc vous inquiétez pas. Pour le moment, t'aurais dû prendre ci, t'aurais dû prendre ça. Pas besoin. Pour le moment, ça se passe bien. Merci pour les follow. Merci d'ailleurs. Hein. C'est qui? C'est Tony. Merci Tony pour le follow. Allez, go. Ça va, Tonico, tranquille. En fait, le problème avec ces events, c'est que c'est pas trop rapide, lent, mais chiant. Ouais, c'est ça. Ouh. Je crois que j'ai une transfo de sel qui va proc, là. Je crois que j'ai la transfo de sel qui risque de proc au prochain tour. Je sais pas si j'ai perdu suffisamment de PV. Salut, Djibril. Salut. C'est vrai que le C13 int, il est free-to-play. Non, je crois pas que celui-là, il est free-to-play. Hein. C'est pas lui, hein. Et non, il n'y a pas... Oh, serait-ce un Dokkan mode que je vois ici? Serait-ce un petit Dokkan mode sur le bon type? Sleep. Il a combien de défense là? 105 000, en vrai, il n'est pas non plus extraordinaire. Hein. En vrai, il n'y aura pas forcément de Dokkan mode là. Hein. Quoique si, en fait, si. Sleep et Sloop, Dokkan mode. Ok, go. Merci pour les follow là, qui c'est qui s'abonne tous d'un coup là, merci à vous hein, merci. Allez go. Salut Laurence, salut. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, let's go. J'ai Goku transformation avec l'animation de Zeno, GG ça mate, GG hein, très bon hein, très bon. Je vais répondre à Vivi, juste 2 secondes. Je l'ai pas tué? Non. Je l'ai pas tué. Même pas mal. Tu me fais pas peur. Espèce de Goku que tu es. Et là, t'es mort. Faut vite transfo le sel. Par contre, l'illusion, ça va être galère. Ouais, je sais, mais là, c'est un peu complexe pour le transformer pour le moment. C'est un peu complexe. Allez, go. Tu joues sur quel émulateur? Là, sur ce live, je crois que je suis sur Nox. Là, celui-là, je suis... Ouf, je prends une SP. Ouais, là, je suis sur Nox. Parce que j'ai BlueStack, là, je l'utilise pour Nanatsu à côté. Parce qu'en fait,
Nanatsu sur Nox, tu peux pas l'utiliser, il fait que planter, alors que sur BlueStack, il marche nickel. Donc là, en fait, j'ai deux jeux qui sont lancés en même temps. Comme ça, à côté, je farme les livres là sur Nanatsu. Et Edokan, du coup, sur Nox, le temps de ce live pour... voilà, pour faire le live. C'est quel event, le 6-7, c'est 18 free to play. Alors là, bonne question, je me souviens plus, mais il est sorti il n'y a pas très 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 longtemps. Juste pas que je prenne une spé d'entrée de jeu, ça serait cool. Si je prends une spé d'entrée de jeu, c'est moche. Hein. Clairement, c'est grave moche. On va voir. Le farmer fou, il fait deux jeux en même temps. Ah, bah là, on n'a plus le temps. Hein. Après, il faut en profiter sur Nanatsu parce que, tu sais, c'est moins 50% dans le fort. Enfin, pour ceux qui y jouent. Donc, tu peux farmer les livres gratuits, donc te faire beaucoup d'argent. Et tu peux farmer aussi les potions. C'est l'event de Mirai Gohan pour le duo. Ah, bah voilà, c'est dit. C'est grave long. Ah, bah ouais, tout est long. Hein. Tout est très long. Hein. Et l'aspect, c'est sur qui là? C'est 17. Ok, ça va. Ça va, ça va, ça va. Putain, le sel, ouais, j'arriverai pas à le faire transformer. Ça va être compliqué, sa transformation. Il y a le C21 int free to play. Ouais, mais il fait quoi celui-là? Elle fait quoi la C21 free to play int? T'arrêtes à quelle heure? Dès que on a terminé la catégorie cyborg. Donc à tout moment, bah, d'ici peut-être 20 minutes, soit une heure. Voilà, tout dépend du temps qu'on va mettre à le terminer, sans mourir bien évidemment. Montre la def. La def de qui, Samuel? Tu veux voir la def de qui là? Allez, c'est là ton tour. Hein. J'ai eu beaucoup de transformations à SJ3 avec l'animation Zedon, je te donne toute la malade. Ah, ben GG ça. Hein. GG mate. GG. D'où ta C21 free to play? Bah oui, il y a une C21 free to play. Int, bien sûr. Il y avait l'event Fighters. Avec l'event Fighters, évidemment, ouais. Sloop. Sleep et Sloop. Allez, on regarde le tour. Après, je vais aller aux toilettes parce que sinon, je vais me faire dessus en vrai. À tout moment. Tu peux m'accepter sur Snap. Je peux pas accepter tout le monde en fait. T'as juste à me suivre et normalement tu pourras quand même me parler, voir les stories, tout ça. Footballistique, je sais pas. Demain ou après-demain. Ok. Non, Migaté, on invoquera pas une deuxième fois, non. C'est la puissance ou int? Bah, le puits pour le Goku Rush est plus utile. Le puits est plus intéressant. Après, le puits est très très bon. Mais le int est vraiment excellent. Hein. En vrai, si je prends cher dans ce tour, il y a moyen que j'ai la transfo de sel. Il y a moyen qu'on fasse proc la transfo de sel assez rapidos. Il y a grave moyen même. Si on prend des dégâts dans ce tour, GTRP après le live. Après ça, on ira sur GTRP sur Twitch. Je recommande d'aller sur Wikia Dokkan pour voir tous les événements perso free to play. Ah, c'est pas bête. Ouais. Ça va et toi, Dark Knight, tranquille en forme? Vas-y, faudrait qu'il m'envoie une SP. S'il m'envoie une SP, ça peut être pas mal. C'est en dessous de 30% de PV. De quoi? Oui, je sais, ouais, que c'est en dessous de 30%. Bah, justement, c'est pour ça, faudrait que je mange une SP en fait. Faudrait que je mange une SP énervée qui me fasse super mal. Genre là, un petit truc à 150 000. Ah, ben, tiens, 153 000, j'ai mangé. Ben voilà, c'est parfait. Et normalement. Je devrais redescendre peut-être en dessous des 30%, non? Ah, quoique, non. Non, non, j'ai un peu plus. J'ai un peu plus. Ah, non! Fuck! Fuck! Ah, clairement, fuck! Ah, c'est pas cool, ça. Ça, c'est vraiment pas cool. Ah, c'est vraiment pas cool, ça. Ça, c'est vraiment pas cool. Dommage. Dommage, dommage. Chaque barre, c'est 10% de PV. Ouais, 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 carrément. Ouais. Voilà, on n'a pas... On était pas loin, quoi. Ouais, Lelouch, on va voir, on va voir.
Boum. Yo GTRP, c'est sympa. Franchement, c'est cool, ouais. Après, faut aimer le délire, hein. Faut aimer le délire. Oui, on fera une vidéo sur Shoto, vous inquiétez pas. Technique pour avoir des SSR facilement. Non, y a pas de technique, y a pas de technique particulière hein, pour ça. Hein. L'aspect sur le sel, le 73 000. Ah, on était pas loin des 30% en vrai. On était pas loin des 30% là. Mm-mm. Ouais, le louche, c'est du bullshit. Ok, ok. 150 000, 171 000. Ben, on va faire ça alors. On va faire ça tranquillement. On va faire ça. Ouah, la régène. La régène de la C18, incroyable. Allez, go. Allez, on passe au blue. Le SCJ blue. Ouh. Là, je crois que alerte rouge. Hein. Alerte rouge, non? Je crois que là, ça va utiliser un petit item là. Ça va un petit peu item là, non? Je sais pas ce que vous en pensez. Mais je pense que je survis pas à tout ça là. On va dire le sel puits. Ah ouais, mais faut que je stack avec le sel puits. Après, je suis à 200 000 déjà, tu me diras, mais bon. Tu survis. Ah, je suis pas sûr de survivre, non. Non, non, non. Tout à l'heure, on a essayé item pas et c'est 17 MVP. Ouais, c'est 17. Parce que c'est vrai que c'est 17, il tank. Régène avec les qui. Ouais. Ouais. Je fais ça. Je fais ça. Ouais, on a une petite régène, ouais. Ah, quoique, attends. Ah non, 1, 2, 3. Ah putain, fait chier. Ouais, comme ça, item pas comme ça, tu transformes celle. Ouais, si je prends suffisamment de dégâts, ouais. Faut voir. On va voir. T'as jamais pensé à mettre des lentilles, les louches? Non, je supporte pas les trucs dans mes yeux. Par contre, j'ai pensé à faire l'opération des yeux. Ça, clairement, oui. Allez, c'est 17. Prends ta spé. Prends pas trop cher non plus. Prends pas trop cher non plus. 122 000, parfait. C'est bon. C'est bon, on survit, les gars. On survit. On survit. Let's go. Et là, par contre, là, on a la transfo qui arrive. Tu vas transfo sel, ouais. Ouais, ouais, on va transfo sel, mon gars. Quoi? Quoi? Non. Bon, c'est un scandale, là. C'est un scandale. Trop de PV, non. Trop de PV, trop de PV. Trop de PV. On n'a plus rien, on n'a plus de santé, on n'a plus rien. Il n'y a plus de projet dans l'équipe, là. Comment ça, trop de PV? Bon. Quelle arnaque. Quelle arnaque. Quelle arnaque. Ah, c'est de l'arnaque. Faut avoir moins de 3 barres. Putain. Quelle arnaque. T'imagines, t'as un PV en trop. J'ai pas un PV en trop, mais j'ai un poil plus, ouais. Plus de 3 barres, ouais. L'opération des yeux est douloureuse, Lilouche. Bah, je sais pas, j'ai pas test. Essaye de heal un max, mais faut pas item. Bah, là, le truc, c'est que je vais être un peu obligé de. Je suis obligé d'item, en fait. Je peux pas. En fait, j'ai carrément pas le choix. J'ai archi méga pas le choix. Je suis obligé d'item. Mon heal sera pas suffisant. Si je prends une spé sur le puits, je pars en enfer, quoi. Donc, je vais devoir claquer un heal. Je dois claquer un heal. C'est un heal. C'est un heal de perdu. C'est un heal de perdu. Le pire, c'est qu'au prochain tour, j'ai le Dokkan mode en plus. Y aller. Donc ça veut dire que dans 3 tours, ben, y aura pas la régène de sel, puisque je viendrai de régène mes PV. Voilà, voilà. On n'est pas ouf. Oui, Isla, je vais reprendre la vidéo légende, si t'inquiète pas. Un de perdu, 10 de retrouvé. Ouais, mais là, le heal, ça sera pas 10 de retrouvé, là. Clairement, sur ce mode de jeu, j'aimerais bien, hein, mais malheureusement, non.
Team Cyborg, très dur. Ouais, bah surtout que j'ai pas ZTUR, là, les deux. Le puits, là, et le Int, C17, C18. Donc, ouais. Oh, et là, là, et en plus, ça tanque pas ici. Ouah, j'en ai aucun qui tanque ici. Hein. J'en ai aucun qui tanque ici. Je crois qu'on a perdu, non? J'ai peut-être pas perdu, mais en tout cas, j'ai pris cher. Après, vaut mieux qu'il me fasse mal ici, vu qu'on a le Dokkan mode, on va régène après. Tu vas ramasser. Ouais, mais je suis pas mort, je suis pas mort. En vrai, ça va, je suis pas mort. À la fin, je vais manger peut-être 100 000 au total sur les auto-attaques, mais c'est tout, pas plus. En vrai, ça va. Pourquoi prendre C13? Ben, en vrai, Madara, il tank bien, là, C13, pour moi, il fait des bons dégâts. Ouais, on a essayé si t'en as mis C13 et ça s'est moyennement passé en fait, voire pas bien du tout en fait. Salut Aimenos, ça va ou quoi? T'as toujours pas réussi. Kid, on a réussi le Cyborg Saga de Cell, entre temps on a fait un switch et là on est retourné sur, sur nos vies au travers avec la Cyborg. Ah Modox, il y a des chances. Le C16 Tech, j'ai essayé, il s'est fait allumer tout à l'heure. Il a mangé un gros 150 000, j'ai bégayé quoi. Merci Sid, c'est gentil, merci. Huch, allez go. Un petit critique. Ok, 800 000 en critique, pas mal. Donc on prend des 24 000. Et là, malheureusement, il n'y a pas la trans... Ah, attends, quoique... Oulala, oulala, il y a quelque chose à faire là. Il y a quelque chose à faire et à la fois, il y a quelque chose à pas faire aussi. Parce que là, le problème, c'est que s'il m'envoie l'aspect sur... S'il m'envoie l'aspect sur C18, vous savez où je finis. Hein. Vous le savez tous. Hein. C'est qui tout double? Ouais, ouais, c'est qui tout double. Hein. Le truc, c'est que j'ai... Je vais faire ça. En vrai, je le tente. Cascade, je le tente. Celle, il va régène de ouf, là. Celle, il va régène de ouf. Celle, tu régènes de ouf. Je m'attendais tellement à plus sur la régène, par contre. Oula, oula, oula. Oh la frayeur. Oh la frayeur. Je crois qu'on est mort. Envoie l'aspect sur C17. Non. S'il envoie sur C18, ou celle... Si, j'espère qu'il envoie pas de spé juste. Envoie pas de spé juste. Non, on n'a pas de chance. Non, mais c'est un truc de ouf, on n'a pas de chance. Mais c'est un truc de ouf. Salut Arwin. Non, c'est trop. Putain, il envoie une seule attaque, il envoie sur C18, quoi. Jalil, tu peux pas mettre le C13 puissance free-to-play parce que du coup, il n'y a pas son event pour l'éveil d'Okan. Non, en vrai, la team, elle est bonne. Franchement, elle est bonne, la team. Mais le seul hic, c'est vraiment... Le seul petit hic, c'est vraiment de... cette connerie de... Cette connerie-là de spé qu'on prend sur une seule auto-attaque, quoi. Enfin, sur une seule attaque. C'est 14, c'est 15, moi, je dis... Non, non, mais en vrai, la team, faut la garder. On va la garder. Juste, je relance pour avoir un autre C17. Prends celle LR, un ami. Non, tu peux pas. Tu peux pas, parce que dedans, il y a des personnages qui sont pas saga de Cell, je crois. C13 agit en ami leader. Ouais, mais il va se faire cartoucher, le louche, c'est pareil. Et en ami, non, j'en ai pas, en plus. On a regardé tout à l'heure. Regarde, si tu veux, je regarde ici. Tu vois, il y en a un, mais 55%, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. Duo Daisuke, ça va ou quoi? Ciao, ciao, Alice, là. Salut, salut. C'est 16 LR, un ami leader. Parce que c'est pas ouf. C'est 13, agit, tanque bien. Oh, il tanque pas si bien que ça. Tout à l'heure, on l'a vu, je me suis fait asmater avec. Hein. Mais c'est 13... Il tank pas si bien que ça, les gars, le C13, en fait. Hein. C'est ça que vous comprenez pas. Hein.
C'est que pour moi, le C13, c'est pas ouf, hein. Pour moi, c'est vraiment pas ouf, ça. Par contre, il y a un truc que j'ai envie de faire. C'est genre faire ça, plutôt. Je vais pas lancer comme ça. Je vais relancer parce que... Vraiment, je joue pas avec un C13 50%, là. C13, C14, C15, comme ça, tu connais l'SP à chaque tour et tu te mets les tanks dessus. Ouais, mais non, parce que même l'autre, sur des auto-attaques, il prend trop cher. On l'a vu tout à l'heure, sur la phase puissance, il prend trop cher. C14, C15, non, franchement, c'est de la merde. Franchement, je vous le dis, c'est de la merde. Mais vraiment, on l'a essayé tout à l'heure, c'est de la merde. Certes, tu prévois l'SP, donc ça, c'est, j'avoue, c'est grave lourd. Mais d'un autre côté, quand il mange des auto-attaques, il prend des 40 000 dans la tête. 115k l'auto... Ouais, tout à l'heure, il a mangé 115 000 sur des auto-attaques. C'est pas possible. Tu peux pas. Quand t'arrives à la phase puissance, t'es mort. Il prend 110 000 sur une auto-attaque. Impossible. Impossible de survivre avec. Double 6-7, ouais. Hein. Mais c'est 14, c'est 15, tu l'aurais mis, tu serais pas mort en vrai. Pff, alors là, t'inquiète que je suis mort 100 fois. T'inquiète qu'il réduit les dégâts, je suis au courant. Hein. Mais par contre, il les réduit pas suffisant. Hein. Sur la phase puissance, il prend 110 000 par auto-attaque. Donc imagine, t'as pas toute ta santé. Hein. Tu pars en enfer. Trio, cyborg, GT. Non, mais trio, non, tu peux pas trio, les gars. Y a pas... Trio LR, ça va être horrible en vrai, non? Moi, j'ai envie de vous... J'ai quand même envie de vous faire confiance. On peut essayer comme ça. On peut essayer, si vous voulez, le trio LR. Mais on va casquer. Franchement, on va casquer de ouf. On va casquer de ouf. Vraiment, on va casquer de ouf. Mais vas-y, on tente. On tente, parce qu'après, avec un miracle, on sait jamais. Hein. Un petit miracle, pop de nulle part. En plus, je sais même pas le jouer, le trio. Donc, on va voir ce que ça donne, mais... Je suis pas serein, quoi. Je suis pas serein. Je suis vraiment pas serein. La phase puissance, on va bégayer. Hein. Allez, je laisse ça. J'arrive 2 secondes. Je vais aux toilettes et je reviens. I'm back. Ah. Saga de sel où on a réussi, Ghost Rica. Ok. Yo, Tony. Merci pour le follow tout à l'heure. Hein. Merci à toi. À votre avis, je fais quoi, là? Ouais, je garde sel puissance, évidemment, pour le faire stack. Il a combien de défense, juste le trio? 77 000. Ça rend de la merde. Bah, tu sais quoi, vas-y, toi, tape. Ça rend de la merde, le trio, là. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Y a pas un truc où il augmente un peu la défense? Non, il réduit. Putain, il réduit juste. Il réduit l'attaque et la défense. Il sert à rien, quoi. En vrai, ça passe jamais avec lui dans l'équipe. À aucun moment, ça passe. MDR, le respect pour le C16 LR. Non, mais il est bon, hein, mais c'est pas forcément ce qu'on recherche, non, en termes défensifs.
T'as pas de C16 à tech ou int avec la garde, c'est pas mal. Alors j'ai le tech, le problème c'est qu'on l'a essayé tout à l'heure, il n'a pas activé sa garde au moment où j'ai mangé une attaque spé, et du coup je me suis retrouvé en enfer, là où ça aurait pu être intéressant. Mais malheureusement, bah, il a décidé de ne pas tanker là où il fallait absolument tanker. Et je l'ai encore là, là. Le C16, je l'ai encore ici. Merci Younes, c'est gentil, merci, merci. À la guerre. Ah, j'ai fini ici les 40 runs, alors attendez. On va en relancer encore. Relancement 40 runs encore. Let's go, c'est parti. Tac, voilà. Oui, le hint, il est pas mal. Ouais, mais le hint, je l'ai pas malheureusement. Le hint, j'aimerais bien, mais je ne l'ai pas drop. Je ne l'ai pas drop. C'est pour ça que je ne le joue pas, sinon bien évidemment qu'il serait dans la team. T'as transfo le LR à la phase puits et tu... Attends, tu transfo le LR à la phase puits, tu item durant... Dans le pire des cas, il a 200% de défense transfo, mais ça dure que 3 tours. Ah, 3 tours où il est sur le terrain ou 3 tours... 3 tours, 3 tours. Faut de la luck pour la regarder. Ouais, je vois, je vois. Donc là, clairement, vaut mieux que je les envoie tourner en rotation dans le vide, quoi. Zloop. 3 tours, oui, il est sur le terrain. D'accord, ok. 3 tours, oui, il est sur le terrain. Ok, bon, ça va. En vrai, ça va. Ben, à la rigueur, je pourrais le mettre en troisième position à chaque fois et le transformer à ce moment-là, effectivement. C16 et C17, ils sont bons, mais ils prennent du temps pour stack, alors j'ai tout mis en attaque supplémentaire. Ouais, je sais pas. Après, moi, c'est vrai que j'ai pas mis attaque sup dessus, hein, comme un débile. Hein. Tu peux, hein, Telmo, si tu veux. Tu vas voir flou aux puissances. Je pense aussi, hein, je pense aussi que je vais voir flou, mais bon. Après, écoute, on est là pour tester. On est là pour tester. On verra bien ce que ça donne. Zloop. Allez, C18, par contre, je viens de l'ajouter tout fraîchement dans la team. J'espère qu'elle fera le café, clairement. Jamais ça passe là. Pour moi, ça passe pas non plus. On a trop de tech déjà et puis pas suffisamment de défense. Mais sait-on jamais, avec le plus grand des miracles possibles, ça passera quoi. Ça va et toi, Super Nono, tranquille? Ok. Pourquoi C13, ça passe pas pour toi? Ben, parce qu'il tanke pas, Géa. C'est parce qu'il a pas tanké, c'est tout. Parce qu'il a pas tanké, malheureusement. Ok, 700 000. Ok. Ouh là là, il y a un peu beaucoup de monde ici. J'aime pas trop beaucoup ça. On va faire ça. On va garder les keys tranquillement. Salut Merx, ça va ou quoi? T'as fait la mise à jour DB Legends? Quand ça? Ce qui me saoule sur Dokkan Battle, c'est que je peux pas acheter des DS, donc je peux faire maximum une multi par jour. Déjà, si t'achètes pas de DS, que t'arrives à faire une multi par jour, ah t'es un monstre, hein. Je te le dis, t'es un monstre, clairement, hein. Je sais pas comment, mais c'est possible. Ouais, le sel LR Int, ouais, si je suis d'accord, c'est moyen. C'est moyen pour le Goku Rush, surtout dans cette équipe-là, c'est pas là où il est le plus opti, quoi. Je suis d'accord. Je suis d'accord, je suis d'accord. U! 96, 106 000. Ah bah écoute, 106 000, tu es le gagnant. T'as le pompon, c'est toi la première. Allez, go ici. Voilà. C'est le support de 17 000 pieds, des cyber galères, donc une défense correcte. Ouais, je vois, le louche. Ouais. Double trio cyborg, c'est 17 000 pieds, agit, ça passe. Je sais pas, Kaido, hein, j'ai un doute, hein. J'ai un gros doute, hein. T'es un boss ou pas? Non, non, non. C'est pas moi le boss, c'est Goku en face, le boss. Celle LR, si t'as pas de doublon, même transformé, il prend du 30 000 sur la dernière phase. J'ai un doublon dessus. Celle LR, j'ai un doublon. J'ai eu de la chance de faire péter un doublon dessus. J'ai eu de la chance. Est-ce que j'ai le choix? Non. Ah, je pars pas en spé avec lui.
Ouais, mais j'ai pas le choix. Là, c'est 18, elle va se gaver. Je suis obligé de gaver ces 18 sur ça. Allez, go. Ah, t'inquiète, bien sûr que j'essaye, j'essaye là. Pour les 5 ans, c'est mieux Gogeta ou Végéto? Bonne question, je sais pas. Après, ça dépend de ta box aussi par rapport au portail. Je sais que moi, par rapport à ma box, Végéto est plus intéressant au niveau du portail. Medwin, non, j'ai pas vu, désolé. Xenoverse 2, j'en referai pas une Tality, sauf s'il y a un nouveau DLC qui sort, et puisqu'apparemment, il y a une nouvelle match qui doit arriver, on en refera peut-être. Ouais, j'irai voir après, Talmo, j'irai voir après. Là, je suis concentré là-dessus. Ouf, 3 400 000 quand même, ça fait plaisir. Allez, spé supplémentaire. Non, dommage, Cell. Dommage. Salut, Darks, ça va ou quoi? Allez, 1 100 000 et on va tanker. Ok. Sloopy. Go. C'est quoi ton équipe cyborg? Elle est bizarre avec les C18, C17. Ben en fait, ils tankent à l'infini, eux, donc ils sont pas mal, quoi. Après, faut les faire stack. C'est le seul problème, c'est que faut taper beaucoup avec. Mais ils augmentent leur défense à l'infini. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, quoi. Ben Urax, tu fais les events, hein, comme tout le monde, hein, pour stack les DS. Hein. Joue avec Hit, Jiren et Vegeta. Hit, Jiren, Vegeta. Mais c'est quel team, ça, que tu fais? Quand tu auras fini avec cette team, tu pourras crier fuck. Ah, je vais respirer un bon coup. Hein. Quand j'aurai fini avec cette team, je vais respirer un grand coup, ça c'est sûr. Ça, c'est évident. Tac. Bah, tu pars pas en SP ultime, toi, de toute façon, quoi qu'il arrive. Ah, quoique. Non, même pas. Ok. La bagarre, celle, vas-y. Ça va et toi, Port de l'Embru, tranquille. Tu vas te faire bolosser à la phase migaté puissance à cause de C16. Ouais, je pense aussi. Non, mais je pense aussi. Mais bon, on a voulu t'hanter comme ça, on verra bien. Ah, t'es bien, Kaiton. T'es bien de ouf. Tu revends lesquels? Les 3 étoiles? Huch. C17 MVP, ZTURCL, puis les deux free-to-play, CEL, LR, Tech, C16, C13, un ami pour ma part, j'ai réussi. Ouais, je vois. Oula, j'ai fait quoi là? Je me suis un peu chié. Je vais faire ça. Et je vais faire ça. Hop là. Allez, voyons voir. Dimitri Live, non, je sais même pas c'est quoi. Ou c'est qui? Darks, je prends les deux. Hein. Je prends les deux. L'aspect. L'esquive de C18. C18, par contre, elle esquive au taquet d'attaque. Elle est incroyable, C18, en vrai. Elle est vraiment incroyable, la C18. En fait, je te disais que je suis en fauteuil roulant et grâce à toi et ta bonne humeur, m'aide à surmonter mon handicap et je t'en remercie beaucoup, mes enfants et moi, on t'aime beaucoup. Ben merci, Medwill, c'est super gentil. Hein. Merci pour ton message. Hein. Merci en tout cas. Hein. Gros soutien à vous, hein, clairement, gros soutien à vous, et puis on va continuer de régaler le plus longtemps possible, hein, on va essayer. En tout cas, merci pour le message d'encouragement et de soutien. Les deux free-to-play sont incroyables pour ce goût courage. Ouais, de ouf, vraiment, ils sont vraiment très bons. Hein. Sloop, attends, il a combien mon sel là? 158 000. Ça commence à être pas trop mal. C'est le sel, ça commence à être pas mal. Ça marche, Lelouch. Allez, good luck. Tu l'as, John, lance un live. Ah, ben vas-y, ça marche. Ben, bonne chance à toi, du coup. Amusez-vous bien là-bas. Et merci encore pour les conseils. C'est devenu trop de la merde, Nanatsu. Je parle du jeu. Quoi? Pourquoi ça, Senku? T'es un fou, toi. Senku, comment ça, c'est devenu de la merde? C'est le même qu'au départ. Il a pas changé, le jeu. Il a pas changé. Satan plus fort. Ah, Satan, il est incroyable. Satan, c'est le best. Ok, bon, toi, t'es presque mort. Toi, t'y es presque mort. Du. Non, mais là, ils sont fous, hein. Le trio cyborg va prendre très cher sur le puits. Ouais, on va voir comment on se débrouille. Hein.
TheKiriku23 vient de follow. Bienvenue. N'hésitez pas à mettre quelques pouces bleus d'ailleurs pour la rediff si vous voulez. Je suis grave preneur. Contre 3 heures de live, c'était tellement pas prévu ça. Non, je joue pas à One Piece Treasure Cruise, Luca, malheureusement. Mais en tout cas, merci pour ton message de soutien. Bleach, j'y joue pas non plus. Allez, la phase blue. C'est surtout ces 13 int. Si ça prend cher. Ces 13 int, je l'ai pas. Elle esquive quand la C17 à côté? Je sais pas. J'en ai aucune idée. Là, j'ai bien envie de péter ma rotation. Hein. Je t'avoue que là, j'ai bien envie de péter ma rotation. Après, le problème, c'est que... au niveau des keys, ça va être la merde. Mais au vu de ce qui se passe... je vais péter ma rotation. Je prends un risque. J'aime le risque. Je sais pas si le risque, il m'aime bien, lui, mais... moi, j'aime bien le risque. Et on va faire ça. Ouh, que j'ai bien fait, dis donc. Ouais, on va RP après. S'il y a des gens connectés, on va RP. J'aime le beurre et la biscotte. Avec de la confiture par-dessus, incroyable. Confiture par-dessus, c'est incroyable. Mais beurre tout court, c'est bien aussi. Il va bien, Kevin, ça va, hein. Sur PC, le Rule Hawk, Nanatsu, c'est de la... J'ai rien compris, Raphaël, j'ai rien compris. Merci, X, merci à toi. Je viens de regarder le dernier clip de Lady Gaga avec Ariana Grande, je trouve que Victoria lui ressemble de ouf. Bah, c'est un peu, en fait, après... dites pas ça quand il y a Victoria, évidemment, parce que sinon ça va chier, mais Victoria est une très très grande fan... de Ariana Grande. Malgré qu'elle te dira non, c'est une très très grosse fan de Ariana Grande. Elle fait que l'écouter, mais vraiment H24. Et je pense qu'elle s'inspire un petit peu de Ariana Grande dans son style vestimentaire et même dans, je sais pas, dans ses petites manières et tout. Si. Attention derrière, j'arrive. Ah merde! Non, mais. Oui, non, elle adore beaucoup. Elle aime beaucoup Ariana Grande, quoi. Elle aime beaucoup Ariana Grande, malgré qu'elle te dit qu'elle est pas fan. Elle est clairement fan. Voilà. Et je pense qu'elle s'en inspire clairement. En fait, mais elle s'en inspire sans forcément s'en rendre compte indirectement. Parce que ce que représente Ariana Grande, c'est un peu ce qu'elle aussi, elle aime, tu vois. Donc, ça passe un peu comme ça. Même dans le style vestimentaire, en vrai, il y a des similitudes de temps en temps, tu vois. Il y a des choses qu'Arna met et fait que Victoria aime bien aussi. Ouais, Anas. Oh là là, je prends l'aspect sur qui, là? C'est 18? Ah oh, non, j'ai pas de chance. Non, j'ai pas de chance. C'est qui a pris l'aspect, là? Ah, oh, c'est C18. Non, mais j'ai pas de chance, quoi. C'est un truc de fou, ça. Non, j'ai vraiment pas de chance. Encore C18 qui prend l'aspect, quoi. Ça te dérange son style? Ah non, ça ne me dérange pas, non. Non, pas du tout. Son style ne me dérange pas. Mais elle assume pas. Quand tu lui dis qu'elle est fan de Ariana Grande, elle te dit que non. Mais bon. On n'est pas mort. Transfo de sel. Quoi? Il est où mon sel? Ah non, je l'ai envoyé en rota. Non. Oh non. Hut. Ça, on va pas l'utiliser, non. C'est la PLS Ghost. Même pas Ghost. Je vais me soigner. Parce que quoi qu'il arrive, je vais prendre cher dans le tour. Quoi qu'il arrive, je vais prendre tarif. Donc autant que je me soigne, quoi. Bakugo, Shoto. Ah, Shoto. Shoto 2000%. D'où est venue l'idée d'un rush avec la Team Cyborg? En fait, c'est pas une idée qui m'est venue, c'est le jeu qui t'impose de faire ça. En fait, il y a pour récupérer des tickets et des DS, t'es obligé de finir en catégorie Cyborg aussi. Meliodas ou Escanor? Meliodas. Oh là là, j'ai bien fait de mettre la C18 en premier. Elle va plus ou moins bien tanker, en plus avec la Ebi. Nickel.
Ah, Meliodas direct, ouais. J'adore Escanor, hein, mais Meliodas, c'est Meliodas, les gars. Tu peux pas ne pas l'aimer, quoi. Yo, Netero-san, ça va ou quoi? J'imagine qu'ils sont tous partis en RP, là, sur Twitch. SAO, jeu mobile, non. Non, non, non. Pourquoi tu n'utilises pas l'active skill sur le trio? J'attends la phase puissance. J'attends la phase puissance pour l'utiliser. Wow, je vais prendre cher dans ce tour aussi. Hein. Je vais prendre grave cher dans ce tour. Bon, on va survivre, mais on va prendre cher. Levi ou Mikasa? Wow, ça c'est dur par contre. Hein. Levi ou Mikasa, ça c'est un gros dilemme. Non, très très gros dilemme. Mais je dirais peut-être Team Levi quand même. Je dirais plus Levi. Un peu plus Levi. Mais j'aime bien les deux. Hein. Franchement, les deux sont incroyables. Mais Levi, Levi quand même. C'est qui prend la spé là? Oh, c'est 18. En plus, elle a esquivé. Incroyable. C'est 18 qui allait manger une spé encore. Elle prend toutes les spé du monde, c'est 18. C'est un truc de ouf. C'est un aimant à spé. C'est un aimant à spé. Gon ou Killua? Ah, Killua sans hésiter. Killua. Et tu me dis Gon ou Kurapika, ça sera Kurapika direct. Ah, je peux pas vous laisser les deux à côté. Je peux pas. Oh, la régène incroyable. La régène incroyable. Sanji ou Miwok? Sanji quand même. Mais Miwok, je l'adore de ouf. Courage, tu peux le faire. Ouais, j'y crois aussi. Hein. J'ai envie d'y croire aussi. Hein. Je trouve que SNK possède beaucoup de personnages charismatiques comparés à d'autres animés. Bah, ils en ont quelques-uns qui sont pas mal. Après, il y a pas mal d'animés où il y a beaucoup de personnages badass. Hein. Après, ils sont pas tous badass hein, dans SNK non plus, les personnages. Je suis pas trop d'accord, là. Alors là, surtout, ne pas faire de bêtises. Surtout, ne pas partir en Dokkan mode. Ça passe. On part pas en Dokkan mode. Ok. Tiens, mange-toi ça, toi. Ok. Baki, je connais, mais j'ai pas regardé. Ah. Ah, je pense que vaut mieux que je parte avec celle puissance là. Je pense que celle puissance sera plus avantageux, je pense, non? Celle puissance, on est d'accord là. Ener ou Miwok? Miwok, sans pression. Ouais, on est d'accord. Tiens, j'espère que je meurs pas dans ce tour. Normalement, ça devrait aller. Allez, go. Allez, go. S'il te plaît. S'il te plaît. Ah! Ouais, 200 000 PV, il nous reste. Non, ça va, on survit. C'est bon, on survit, quoi qu'il arrive. Aizen, Sosuke ou Madara Uchiha? Madara. J'aime pas Aizen. Je déteste Aizen. Madara, je l'aime pas trop non plus, parce que c'est un méchant, mais en soi, il est trop badass quand même. Salut, Pex, ça va ou quoi? 1 800 000, putain, c'est tout. Je m'attendais tellement à plus. Yekais ou Kaïs? Oh, Yekais. Reiner ou Berthold? Reiner. Mais Reiner, c'est un salopard. Donc, non, Berthold, ouais. Non, Reiner, c'est le pire. Non, Reiner, c'est vraiment la pire des enflures. Non, Berthold.
J'avais celle puissance avec C18 tech et dans l'autre rotation C17 et C18 free to play. En rotation celle int et puis C13. Celle int? Ah oui d'accord Pierre, ok je vois. J'y vois. Je sais pas s'il tank là. Est-ce qu'on a moins de 77% de nos PV ou pas? Je crois pas. Je crois pas qu'il va tanker lui malheureusement. Je crois pas qu'il va tanker des masses. J'ai peur parce que s'il tanque pas. S'il tanque pas. Ça va être compliqué. Oh, ça y est, vous me posez tous les dilemmes du monde là. Jojo, j'ai regardé le début. Putain, je sais pas si ça va tanker C17. Tu as moins de 60. J'étais à moins de 77? J'ai un doute quand même. Hein. Franchement, là, je me suis régène donc ça compte pas, mais j'ai un gros doute. Hein. 3h de live, ça fait beaucoup là, non? Ouais, 3h25, ça fait même très beaucoup. Hein. D'accord, ok, bon, donc d'après vous, je tank. Allez, je vous fais confiance alors. On va voir, hein. Avant de te régène. Ok. J'ai pas fait les calculs, je t'avoue que j'ai pas sorti la calculette. Et... Ok, l'attaque supplémentaire pour stack 2 fois plus, parfait. À mon avis, je tank pas quand même, mais bon. Si je tank pas, c'est fini, on a perdu le run. Hein. Pour moi, je tank pas. Mais bon, j'espère que je prendrai l'aspect sur C18. Parce que sinon, bah c'est fini. Bam. Ok, on prend sur C18, ça va. On va prendre cher, mais ça va. 196 000 quand même. Hein. Attends, parce qu'à tout moment, il me met des auto-attaques à 100 000 quand même. Je crois que c'est mort. Je crois que même malgré ça, c'est mort. Non, c'est bon, ça passe. Ça passe et en plus, celle derrière, celle. Incroyable, celle. Let's go. Meilleur timing possible. Allez, let's go. Let's go. Let's do it. Ok. Qu'est-ce que je fais avec eux là à la fin? Est-ce qu'ils vont se faire arracher? On le sait qu'ils vont se faire arracher, on le sait de ouf. Mais qu'est-ce que je fais avec eux? Je sais pas quoi faire avec eux à la fin. Je sais vraiment pas quoi faire. Est-ce que j'item? Est-ce que j'item pas? Je suis full life. Mais si je prends une spé dessus, prie pour ce qu'ils esquivent. Ils ont des chances d'esquiver eux ou quoi? Mais je crois que Migaté il annule l'esquive, non? Chance moyenne d'esquiver les attaques. Attaque spéciale inclus. Ça va pas esquiver. Item. Ouais mais je mets quoi comme item? Je mets un ghost. À la rigueur, je peux mettre un ghost. T'inquiète, je te garantis que ça va esquiver, je le sens. Ouais, non, NS, c'est mort. Ouais, ghost, hein. Non, Whis, je peux pas l'utiliser, Whis, les gars. Après, si, quoique, en fait, si. En vrai, Whis, ghost, c'est mieux. En fait, non, c'est pas si mieux que ça. En fait, l'avantage du Whis, les gars, l'avantage du Whis, c'est qu'à la prochaine phase, j'ai deux C... j'ai le C17... J'ai le C17 aussi endurance qui va revenir et qui pourra tanker avec le Whis aussi. Là, c'est la team Cyborg, Boulax. Peut-être un Whis en vrai. Yunus, dédicace à toi. On va y aller comme ça. Ah, c'est même pas l'attaque spé ultime, bro. C'est pas le puits qui annule l'esquive? Ok. Bon, après, écoute, on l'a fait au cas où. 900 000. Oh, il a une valeur d'attaque, mon sel puissance, c'est n'importe quoi en vrai. Huch. 1 300 000, c'est propre. Ok.
Byakuya ou Zaraki Kenpachi. Byakuya, Kuchiki, sans hésitation possible. Ça prend cher. Hein. Ça prend très cher. Hein. Zloop. Je suis obligé de faire ça en fait pour la régène. Sleep. Je suis obligé pour la régène de faire ça. 217 000 de défense, ça commence à être pas trop mal en vrai. Allez, go. Go comme ça, on va voir ce que ça donne. De toute façon, là, on va tanker de ouf. Quoi qu'il arrive, on est encore sous Whis. Il lui reste combien? Il lui reste 4 barres de santé quand même. Ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup. Kirito ou Eren? Kirito. Ouais, Kirito quand même, Kirito. En fait, faut que vraiment on le termine le plus vite possible, là, le puits. Hein. Faudrait qu'on masse, qu'on lâche que des critiques. 3 barres de santé lui reste. Une petite esquive ici. Ok, bon, de toute façon, on s'en fout, on craint rien. Faudra vraiment qu'on le tue vite. Hein. Lien, pourquoi tu augmentes pas en abonnés? C'est pas cool, ton contenu. Bah, si, ça va, on prend des abonnés quand même. Mais après, petit à petit. Meliodas ou Escanor? Meliodas, je vous ai dit. Meliodas. Tu sais, au début de mon aventure sur Dokkan, je savais pas qu'on pouvait. L'animation de l'entraînement, donc je devais attendre 3 minutes. Sérieux, solo? Waouh, ouais. Ah, relou ça. Grave relou. Ouf. Je crois que je vais l'utiliser ça, non? Je crois que je vais grave l'utiliser ça. Allez. Tellement stylé le Kamehameha de sel. Incroyable. Incroyable son Kamehameha. 1 million 5000, ok. Derrix, je peux pas répondre à tout. Hein. Wow, la défense de mon sel puits. Ah ouais. Il n'y a plus le temps le sel puits là. 840 000 de valeur d'attaque. Ah ouais, on est dans un autre monde, là. Oh, putain, je prends l'aspect. Bon, ça va, j'ai 300 000 de défense. Normalement, je dois pas prendre si... 300 000 de défense, tu me mets 200 000 dans la tête? Le respect, il s'est perdu un peu en route, non? C'est ça, le respect? Ah, super, quoi. Oh non, il me l'esquive. Oh non. Putain. Il m'a esquivé l'attaque du puits. Ah, oh, il esquive tout. Et t'es pénible. T'es plus que méga pénible même. Poussez-vous de là. Ok. Ok. Bah là, le truc, c'est que je suis un peu obligé de péter mes rotations, par contre, en faisant ça. Normalement, j'ai une bonne régène ici. Ouais, c'est pas non plus extraordinaire. Tu perds tes 40%. Fallait que tu le gardes pour le hint. Non. Pourquoi fallait que je le garde pour le hint? Bah c'est bon, après la phase d'après, on s'en fout, c'est pas grave, t'inquiète. J'ai que 129 000 de défense après. Hein. Le truc, c'est que j'ai pas la meilleure des régènes. Je suis obligé de péter ma rotation, mais... Putain, j'aurais dû garder C18 en premier au lieu de C17 en plus, je suis trop con. Je suis grave trop con. C'est C18 que j'aurais dû garder et pas C17. Qu'est-ce que je fais maintenant? Casse pas. Ouais, mais à la fin, là, je suis wanted là, si je fais ça. Hein. Si je casse pas, à la fin, je suis wanted. Je vais devoir ghost. Hein. Je vais devoir taper mon meilleur ghost.
Je vais devoir taper mon meilleur ghost. Allez, go. Allez. Y allez, on va y arriver. Minuit 23, c'est pas grave. Allez, go. Il part pas en spell ultime, mais c'est pas grave. Allez, s'il te plaît. Que des critiques ici. Que des critiques. Ok. Allez. Critique. Oh, putain, ça le tue pas. Oh. Let's go, c'est 18. Trop forte, c'est 18. Let's go, c'est 18. Allez. The last one. Wissou. Ouais, mais Wissou. Non. Ouais, je vais item, mais je sais pas si je fais Wiss ou Ebi. En vrai, Ebi peut être pas mal aussi. Hein. Ebi peut être pas mal. C'est 8, non, ça vaut pas le coup de claquer un C8 là. Ça vaut pas le coup. 70% de régène. Je pense, je partirai plus sur la Ebi. Ouais, Ebi. On part sur Ebi, on tank tranquillou ce tour là. Allez, go. Allez, maintenant, faut que les attaques spé partent. Hein. Faut que les attaques... Ok, parfait. Bon, il a fait sur celle. Donc là, il va me mettre peut-être un truc comme 100 000 avec le Ebi. Allez, go. 140 000. Ok, c'est pas grave. Je régène 10% de mes PV avec l'aspect de celle puissance. Je régène 10% ici. Donc normalement, ça va. 600 000, c'est tout. Putain, c'est tout. On fait pas de dégâts. Allez. Éclate-le, sa mère. Soulève-le. 1 million, parfait ça. Parfait. Migaté en face, ouais, il est incroyable. Hein. Il est incroyablement incroyable. Ok. 500 000 ici. Bon, on lui a enlevé une première barre de santé. En voilà une bonne nouvelle. Waouh, je voulais virer le C17, mais ouais, de toute façon, je vais le virer quoi qu'il arrive. C'est là que je peux commencer à utiliser un Wiss. Mais est-ce que ça vaut le coup? Je sais pas. Là, je pourrais commencer à claquer un Wiss. Ah non, j'en ai qu'un Wiss. Ah ouais, ouf. Ah ouais, mais non. Bah non, là, j'ai plus beaucoup d'items en vrai. Non. En vrai, je survis ce tour. Non, il n'y a pas besoin d'items. Normalement, il y a. Franchement, il y a moyen de. S'ils sont séparés, tu perds trop de stats. Ouais, je sais, mais bon, le truc, c'est... Après, c'est 18, elle sera toujours à côté de ses 17. Et lui, c'est du tech, donc le tech, on s'en fout. Il partira juste en rotation, tu vois. C'est pas grave. Garde le tech. Il n'y a aucun perso qui tank. Ouais, mais là... Il y a un gros risque là. Mais le risque vaut le coup. Allez, vas-y. Allez. C'est 18. À toi d'aller m'esquiver toutes les attaques spéciales de Migaté. L'aspect va faire super mal sur le tech. Ouais, mais s'il me l'envoie sur le puits, ça va. Faut pas que ce soit sur le tech juste. Ok. Allez, envoie sur C18, on n'en parle plus. 100%, tu meurs pas sans item. Non, mais j'y t'aime pas. Ok, allez, spé ici. Non. Ah, il spé pas sûr. Hein. Ouh là là. C'est 17 end qui va prendre cher. On peut plus esquiver, c'est vrai. C'est vrai que j'avais oublié ça. Bon Dieu la Madone, c'est peut-être la fin de la partie. Non, ça va, tranquille. Tranquille. Tranquillou.
Tranquillou, tranquillou. Allez, la bonne régène, là. Bah, toi, tu tankes un peu, non? Le fameux C16. Ouais, mais le fameux C16, il va tanker un peu, là, non? Garde C16. Non, je peux pas le garder, je peux pas. Là, actuellement, je peux pas le garder. Je peux pas mettre le sel int à la fin, c'est impossible. Il va se faire massacrer. Il va se faire massacrer si je le mets à la fin, le sel int. Merci, Juliette, merci pour le like. Bienvenue, du coup. Allez, go. Arrête de m'esquiver le... Oh non, il a tout esquivé. Ah. 1 million, ok. Oh, la taxe... Oh non, c'est trop. Oh, c'est trop. Oh, c'est trop. Ah, oh, il a fait triple esquive dans le tour. Hut ? Attends, ça fait pas 3 tours. Ça fait 2... Vous êtes sûr, c'est 3 tours ? Je crois qu'il est resté que 2 tours sur le terrain. Je suis pas sûr des 3, hein. Wouah. Là, c'est musclé ici, hein. Là, c'est musclé ici, hein. C'est musclé de ouf, là. Là, je crois que ça va item, hein. Claque un item. Ouais, là, ça va claquer un petit whiz, hein. Ghost, non. Non. Franchement, un whiz, ça suffit large. Mais j'ai pas envie de claquer un whiz. En vrai... Après, le truc, c'est que si je fais ça, j'ai plus qu'un item de soin, hein. Ça tank easy. Ça tank pas easy, non. J'ai que 250 000 de défense. Je prends une spé sur le tech. Adieu. Il va me faire comme ça, migaté. Avar. Le truc, c'est qu'au prochain tour, je pourrais pas tanker comme ça. C'est pas possible. Je pourrais pas tanker tout ça. Donc, soit je claque un C8, mais il me reste que un heal derrière. Soit je claque le Whis. Et en vrai, je vais faire C8. Regardez bien ce que je vais faire. C8. Faut pas oublier que j'ai bientôt le Dokkan mode. Prochain tour, il y a peut-être un gros Dokkan mode qui part. Je pense pas que tu prennes 340 SP. Franchement, je préfère éviter. À 250 000 de défense sur le mauvais type. Si c'est envoyé sur C18, c'est sûr que c'est tranquille. Mais ça, on peut pas le prévoir. Et vu qu'on est dans un run, on est quasiment au bout. J'ai envie de pas trop prendre de risques, quoi. King ou ban? Ban. Ah, tu vois, déjà, il envoyait pas l'aspect sur C18. Donc, à tout moment, il me l'a envoyé sur C17. Ok. Il envoie même pas de spé. Bon, il envoie même pas de spé, ce salopard. On se soigne, c'est pas grave. Et puis, on tank. Et puis là... Là, c'est un gros Dokkan mode qui part. Dokkan mode. Bah, ça va être avec Selpui, hein. Selpui, là, il est... Tout simplement incroyable. Selpui, il est en god mode, là. Il est en god mode. Allez, go. Comme ça, on tank en plus. Ah ouais, Bilibili Ariel, ça va pas bien, là. Allez, là, tu vas me faire un ou quoi? 100 000, 150 000? Ouais, peut-être 150 000, quand même. Oh, ok, d'accord, ok. Autant pour moi. Allez, go. C17 l'aurait déchiré en Dokkan mode, dommage. Ouais, mais bon. Après, il va faire mal aussi, quand même. Hein. Il va faire mal aussi. Les deux free-to-play si bons, on les a... je sais pas. Attends, c'est un event qu'il y avait il y a pas longtemps. Oh, on est à 2 millions de dégâts d'attaque. Oh, regarde bien. Ouais, 2 500 000 quand même. 2 500 000, c'est pas négligeable. En critique. En plus, ça n'avait pas aussi. Let's go. Salut Poké Theory, salut. Allez, mange-toi ça. En vrai, on est pas mal du tout là. Event de Mirai. Ah, ben, Event de Mirai Gohan, il a dit. Allez, let's go. Tartine.
Ok, 700 000. On a fait la moitié du chemin, les gars. La moitié du chemin, ça va être long. Hein. Ça va être long et difficile, mais moitié du chemin à faire encore. Tout le monde part en spé. Tout le monde part en spé. Normalement, on survit là. Normalement, on survit là, les gars. Ça, quand je vois ça, j'ai peur quand même. Mais... allez, on survit. On a le même nom. Let's go, ça. C'est chiant à repasser si tu meurs. Ah, je meurs, j'abandonne. Je meurs, j'abandonne. Là, faut item. Non, pas besoin d'item. Pas besoin d'item, là. Quoi qu'il arrive, il enverra une spé. Putain, il va l'envoyer sur C17. On va manger peut-être 200... 300 000. On meurt pas. Oh non, il envoie sur le pire. Non. Non. Pas après tout ce qu'on a fait. Pas après tout ça. Non, s'il te plaît. 350 000. Est-ce que mon cyborg va tanker? Il tanque. Comme ça. Oh, comme ça. Ok. Claque le heal. Je vais surtout ghost. Non, pas C8, les gars. Pas besoin de C8, là. Là, je ghost. Prochain tour, je C8. Je tank tranquillou. Tour d'après, je tank aussi. On est bien. Item, C8. Non, ghost. Ghost. Ghost, ghost, ghost. Franchement, ghost. T'étais en sueur. Ah, bah là. Là, je l'ai la sueur. Ouais, elle était bien, là, ouais. Seul problème, c'est que là, pour partir en spé avec tout le monde... Ah si, en fait, c'est facile. Regardez, en fait, c'est grave facile. Je fais ça. Je fais ça. Régène de 10% en plus. Plus ça. En vrai, ça va. En vrai, ça va. On va régène. Allez, mange-toi ça, mon pote. Allez. C'est pas grave, on va pas faire d'énormes dégâts là-dessus. Ouais, 800 000 quand même, 800 000, ok. Merci Marion Tranchant, merci, merci. C'est bon, Calem. Ouais, non, non, c'est bon, c'est bon. Le critique ici, 600 000, ok. Allez, y aller, y aller. Wouah. Wouah, le nombre de fois où il attaque. Oh, c'est 17, il tank là. C'est 17, il tank. C'est 17, il tank là, on est d'accord, hein. Oui, ouais, 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 non, mais t'inquiète, t'inquiète. Mais c'est 17, il tank. Item. Ouais, ouais, j'item. Mais je vais item, vous inquiétez pas, c'est sûr, ça. Je promis, j'item. Mais c'est 17, il tank, là. Ah, j'utilise un whiz, ça suffit, non? T'as plus de soins? Si, si, j'en ai encore. Je whiz sur deux tours. Si, si, je casse ma rotation. Tu vas casser ta rota, c'est pas grave. Je casse ma rota. Sans pitié. Casse pas tes rotas. T'inquiète, je les casse. Je casse mes rotas. Parce qu'à partir de maintenant, c'est 17, il va tanker de ouf. Parce qu'à partir de maintenant, j'aurai jamais plus de 77% de ma santé. Allez, ça passe. 600 000. Avec un critique, ça aurait été un peu mieux que par contre. Let's go. Tu penses quoi de derrière rouge pour ma part trop puissante? C'est qui derrière rouge? C'est qui ça? 400 000. T'as plus beaucoup de santé, Goku. Par contre, j'aimerais bien que tu m'esquives ces 17 à la rigueur et ne pas esquiver celle derrière. Ok. Oh, critique 700 000 quand même, c'est propre. Ok. Ok, 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 ok. Habitant de la Terre, normalement je survis là. Je suis encore sous Wiss. Hein. Là, je suis encore sous Wiss. Donc, normalement, là, je tank encore. Faut spé ultime avec le LR. Ouais, mais le problème, c'est que c'est galère pour spé ultime avec le LR. Mais on va le faire, on va le faire.
On va aller SP ultime. No item. Assure, c'est 8. Go, dernier item. Non. Normalement, je survis sans item, là. Normalement, je survis sans item. Est-ce que ça part en SP ultime, ça? Je suis même pas sûr. Hein. Je suis même pas sûr de partir en SP ultime, là. Si? Ouais, si. Après, je peux C8. Mais en fait, il y a un risque. Parce que s'il esquive mes deux attaques d'aisselle, chose qui est arrivée tout à l'heure. Attention, les gars. C'est arrivé tout à l'heure. Si j'utilise C8, je n'ai que le prochain tour pour tanker. Et ça veut dire qu'il faut que je le tue sur le prochain tour, parce que sinon c'est wanted. Mais la vie de ma mère que je suis pas joueur et qu'on va se soigner. Allez hop, ça dégage. Quant à toi, tu veux partir en SP ultime toi? Vas-y, on te fait un petit kiff. Ah, ça suffit pas, putain, je pensais. Je le fais. Prochain tour tendu. On va voir. T'aimes bien les sons de Akai? Ouais, Akai il est grave fort. Son dernier son Obito, il est monstrueux. Allez, go. Il esquive pas. Allez. Esquive pas le sel juste et c'est terminé. Allez, s'il te plaît. Ça passe. Ça passe. C'est fini. Oh! Et là, il va esquive ça. Ah, c'était sûr! Oh, le bâtard! Non! Vas-y. Allez, go. C'est bon, je t'achève ici, mon gars. Je t'achève ici. Ah merde, j'avais pas dû prendre tout ça, mais bon, c'est pas grave. Allez, casse-toi. C'était sûr, en fait. Ouais, non, c'est jamais sûr, mais bon. C'est 18-0 de défense. T'inquiète, elle a un peu de défense quand même. Ok. J'ai quand même peur, tu sais, j'ai quand même une appréhension. Vas-y. Bah, sérieusement là? Allez, c'est 17. C'est toi le MVP. C'est toi le MVP, c'est pas pour rien. Let's go. Allez, merci. Merci le côté cyborg. Allez, pour tous ceux qui avaient dit que ça passait pas avec le trio GTLR. Allez. Allez, go. Go. On aura souffert le cyborg. 4 heures de live. Il y a au moins 3 heures consacrées à la catégorie cyborg. C17, sauveur de l'univers 7. Ah ben là, il a tout sauvé, C17. Hein. Incroyable. Rien que pour ça, on va aller prendre 2 packs F et on va faire une invocation revenge. Et bien sûr, c'est pas vrai. Par contre, je me fais une petite single du désespoir. Hein. Celle-là, je me la dois bien. Allez hop, avec un miracle. Ouais, d'accord, allez, il n'y a personne. Trio cyborg. Ouais, trio GT, pardon, excusez-moi. Trio cyborg, hein. Excusez-moi, c'est... Voilà, c'est sous l'émotion, on va dire. Voilà. Ah, Beerus, vas-y, Beerus, là, tu m'as saoulé. Allez, rien que pour ça, je peux pas rester sur ça, j'en refais une. Allez, go. Go. Ça aurait pas pu être que Krillin ou Piccolo Gohan. RIP la single. Ouais, RIP, mais c'est pas grave. Ça méritait une invocation, tout ça. Ouais, quelques singles. 3 heures de cyborg, dont 1 heure... Ouais. Allez, je fais ma dernière et je m'arrête là pour ce portail. Après, c'est fini. Go, acheter le pack. Non, j'achète pas le pack. Je fais juste 3 singles et basta. Ciao, Zou. Il m'a pissé dessus, ce portail. Il m'a pissé dessus. Ça faisait longtemps, on m'avait pas autant pissé dessus. Voilà. Merci, le portail. Bref, c'est pas grave. Allez, Frost. Aïe, les DS. Ouais, c'est pas grave, écoute. Hein. Les DS, ça revient, hein. Ça part et ça revient, j'ai envie de te dire. Allez, on va récupérer, on a les tickets à faire. On en a 10 du coup. Allez, on fait 2 multi. Peut-être que pour un lot de consolation, le LR SJ3 ici, hein, qui sait. Hein. Oh, Vegeta. Non. Dommage. Ouais, SJ1, même là-dessus, j'ai pas de chance. Waouh!
Waouh! Le LR, ouais, ben on aimerait bien avoir un doublon sur le LR SSJ3, mais j'y crois que très moyennement. Bon, au moins on aura réussi quand même. Entre 4 heures de live, le cyborg, c'est cool. Oh, même là, j'ai pas d'animation, quoi. Même là, j'ai plus d'animation. Je sais pas ce qui se passe. En tout cas, n'hésitez pas à mettre quelques pouces bleus. Je vous laisserai la rediffusion. Merci, hein, pour les conseils et les soutiens. Hein. Incroyable. T'as réussi le fusion. Je sais pas si on l'a fait le fusion, mais je crois que oui. Hein. Fusion en même temps, il est pas compliqué. Ah, le SSR, mais je l'ai déjà 100% lui. La Luck reviendra aux 5 ans. Ouais, j'espère, hein, j'espère qu'elle reviendra aux 5 ans, parce que là, vraiment, elle est portée disparue, quoi. Pauvre Lilian, ouais, pauvre Lilian, hein, mais bon, c'est la vie que j'ai décidé de mener. Tu relives quand? Bah, je sais pas, dans la semaine, sur Dokkan, dans la semaine, on se fera la suite des Goku Rush. Je sais pas quelle catégorie il nous reste à faire. Enfin, s'il y en a une, je sais que c'est Voyageurs du Futur, donc on doit... Enfin, Saga du Futur et Voyageurs du Temps, ça, c'est sûr et certain. Deux catégories que j'ai vraiment pas envie de faire. Ah, c'est les deux dernières. Oh. Oh, je les déteste. Oh, je les déteste. Voyageurs du temps et Saga du futur. Oh, je les déteste. Oh, alors, eux, va falloir que je me prépare psychologiquement. Mais alors, vraiment. Il y en a une des deux. Je sais qu'on l'avait pensé, on l'avait passé avec Trunks Maillet en ami leader et tout, à chaque fois. Et l'autre, on avait tenté un coup de poker. On avait pris les boulettes. On avait pris les boulettes. On avait pris quoi? Boulettes. Dokkan Mode sur le Migate Int avec le Trunks du futur. C'était le but. Mais sauf que quand t'as pas. Ouais, alors vous dites que c'est facile avec le Trunks multiforme. Évidemment! Évidemment. Mais est-ce que j'ai Trunks multiforme dans ma team? Enfin, dans ma box? Absolument pas. Et c'est là que c'est un problème. C'est ici que c'est un problème. C'est pour ça que c'était compliqué. Mais on l'avait explosé avec le Trunks multiforme ami leader. On avait pris les boulettes et on lui avait lâché un espèce de 12 millions, je crois, ou un truc comme ça. On l'avait anéanti, quoi. On l'avait anéanti comme ça. Bref, eh ben ça, on verra sur le prochain live. Du coup, puisque c'est nos deux dernières catégories, ben le Louche, on a gagné, c'est bon. On a réussi finalement avec cette team, avec le trio GT. Enfin, le trio GT, putain, le trio LR Cyborg. Et c'est C17 MVP qui est venu terminer le combat. J'avais plus d'items, c'était mon dernier item. Voilà, en tout cas, voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Merci encore, hein, pour tous vos conseils. Ça aura été très long, hein, vraiment désolé, je pensais pas que ça serait aussi long. On va aller sur GTA RP un petit peu sur Twitch. On va faire une heure ou deux de RP tranquillou là-bas. Et puis peut-être qu'après, on fera un peu de pumel party avec Fafa, Yanis, tout ça. On verra avec eux s'ils sont chauds pour la fin de soirée. En tout cas, merci à tous. Pour ceux que je ne revois pas sur GTRP sur Twitch tout à l'heure, ben, passez une excellente fin de soirée. Pour les autres, ben, je vous dis à de suite. Merci encore pour les conseils, pour toutes les donations aussi qu'il y a eu sur le chat, les abonnements, tout ci, tout ça, vous connaissez comme d'habitude. Rediffusion bien évidemment de disponible. N'oubliez pas de bombarder les pouces bleus. Et je vous dis à d'ici 10 minutes, rendez-vous sur Twitch pour GTRP. Des bisous tout le monde, merci encore pour vos conseils. Et à tout à l'heure, ou à demain pour les autres, hein, pour ceux que je ne verrai pas sur GTRP. Tchou tchuss!